Bonsoir à tous et bienvenue pour cette Doigt Cup. La qualification numéro 3 commence dès maintenant. Miz est avec nous ce soir. Un grand merci à toi, Miz, d'avoir fait le déplacement et d'être là. Ça fait longtemps que tous les deux on devait se capter pour faire ça. Très content et ça va être, à mon avis, étrange pour toi d'être de l'autre côté. J'avoue, spectateur pour un coup. Ouais. Sky, t'avais bien kiffé la semaine dernière et c'est pour ça que j'ai voulu réitérer l'opération avec des joueurs pour une vraie expérience de terrain. Les gens avaient adoré justement les interventions de Sky et je voulais remettre ça ce soir. Et on aura une autre opinion, donc il y aura peut-être même des débats entre eux. Ils seront peut-être pas d'accord et tout. Et c'est ce qu'on veut, hein. on veut tous ressortir enrichis parce que dans Fortnite, il n'y a jamais qu'un seul move possible. Il y a plusieurs possibilités en fonction de comment tu te sens, etc. Voilà, il y a plusieurs choses. Plein de possibilités. Exactement. Et après, c'est prendre les bonnes décisions par rapport à l'état de forme de l'équipe, la situation, le stuff, la zone. Enfin, donc il y aura des fois, à mon avis, il y aura des avis différents. Il y aura des gens qu'on. Enfin, il n'y a pas une personne qui a raison ou tort, c'est du feeling. Donc on aura Oslo, le joueur Vitality, qui s'est qualifié sur la semaine 2. T'avais pas joué la semaine 1. La semaine dernière. Non, on n'avait pas fait la semaine 1. Parce qu'en gros, on avait annoncé notre trio trop tard, apparemment, je crois. Ok. Et du coup, bah ouais, on s'est qualifié la semaine dernière. Tranquille, deuxième, à égalité avec les premiers qui étaient. Nous, pareil, on n'a pas fait la première. Ouais, pareil, pour les mêmes raisons. Non, on devait faire une autre cup, mais elle a été annulée au dernier moment. Ah merde. Et du coup, vous n'aviez pas la place. Coup, trop tard pour la Doigt Cup. Bah, comme quoi, finalement, vous êtes arrivé semaine 2. Moi, c'est tant mieux parce que je me suis dit, s'ils vont tous semaine 1, personne à hype sur les semaines suivantes. Ce soir, là, on a du bon niveau quand même. Oui, vous avez sûrement dû le voir justement durant l'intro avec les équipes qui tournent. Mais très content du coup de t'avoir au slow. Comment ça se passe, toi, là? J'ai vu que t'avais repris beaucoup la compète. En gros, je sais pas si t'es au courant, mais je m'étais fait une tendinite il y a 5 semaines. Skype m'en avait parlé. Enfin, au début, en gros, des FNCS. Et du coup, là, je reprends depuis 2-3 semaines et j'ai des bonnes sensations, etc. Et avec la squad et tout, je suis chaud de fou. Bah, on l'a senti, t'as fini à égalité justement la semaine dernière. Alors, vous n'aviez pas battu le record des qualifications. D'ailleurs, c'est très étonnant que le record s'est passé sur la semaine 1. Alors qu'il y avait quand même les plus grosses équipes présentes. Il en manquait, mais il y avait les plus grosses. Ils avaient fait, je crois, 99 points. Et de mémoire, vous avez fait 97. Ouais, c'est ça, deux points de moins. Hein. Donc, c'était assez faux. Donc, voilà, on allait les deux meilleurs. Joueur de la semaine dernière. Oslo qui a failli être MVP, hein. Honnêtement, il y a un groupe qui s'est mobilisé sur Twitter en disant non, ça ne doit pas être Tixi, c'est Oslo qui le mérite parce que y a eu beaucoup d'actions que tu as faites de ton côté qui n'étaient pas passées forcément sur le stream global. Qu'on a revu, que j'ai revu par la suite, là, des petits 1v5, etc., qui étaient plutôt bien gérés. Mais voilà, la communauté a quand même décidé. Tixi récupère forcément cette deuxième médaille de MVP. Et on avait aussi mis en place un vote pour le trophée mystère et il s'avère que c'est Tixi aussi qui l'a remporté. Tixi très soutenu sur les réseaux sociaux. Attendu, quoi, on va dire. Une fois que tu mets ça dans les mains du public, c'est souvent la plus grosse fanbase qui. Même mérité, il a fait des bons moves. Totalement, je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'il avait fait une très belle session et puis il revenait de loin. Tu vois, Tixi, ça fait un moment qu'on l'attend. Il a quand même bien performé. On n'est pas là pour parler de lui, il est déjà qualifié. Il attend le 1er octobre, comme plein d'autres équipes. D'ailleurs, on peut revoir rapidement les équipes qui sont déjà qualifiées. Donc la semaine 1, vous allez reconnaître, hein, il y a eu le MCES qui avait remporté la qualification. Les Solari qui étaient très déçus de cette deuxième place, même si on l'a dit, ce qui comptait c'est d'avoir son billet pour le 1er octobre. Je me rappelle Nairwax un peu boudeur parce que il avait envie de la gagner celle-ci et vous pourrez derrière vous voyez les autres équipes, il y a la deuxième équipe Solari X le stream avec Hunter, Kinstar et Sky et je vous laisse observer pour les autres tranquillou. Donc ça c'était la semaine 1, une semaine quand même très animée. Regardez justement les qualifiés de la semaine 2 où justement on va les retrouver. Ok, c'est pas dans l'ordre parce que je m'attendais à avoir mis en haut quoi. Okay. Donc c'est pas dans l'ordre de victoire, donc vous les voyez tout simplement. Donc DRG Maxa qui nous avait fait bien rigoler, hein. Ouais. Toujours foufou cette trio avec 7. Ils ont top 1 sur la dernière game je crois. Oui, c'est ça. Franchement ils ont fait une belle soirée et je crois qu'ils ont fait beaucoup de kills parce qu'ils avaient beaucoup marqué de points. Leur style de jeu. Hein. On aura l'occasion d'en reparler, mais oui, effectivement, il y en a qui marquent les points via les kills, d'autres qui arrivent à faire les deux. Justement, vous voyez la team d'Oslo, tout en bas, hein, c'est lui qui est caché par le logo, désolé, avec Bat Sniper et Opi, et surtout Trixou, Miz et Antora qui ont remporté cette qualif numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé, Miz? Parce que là, on a eu un peu d'actu côté Oslo. De ton côté, moi la dernière fois que je t'avais, interviewé, c'était avec Didra, vous étiez en duo, en prépa pour les Worlds, retour des Worlds, remise en question, format trio annoncé. On a décidé d'arrêter de jouer ensemble, okay. Didra et moi, et donc j'ai monté mon petit trio de mon côté, j'ai trouvé deux jeunes strumeux. Direct, c'est c'est mon premier trio que j'ai trouvé. Ok, j'ai fait une semaine avec un autre trio, ça s'est pas trop bien passé. Et la deuxième semaine, j'ai trouvé Trixou en Thorac, on fait top 10 direct. Donc là, ça annonce que du bon. Et ça fait 3 semaines on joue ensemble et on fait des bonnes perfs. Ok, écoute, la preuve, t'es revenu directement sur le haut du panier. Maintenant, il faudra confirmer le 1er octobre, parce que vous l'avez compris. Là, ce n'est que des qualifications. On peut vous remettre le concept global de la Doigt Cup. Regardez, 3 phases qualificatives, 10 trios qualifiés à chaque fois. Ils se donnent rendez-vous le 1er octobre pour une grande finale. Et on aura du coup les 30 meilleurs trios qui s'affronteront pour 15 000 euros de cash.
Cash Prize. On a glissé là-dedans 6 trophées mystères. Vous avez compris que ça partait un peu dans tous les sens. Donc la première semaine, on a une image logiquement qu'on pourra vous montrer. C'était sur un long shot. La deuxième semaine, c'était le clip. Cette semaine, je peux vous l'annoncer, même vous, comme ça vous l'avez en tête directement, le gagnant du trophée mystère sera la meilleure dernière action qu'on aura jugée. C'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir les 6 dernières actions parce qu'on va suivre les games jusqu'au bout. La meilleure dernière action, donc le dernier kill. Juste avant le top. Hein. Ça peut être un 1v2, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, s'il y a un clutch. Okay. Donc c'est vraiment juste avant le top, exactement. Oui, okay. La meilleure victoire royale de la soirée. Ah, pas mal. Donc gardez ça en tête, on va avoir les 6 victoires royales forcément. Et il faudra désigner. Alors parfois, ça peut être le mec qui sera même pas qualifié, hein, tu vois, mais il aura fait le bon move de fin et il nous aura vendu du rêve, bien évidemment. Et donc voilà, maintenant on peut passer au format. Donc ça va se jouer en 6 games, bien sûr. Donc regardez, en fonction du positionnement, vous marquez des points. Ensuite, c'est un point par kill. Et voilà. Et c'est un format qui est quand même assez connu maintenant. Il y a eu même la trio FNCS ce week-end qui se basait là-dessus, c'est aussi. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce format qui a été quand même imposé tout au long de cette saison? Pour moi, c'est une bonne chose. Il faut que ce soit carré. Par exemple, on voit des tournois français ou autres européens avec d'autres systèmes de points que ceux de Fortnite même. Et pour moi, c'est le mieux, tu vois. T'as apprécié. Ouais, tu trouves que ça déséquilibre pas forcément Non, c'est normal. Le jeu est fait comme ça. C'est un bon format. Ok. Miz, t'es d'accord ou tu vas des corrections, ouais, des améliorations? Au début, j'étais pas fan des 1 point par kill, surtout en solo et duo. T'avais peur que c'était pas assez ou trop? C'est trop. C'est trop. Quand tu vois des Mitro Mongral qui font 120 kills en 10 games. Bah moi j'ai vu surtout Mongral se faire exploser ce week-end. Ouais, ça arrive, ça arrive, ouais, même au meilleur. Bien sûr, bien sûr. Ils ont roulé pas en 5 semaines sur l'Europe, donc. Ouais, mais entre des entre ce qui se passe quand c'est des qualifs et ce qui se passe quand c'est le tournoi réel, tu vois, on l'a senti que finalement le format il a pas été en leur faveur le jour. Ouais, j'avoue. Après, j'ai vraiment pas suivi la finale. Au bout de 2 games, ils étaient premiers. C'est juste qu'après, en gros, ils se sont fait spawn kill 2 fois par un robot. Exactement. Du coup, ça leur a cassé leur tournoi, quoi. Ah, c'est leur ça que j'ai vu le tweet en majuscule. Je sais pas si c'était volontaire pour vraiment les écrabouiller, mais effectivement, ça a été très très compliqué. Donc voilà le format pour ce soir, alors que le chat devient fou pour Xewer. Hein. Là, il y a une mobilisation énorme. Il a un petit problème. Ouais, bah, il a l'habitude, je pense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça mérite un spam de chat pendant 40 minutes? Je ne sais pas, mais on a vu en tout cas les messages. On lui souhaite bonne chance pour ses mésaventures et on verra ce qu'il va réussir à nous proposer ce soir. Parce que lui aussi, ça fait des semaines qu'il essaie de se qualifier. Il n'y arrive pas. Il y a beaucoup d'équipes dans ce cas-là, peut-être que ce soir ça va être leur soir. Justement, il y a les grosses équipes qui sont passées, c'est le moment, tu vois. Connaissent le format. En plus, ils ont tout dans les mains. Autre chose, rapidement, c'est un peu plus l'actualité. Ils ont annoncé que la saison prochaine allait se passer en squad, donc en équipe de 4. Votre première réaction à ça? Même si j'imagine que vous êtes déjà en mode, alors mon équipe. Directement, ouais, tu penses à ta fait, team. Les problèmes. Mais au-delà de ça, au-delà de ton équipe, quand t'as appris la nouvelle, qu'est-ce que tu t'es dit direct en mode? Toi, je sais que t'étais un fan de squad avant, mais est-ce que ça a changé? Ouais. J'ai beaucoup changé. Je suis pas fan de la trio. Et la squad, je pense, ça va être un peu pareil. Et... C'est quoi qui t'effraie avec ce format squad? Bah, les bugs. C'est trop brouillon les games, c'est dur à suivre, même pour les joueurs. Ouais, il y a beaucoup de choses. Pour moi, genre vraiment, la duo, c'est la limite des serveurs. Je l'ai vu à la World Cup, etc., même pendant les qualifs. La duo, c'est la limite du serveur. En trio, ça laguait de fou. Ouais, je suis d'accord. Et là, la squad, j'imagine même pas en fait comment ça va se passer. Bah, ça me fait peur, et surtout le fait que ça va être beaucoup plus dur de valider des kills. Donc la Storm Surge va faire des massacres. J'avoue que déjà en trio, c'est incroyable la Storm Surge. Bah, en squad, va falloir en mettre des dégâts, les gars. Et j'ai l'impression que les gens vont rester en vie aussi. Tu vois, il y a plus cette possibilité de survivre. Alors, après, il y a aussi cette possibilité, comme tu disais, tu m'avais dit en off, les gens vont avoir 2 miniguns, donc aussi il y aura peut-être cette possibilité d'exploser des teams. Mais bon, j'avoue que j'aurais préféré une saison en duo, mais je pense qu'on est très nombreux parce que la duo, on serait revenu à quelque chose d'assez un couple, deux personnes. Tout le monde aime la duo. La duo, c'est vraiment le format. Bon, il est tranquille. La trio, j'ai bien aimé. Pour être très honnête, j'ai bien aimé. Ça apportait un truc en plus. Et déjà, tu avais une affinité entre 3 personnes. Donc, c'est-à-dire que tu as souvent 2 qui se préfèrent et le 3ème qui essaie toujours de t'intéresser. Donc, il y avait ça en plus. Alors que la duo, c'est en mode juste, c'est la lune de miel, quoi. Soit ça marche, soit ça se sépare, quoi. Donc, j'avoue que j'aurais bien aimé la duo, mais c'est tombé sur la squad. La prochaine Dwag Cup sera forcément squad. Du coup, on s'adapte avec les saisons de Fortnite et du coup les formats officiels de Fortnite. Ils soutiennent aussi le projet. Il y en a plein qui demandaient, tiens, d'où viennent les 15 000 $? Il y en a plein qui ont fait 15 000 euros. Si vous n'aviez pas compris, c'est Fortnite du coup qui paye le cash prize et on les remercie très très fort pour ça. Ils soutiennent le projet parce qu'ils kiffent le projet. Vraiment pas mal. Je croyais que ça venait de ma poche. Hein. Non, mais un peu des deux. Je suis pauvre. Hein. Un peu des deux. Bon, leur dis pas ça, ça va leur donner des idées. Non, c'est très bien comme ça, 100%. Dwag Production. Ouais, la Dwag Production, elle a pas ses ressources actuellement. Non, mais voilà, donc c'est un moyen de soutenir aussi l'effort qu'on fait, le travail qu'on fait, mais très très content de les voir un peu s'investir et donner de la force. Ils nous mettent sur le client toutes les semaines et tout, donc franchement merci Fortnite, et nous on continue comme ça. Les amis, si vous êtes prêts, on va pouvoir dans quelques instants démarrer la première game. Est-ce que vous avez vu un petit peu le mode ops? Est-ce que vous l'avez tâté un peu? Pas du tout. Non. Ah, vous allez kiffer, hein. Ah ouais. Ah ouais, là je suis fier de pouvoir vous proposer ça parce que c'est une autre manière de vivre la compète. Tu t'ennuies jamais et vous allez voir. Là, regardez, rappelez-vous, hein, il est 19h12, c'est bon. Ouais. La prochaine fois qu'on va regarder, il sera 22h45. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Parce que la game va se lancer et après c'est le rush ultime, mais je vous jure, ça va être le feu. Et ben on va suivre tout ça, mesdames et messieurs. Je vous propose de rentrer directement dans cette première game.
Oh là, merci beaucoup. Il y a vraiment du monde là. Attends, ça va où ça? Ils sont 9 au bloc là. Bah ouais, il y a personne à loot là. Situation, tu. Ah si, ok. Est-ce que tu peux me montrer un peu la minimap, tiens, mon cher Modop? Regarde, c'est là, tu peux voir un peu les spawns de tout le monde. Bon, on voit aussi les lamas là, j'espère qu'ils vont pas être spoilés en mode mec en C4, C2, lama ouais. C2. Pour le 1er octobre, on retient. Non, mais voilà, donc vous voyez à peu près où ça spawn, mais c'est vrai que dans le haut de la map, là, surtout au bloc là, est-ce qu'on peut aller au bloc là, les deux teams? Et c'est vrai que Salty aussi, hein, ça Undead, Junk, il y a personne? Ouais, tu vois, tu t'en rends compte quand t'es en Modop, c'est trop bien. Incroyable. Bon, du coup, on va voir ce qui se passe. Et justement, on passe sur Noir très rapidement avec Nate et Meshway. Spawn agressif, hein. Totalement. Spawn du jeu, meilleur spawn du jeu. Bah ils ont décidé que voilà, la semaine dernière ça a été compliqué pour eux, ils se sont fait souvent surprendre au spawn, etc. Cette semaine ils vont tout donner et c'est vrai que si t'as envie de démarrer ton tour dans la meilleure situation, Retail Row paraît être le meilleur endroit. C'est eux qui vont mettre le rythme je pense cette soirée. Vous en pensez quoi vous des spawns ça vous dérange le fait que ouais. Retail Row soit si fort, ce genre de choses, c'est un truc qui est vraiment la map embêtant. Est très déséquilibrée. Exactement, c'est exactement. Rapproche un petit peu ton micro Oslo. Ouais. La map est très 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 déséquilibrée. Par exemple, là il y a le Tilted qui est sorti avec 50 coffres. Il y a t'as ça ou avec Batman là ouais, parce que j'ai pas joué depuis 4 jours. Hein, donc, Et ouais, du coup, t'as Retail où t'es tu quasiment. Tu mets bien du coup. Ouais, bon, et t'es quasiment certain de ressortir avec 3-4 pattes. Ah ouais. Même à Tilted, enfin à Gotham City. Oui, à Gotham aussi. Ouais. Oh, mais ça va être trop stylé les fights à Gotham City pendant la Toy Cup. Oh là là, Gotham City. Tellement stylé. J'avoue que ça, c'est trop cool pour les créateurs de contenu et tout. Pour la compète, ça doit être un peu chiant hein, quand même. Hein. On est habitué. C'est ça. Mais est-ce que maintenant que vous êtes habitué, ça doit continuer ou est-ce qu'il serait temps quand même de se poser les bonnes questions? Big game. On vous lance une perche. Et on va voir ce qui s'y passe. Oh, regardez, ouais, ça c'est une belle visu. Onokill, justement. Onokill, j'ai un petit fun fact avec lui. Si vous vous souvenez de la Lyon eSport, c'était peut-être le seul joueur que j'avais eu le temps de commenter. Parce qu'il a eu le temps de faire une action, de l'interviewer et après ça avait crash. Donc Onokill, voilà, je le retrouve ce soir. On va voir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a, a step up ou pas depuis. Il jouera avec les 13 up, Igamaru et Eiko. C'est des sites de spush hein, là. Ça vous parle cette équipe? Non, je connais Onokill. Onokill aussi et... C'est tout. Je vais bien te un peu Oslo en régie s'il te plaît au niveau du micro. Eiko de nom je connais. Ouais, ou le stream s'ils l'ont pas assez fort aussi. Et là ça fight hein. Là ça fight. Donc prise de hauteur naturelle. Classique. Tout va bien et vous voyez que ça se coordonne. Hein. N'hésitez pas à nous expliquer parce que à mon avis vous avez vraiment une visu pour vous. Tout paraît plus logique. Mais mettez-vous à la place du viewer qui découvre. Mais bah vraiment là, c'est surtout ça setup, tu vas attendre les erreurs de l'adversaire. Et ouais, genre là, par exemple, c'est une erreur d'avoir perdu la hauteur. Voilà. Là, c'est après c'est un build fighter Ever, hein. C'est un G4B les frérots. Faut bien qu'il de temps en temps il puisse utiliser ça à son lui, avantage. Il est tout seul, enfin il a pris la hauteur tout seul, du coup il est potentiellement en 1v3, tant que ses deux coéquipiers sont en bas et on les voit. Ils vont pas en 3v2 sur les deux mecs en bas. Mauvaise communication ou. Toi c'est ce que t'aurais call là? En mode venez on appuie sur bah, les solos. Les trois prennent la hauteur en même temps, ça aurait été déjà mieux. Parce que là il fait quoi? Il a usé des matériaux, il en a plus. Et c'est vrai. Bah son move entre guillemets servit à rien. À part juste créer un peu un décalage, ça a peut-être permis aux autres de respirer, mais mais là bonne balle de Gaia, je pense qu'on dit comme ça son pseudo. Exactement, avec un pompe automatique. Voilà, il a attendu l'erreur, il a édité, il était de dos et lui a mis une belle balle. Et tu vois, ils vont pas se jeter. Non. Il y a vraiment ce côté où c'est ça, c'est ouais, la trio c'est aussi. Hein. On observe, on attend le mauvais placement, la bonne balle de pompe qui passe. Mais au bout d'un moment, faut prendre des responsabilités, ça, là c'est Ever. Ça c'est un bon move. Mais Ever n'avait plus de build, du coup bah il peut exactement rien faire. Exactement. Bah, c'est Onokill qui se fait et finir là, parce que lui non plus n'a plus de build. Et y'en a un qui a pris... Oh la balle bon de contre Onokill. Il a peut-être plus de build mais il a encore du shoot. Mais qui est à la hauteur là-haut là? C'est qui est en train de bourrer depuis tout à l'heure? Gaia 40 HP hein. Oh, ça va être chaud hein, finalement. Plus non plus, c'est des fighters league mais... Ça va être chaud pour eux là, Onokill. Eiko 50 HP aussi. Il a fait un gros taf quoique finalement. Un tombé de chaque côté j'ai l'impression, voire même deux. Oh le pompoto, oh dommage. 1v1 et c'est une victoire du côté d'Uranos pour ce premier 3v3 au bloc. On bon savait que ça allait fight. Un 3 kills. Bon clutch de sa part, hein. Il a fait un 2v1 là je crois. Ouais après, moi est-ce que les deux autres ont pas quand même aussi contribué si, sur le fait qu'il soit tranquille mais... Peut-être. Mais oui, Uranos. Mais faut pas trembler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est surtout ça. Qu'est-ce que t'as pensé toi Oslo de cette action justement en plusieurs temps? En vrai ils ont géré parce que de base ils étaient enfermés en bas, ils auraient pu à 3 et en vrai ils ont bien maîtrisé le fight. Enfin ils l'ont bien retourné. C'est ça. Vraiment. Parce qu'Ever il a pris cher hein, sur la réplique. Ouais. C'est risqué. Ils ont alors bien maintenant réussi à retourner cette. Il y a ce petit combo répu avec la nouvelle mitraillette qui est vraiment très efficace. Abusé, alors qu'avant tu savais pas trop avec quoi tirer quand t'es comme un con dans les airs. Là maintenant la précision de cette arme là elle te permet. C'est clair. C'est limite un move rentable en fait maintenant de répu et de le bourrer. Alors qu'avant. Après tu peux te prendre la même. C'est sûr, parce que t'as pas le contrôle sur ton déplacement. Mais au moins t'as un moyen d'agresser, de répondre. Alors qu'avant tu tentais des balles au hasard avec ta scar en mode allez, peut-être qu'une équipe va passer. Et là on est passé du côté de Dusty. Là ça va se refighter. Hein, j'ai l'impression aujourd'hui. Ils ont spawn, mais ils sont pas ouf. Ouais, mais.
niveau armes. Je sais que Mastas, Cortec et tout, c'est des mecs sur la scène depuis longtemps et ils aiment bien faire Salty. Donc est-ce qu'ils ont déjà Rota, etc. Et que ça fait partie. J'en sais rien. Ils ont un bon stuff, hein. Et ils ont déjà un meilleur stuff que l'équipe adverse. Ils ont un très bon stuff. Premier truc à analyser. Et ouais, par contre, ils se turtle. Bah, ils ont raison, ils sont dans la zone. Est-ce qu'ils ont envie de prendre un fight tout de suite? Après, ça les bords de map comme ça, moi je suis pas fan, tu vois. Pourquoi? Tu sais très bien que t'auras jamais la prochaine zone. Donc toi tu aurais déjà engagé le mouvement, t'aurais géré le fight pour pouvoir engager le mouvement. Après, je vais pas dire mes strats tu vas te coller. Ah bah t'es là pour ça gros, fallait y réfléchir avant de me dire oui, hein, je te le dis tout de suite. Mais ouais. Mais déjà, j'essaye de te placer au milieu souvent. La classique, j'imagine, ça c'est quand même quelque chose d'assez connu. Ouais, c'est mais, ça, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et là pour les deux, faut... ouais, il y a ce moment où comme t'as dit, faut shot call, faut prendre une décision et faut l'assumer. Attends, et c'est ce qu'ils essayent de faire là justement. C'est-à-dire qu'il y aura la Storm Surge. Ouais, j'avoue. Ouais. Bien se placer là et mettre des dégâts du coup. Et ils sont partis. La deuxième équipe décide de, tu vois. Ouais. De partir comme t'avais anticipé. Ça. Alors moi j'ai une vraie question là du coup vu que ça se setup un peu. Quand on gage un tournoi comme celui-là, Sea Game, vous connaissez le format. Comment qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que vous dites entre les joueurs? Comment vous partez? Est-ce que vous donnez des sortes de lignes directrices à suivre, genre early safe, enfin, ou est-ce que c'est maintenant c'est du feeling? Non, en fait la méta elle a beaucoup changé en trio. Que là, en gros la Storm Surge apparaît quasiment tout le temps. Ouais. En gros avant tu sortais du spawn full build et maintenant c'est plus le cas, tu vois. Genre là la priorité c'est de se placer rapidement et surtout mettre des dégâts pour éviter la Storm Surge. Faut surtout la méta a carrément changé. Okay. Tu prends tarif. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, intéressant. Par exemple, eux ils rotent, mais ils sont pas full build, tu vois. C'est... Donc ils sont comme tu l'as dit, à la recherche peut-être déjà d'un positionnement meilleur. Position et 2-3 balles. Enfin, après, combien de dégâts vous savez pour essayer d'éviter la première Storm Surge? 200, 300. 200, t'es 200. Assez tranquille? Ouais, je pense. 200, je pense. Ouais. C'est une moyenne. Ouais. Ouais, j'imagine, après chaque game est différente, bien sûr. Et vu que c'est toujours la moyenne de tout le monde, c'est ça. Pas évident. Bon, les hop là, ils sont en train de tranquillement passer sans se faire remarquer, sans faire trop de bruit. Toujours risqué ce genre de moment, hein, ces rotations, on le sait très bien. On peut toujours se faire surprendre par une équipe qui est déjà en place ou une équipe qui a envie d'en découdre. Après, c'est que la première game, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre quand tu joues la première game et quand tu arrives sur les suivantes? Moi, je dis à chaque fois que les équipes qui ont fait peu de points vont devoir jouer plus agressif, donc les early seront pas les mêmes. Ouais, la première game, c'est toujours une découverte comment ça fermé, va jouer la cup. Tu sais pas trop comment les gens vont réagir. Mais ouais, moi, je la joue plutôt safe, tu vois, la première game. Tu regardes comment les adversaires jouent. Tu sens un peu l'état de après, forme. Après, tu t'adaptes, je pense. Alors, justement, là, on commence à avoir des premiers regroupements du côté de Salty Spring. Est-ce qu'on peut avoir un petit check sur la map, justement, alors qu'on voit que Zobir a été tué par Vox dans la barre des feeds. Voilà, on voit un peu la minimap. Vous voyez des équipes qui sont bien placées, des équipes qui sont encore dans la zone. En vérité, il y a vraiment du monde là. Voilà, vers Gotham City, il y a 4 teams qui sont bord de zone. Ça, c'est ils sont en train de se battre. Ça, c'est le pire truc, hein, tu vois, les bords de zone. Oh là, là-bas, il y a du monde. Hein. Et justement, il y a Zrock qui met pas mal de dégâts là. Bah, il a la pause, c'est ce que vous aviez dit juste avant. Il a la pause. Là, tu te régales là. Bah, ouais. Surtout avec une arme, si t'as de l'aim, tu mets tarif. Et tu peux prendre des points sur un malentendu si un mec a plus de construction, plus de shield. Ça peut passer, effectivement, donc ils ont bien géré. Justement, alors c'est quoi le plus important? C'est vraiment toujours être bien positionné par rapport à la zone. C'est vraiment les premiers trucs que tu gardes en tête à chaque fois. Je pense. Depuis l'apparition de la Storm Surge, c'est vraiment la priorité. Elle met pression comme quoi. Ah, mais clairement. Je crois qu'il y a un robot. Même jeu Je crois qu'il y a un robot qui se cache dans le robot. C'est Screamy Doggy, justement avec son coéquipier Vince qui reste un peu en retrait. Ils sont trois. Oh là 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 là. Deux d'ailleurs dans le robot. Ça peut mettre des points, hein, ça. Et Azrock qui taque un bush. Moi je vois rarement ça, tu vois. Bah, on m'avait parlé d'une strat. C'est parce qu'il a le shield. Un de ses mates a forcément une bulle protectrice. Alors comment ça marche là exactement? Bah, en gros, tu mets le bush et ton mate te lance la bulle sur toi et du coup tu peux rota avec. Alors que sans le bush, tu peux pas tirer sur ton coéquipier. Ouais, ok, donc le bush permet de la stacker sur le gars. Ouais, et c'est sûrement ça aussi avec l'overboard et tout. Mais... perdre un slot pour ça, tu vois, tu pourrais le mettre et dire ok, je vais le conserve, je reste derrière. Voilà, c'est ça. Et pas me faire toucher. Et au moins t'as une place. Mais pour au moins t'as un slot. C'est vrai. Après peut-être qu'ils ont fait un spawn assez split et ils ont pas réussi à trouver assez mais pas d'item. Mieux quoi. C'est ouais, ça, bien sûr. Mais c'est intéressant de le garder pour le late game. Parce qu'au moins t'es sûr qu'en late game. C'est vraiment des bonnes rotas le late game. Shield et tu peux faire une rota gratuite. Sans utiliser un mur. C'est vraiment pas mal. Que ça a été pas donc je sais pas pourquoi ils le stack. Ouais. Ça marche plus. Ok. Alors est-ce qu'ils sont au courant? Moi je les sais pas. C'est peut-être ça aussi. Si même nous on n'est pas au courant, peut-être que les joueurs ils ont pas l'info et on va peut-être avoir un moment assez comique. Là on est sur Madzen. Ouais, et qui a un adversaire qui lui court dessus justement. On est sur leur stream. Madzen qui garde la hauteur. Ok, c'est Turtle. C'est un mec, moi. Ce qui est bien, c'est qu'on a la com. Donc vous allez pouvoir juger la com aussi des joueurs. Bah limite, on va essayer d'être en immersion sur cette fight là et vous analyserez ça après. On les écoute. Mais un peu plus fort si tu veux à la régie. Info les gars. C'est un mec, c'est toi. Tu veux le fight, Tu te suives, un shield.
que là, les infos circulent bien. Ouais, ouais, la com elle est bien. Est propre, là, pour l'instant. Ils jouent pas ça ensemble. Donc là, Madsen a rejoint, mais avant, ils étaient tous vraiment splittés, chacun de leur côté. Ok. Donc là, ça va insister sur le mec. Ouais, c'est bien. Hein. Oh, dommage, c'est bien ce qu'ils font. Barcotte, en plus, c'est face à un joueur MCES. Par contre, voilà, fais attention à derrière soi. Faut vraiment qu'il essaye de finir son kill là. Moi, c'est pas une autre team là qui. Si, ça doit être la team de la montagne qui essaye de prendre des kills quoi. Ou mettre des dégâts pour la storm. Ouais, c'est compliqué, du coup, tu te fais un peu backstab. Ouais, c'est... Là, ce qui est dommage, c'est qu'il a tué quelqu'un, mais il a pas réussi à le looter. Donc il est mort, il a eu le kill, il a eu le point. Mais ils ont pas réussi à avoir les matériaux, je crois. Ok. Je crois qu'il est tombé tout en bas et bah du coup. Il a un pad et tout, faut y aller, on va en bas. Tu perds pas ta. Écoute, ils viennent de voir un pad et là il tombe, ok. Voilà. Bien vu, Miz, du coup voilà. Donc là, tout bénef. Ouais. Surtout vu leur stuff. Deux pads, deux répulsifs, là ils ont assez de rotation pour toute une game et. Ouais, ils sont vraiment bien là. Et du coup, ils mettent l'équipe de couteau en difficulté. Parce qu'ils viennent de perdre Marcotte qui est, je pense, le meilleur joueur des trois individuellement, si je dis pas de bêtises. Non, Marcotte, je suis depuis un bon moment, il est chaud. Hein. Quand il veut, il fait les kills. Bon, en tout cas, ouais, point positif pour l'équipe de Madsen. Vous les voyez. Vous les voyez déjà au du classement, ils peuvent se qualifier eux ce soir. Ouais, ouais, ouais. Comme là, tu disais, l'équipe de couteau, une personne en moins. Ils sont plutôt dans le mal là, ils ont l'air encore de se fight là. Non ? Ils ont l'air de fuir. Ouais, ils veulent pas se positionner. Ah, mais il y a un robot, non ? Ok, non, peut-être pas. Oh, il y a une contact, c'est le couteau. Couteau qui se fait surprendre, mais il fait rien. Il fait rien, la trappe qui a été posée quand même de couteau. Le réflexe de couteau qui permet de faire du 1 point. Météor qui a été terminé au sol par Podasai. Et couteau qui va être réanimé sauf si son adversaire décide de rusher. C'est plutôt bien joué ce qu'a fait couteau. J'ai eu peur, hein. On le voyait pas réagir. Pas trop compris les adversaires, mais ouais, assez worth it du coup pour couteau. Ah, ça y est, mais il arrive tard, hein. Et il est très low life. Et il va se faire punir par Podasai. Il le sait pas aussi qu'il est low life. Justement, je pense c'est pour là ça qu'il veut vraiment essayer de save couteau. Et il a plutôt réussi, je crois. Et là, il a un sacré stuff, Podasai. Oh là, ça commence bien. Ouais, c'est surtout les cirépus, j'ai l'impression qu'ils t'ont titillé. Cirépus, c'est vraiment, vraiment fort. Allez, allez, il va falloir le faire. Il va les jouer. Je pense qu'ils vont le jouer à deux. Oh, parce que là, si couteau il se refait down, on s'en fout quoi. Ouais, voilà. Tant qu'il y a le revenge kill. Ouais, lui, tu l'utilises en bouclier humain quoi. Ouais, mais ils savent pas, hein, ils savent pas. En plus, il y a Slowzy très low. Il est obligé de les jouer. Hein. Il est tout seul, 20 PV, 400 les, matériaux, les 100 grenades. Shield. Ouais. Il va tenter le petit lance-patate. Alors qu'il y a plein de joueurs qu'on n'a pas encore vu, tu vois, Ads, même du coup la team un peu No Ward, on les a vus un peu au début, on sait pas où ils en sont. Ah, ça y est, le jeu enfin. Okay. Je sais pas s'ils ont l'info qu'il est vraiment non, le HP. Non, je pense pas, il aurait pas joué comme ça. Non, enfin, je pense qu'il aurait joué avant. Là, ah, c'est bon. Là. Attends, par une autre team, non, ouais, il me semble. Par une autre team, ils ont le stuff. Ouais, 500 ouais. matériaux gratuits. Parce que couteau lui reste 300. Enfin, 500 ouais. matériaux. What la roquette, c'est la roquette couteau, il a pris vraiment cher, un 15 PV. Alors qu'il avait déconstruit, j'ai pas compris. C'est quoi, c'est la team qui a bien synchro avec la roquette? Il y avait un trou, il a oublié de construire. Aïe aïe aïe. Ouais. Là, il va lui retrouver un peu un temps mort et on repasse du coup sur l'équipe de Madsen qui aussi hein, essaie de tenir dans cette. Comment ça se passe c'est... Là, on est d'accord que c'est le moment le plus chiant du jeu. Enfin, pas chiant, beaucoup mais. De pression depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Donc, c'est, ouais, complexe, c'est assez relou hein. Quand il y a beaucoup de trio qui te focus et que bah tu utilises tous tes matériaux. Bah là, ils ont pris la technique des nades surtout. Ah ouais, ouais, mais heureusement pour eux, les Est-ce que tu connais cette fameuse technique? Non. Donc la fameuse technique, tu te mets à 60 mètres, tu vises en l'air, les grenades, tu tues 3 mecs, et alors zéro counterplay. Sky ne voulait pas trop en dire, mais parce qu'il voulait pas donner le nombre de mètres et tout. Non, 60 mètres, les gars. Ah, t'as augmenté mise, je crois. 60 mètres, 1,5 traits, les gars, vous faites-vous plaisir. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, par contre, ceux qui sont en haut de la colline, ils sont archi bien. On l'a. Faut le nerf, Epic Game, faut le nerf. Un couteau, 65 HP, hein. Ça va être difficile, 400 matériaux. Oh, MZQ là, vachement bien placé. Ouais, ils ont vraiment une bonne. Ah, ils ont plus la top pose là. Ah, bah on leur a porté la poisse. Merde. MZQ. C'est ceux sur la montagne, moi j'appelle cette montagne S. Il y a un petit S dessiné dessus. C'est bien, faut donner des noms de code. Et à ouais, des lieux stratégiques. L'équipe rose, elle est vraiment bien. Si on pourrait avoir la POV, la régie. Tu vas aller sur qui? Sur l'équipe rose, okay. Qui a la milieu de position parce que eux vont pouvoir se régaler sur les pads, etc. Sur les mecs qui vont rota. Et ici, tu demandes. Tes souhaits vont être exaucés dans la minute, mec. Hein. Voilà, on y est. Ah. Alors, c'était pas celle-là, je crois. Il veut celles qui sont au-dessus de la montagne. Tout en haut, là. Justement, mais ils étaient roses aussi. Donc, la réponse est... peut être anticipable. Ils sont bien aussi. Ils sont cachés. Ouais. Ils peuvent se faire oublier. Mais qui est tout en haut à bourrer au minigun là. J'ai l'impression même que c'est eux. Hein. Et c'est Arcanix avec DKs et Swipe. C'est bien de pas commenter un event Fortnite et d'avoir la possibilité de faire ce qu'on veut quand même, non? C'est incroyable. Et du coup, tu voulais dire quoi sur eux? Bah, eux, c'est les rois du monde. Ils vont jamais se faire contest. Personne va monter sur la montagne. Ouais, et en plus, Arcanix, c'est un pad, dommage. Donc, ils sont vraiment. C'est dommage, il y a plein bien, de gens là. Qui pad et.
Regarde, juste en face. Ah, et du coup, c'est Mushway, voilà. Noward, on les a vus, ça y est. Az aussi, on voulait des nouvelles. C'est juste incroyable et il pourrait prendre tellement de kills sur des synchros. Après, il y a un Storm Surge. Hein. Podazai qui s'est fait knock, c'est-à-dire que Kuto se retrouve tout seul là. Aïe aïe aïe. Va être compliqué. Az dans le mal aussi. Ouais, il a pris une mauvaise pause peut-être. Ok, ils viennent de se placer donc logique qu'ils prennent. C'est le moment où t'as attiré un peu l'attention, ouais, quoi. Bah, après, les constructions sont faibles quand tu les poses, donc c'est le moment. Voilà. Aïe aïe. Ou quand t'es de dos. Et là, il est blanc, ils vont pas assister. Je crois qu'il y a un bouclier, ouais, qui l'a sauvé. Ça c'est okay. Vraiment un bon item, un bon ajout pour le coup. J'adore, surtout en trio et peut-être en squad aussi ça va être... En, trio, ouais. En solo c'est pas ouf quoi. Ça fait un Golta si, mais ça, va, ça fait quand même le taf. Mais okay. C'est forcément s'il y a mieux tu prends. Mais là ça, ouais. Je pense vraiment que toutes les équipes stack deux boucliers si t'en trouves au spawn. Je pense vraiment que c'est un objet c'est un must have quoi. Ouais c'est ça. Ouais bien sûr. Ouais, du coup, ils se retrouvent à de Hats là. Compliqué hein, pour Hats et Crocky. Ils ont pas un stuff non plus si monstrueux, surtout pas moindre au Tate, j'ai l'impression, à part si Cracky a ce qu'il faut en main, ah, non plus. Non. Aïe, même aïe, niveau aïe, matériaux, aïe. Ils ont tous les deux 620. Ouais. Ah, ils décident de c'est assez early. Peu, parce que là, la 5ème zone, ils vont en cramer là des maths. Là, ils vont en cramer là des maths. Si t'arrives à nous choper le stream de Hats pour qu'on ait peut-être une vue inside aussi. Là, il se rapproche d'une team. C'est bien ce qu'il fait en tout cas Cracky, après il dépend beaucoup. Je pense qu'il aurait pu rota en utilisant beaucoup moins de build. Ouais, moi c'est la première game, on a un peu peur de... Tu vois ce que je veux dire. Je peux comprendre l'envie de bien faire, mais oui, je pense qu'il a pris un sacré laser, il a 20 PV. Et là c'est vraiment le moment où tu veux pas mourir en trio. Parce qu'il n'y a pas de points, il n'y a rien. Il n'y a pas de points, ils ont un kill. Là ils vont devoir all-in de toute façon, je pense. 200 de matériaux, sans rota, tu fais pas ta game genre. Il a plus beaucoup de build. Non. 16 constructions. Alors fais gaffe parce que je crois qu'on est... Alors c'est très chiant parce qu'on est sur la Storm Surge du mode spec. Par contre, la Storm Surge des streams elle est au-dessus, c'est terrible. Ouh, Kuto qui arrive à faire un kill. On hein, gérer la régie, mais bah, là elle a disparu. Hein, j'ai pas le réflexe de regarder le kill Fidon à gauche. Ouais, parce qu'on a. Normalement, c'est. C'est ça. C'est le mode spec, c'est le temps de s'y mettre. C'est perturbant, tu vois. Fateux Sops toujours en vie, hein, les trois, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est cette équipe que vous voyez, okay. Vous, peut-être l'emporter ce soir avec l'équipe, on l'a dit, de Noward. Rejouer la hauteur Arcanis. Ah, ça, c'est un très bon move. La petite construction dans le gaz que personne voit. Ça fait deux zones de suite qu'ils ont la hauteur. Bouclier pour sécuriser le high. Là, faudrait peut-être aller renforcer. Ok, ils y vont. Ouais, là, ils ont fait le move parfait, tu vois. Je veux bien qu'on passe un moment sur le stream de Xewer, voir la température. Sur le stream aussi de Mushway, Nate et Noward. Et Noward, tous full shield, tranquille dans leur construit. Ça a l'air d'aller. Je vois un peu l'ambiance. Parce que la semaine dernière, c'était un peu... Tu sais, tu sentais qu'il communique peu parce que c'était un pas tilté, mais on n'osait pas trop se dire les choses, tu vois. J'ai envie de voir cette semaine si nouveau trio, quand ça démarre. Bien sûr, t'as ce respect un peu. Oh là ils tentent des bonnes nades de Xewer, j'aime bien ces nades qui peuvent surprendre. C'est du décor, c'est vraiment, ça se tente quoi. Bon Xewer qui va jouer la compète à 2 j'ai l'impression, parce que bah un de ses coéquipiers je sais pas n'est pas là. Compliqué alors après il a avec Yoda et on sait jamais, il faut rentrer dans le top 10 hein. Tout est possible hein. Ouais, tout est possible malheureusement, c'est ça quand tu t'inscris pas avec les bonnes personnes. Après oui alors un imprévu peut aussi arriver. Il y a les cours sociaux qui ont repris donc j'avoue que moi je suis avec deux jeunes et c'est difficile de s'entraîner. Ils quittent à 17h, ils ont leurs devoirs, etc. C'est vraiment contraignant. Mais les études avant tout les gars. Si répulsive, sur la prochaine zone on va sûrement en utiliser, il y a un pad aussi, ça a l'air d'aller pour Xewer. Comment ça va côté Noward, là on voit c'est top classique hein. Côté Noward, donc on est sur le stream de ils veulent Nate. Ils ont un pad, ils sont tellement bien. Nate il veut vraiment contester la hauteur là, ça se voit. Il a la dalle. Je sais pas s'ils ont un rocket parce que sûrement on spawn en retail. Oh, ça pad. Ça pad tôt, ouais. Ah, ils veulent les faire tomber. Je pense. C'est un fight ça, c'est un fight là qu'il est en train de prendre. Ah, je pense qu'il va juste prendre la hauteur et là faut spammer les mecs en haut. On connaît un Nate normalement au niveau construction, il est très chaud. Mushway qui essaie de donner de la confiance à ses coéquipiers en disant que c'est du gratuit en face. Bah là ils ont pris le high et les mecs vont juste descendre, je pense. Ils ont raison parce que là ils veulent récupérer du stuff, ils veulent récupérer des points, ils veulent garder la hauteur. J'ai peur pour leur construction là, on voit Nate avec 500 de matériaux. C'est bien ce qu'il fait Nate là, les bonnes balles. C'est qui, c'est Noward là qui est en train de lead hein. Ouais, c'est ça. Vraiment il est très très chaud hein, Noward justement. Là, Noward il a fait le tapis et il dit ouais suivez moi, c'est free. Là il split ses maths, ça veut dire que Noward il en a encore moins que lui. Eh, tu demandes, voilà, t'as la réponse direct. C'est vraiment peu pour finir la game là, faut vraiment essayer de descendre et piquer un kill. Après ils ont la pause là, ça va. Ouais ils ont la pause mais faut les maths pour terminer la game. En plus on voit la Storm Surge justement commencer à faire des petits coups, c'est violent pour ce late game. J'avoue 30 remains hein. Ouais, c'est très stack. On l'avait dit, c'est la première game, les gens se tuent pas quoi. Noward, 7 wall. Parce que du coup tout le monde se dit si je fais une bonne première game, c'est bon je suis top 10 quasiment donc... Nate 4 murs. Oh ça prend vraiment... le kill sur Arcanix. Je peux pas non, je peux pas non vrai. Ça va ripu pour l'ail les gars.
Oh, Noward qui est vraiment très présent au niveau de la com, t'en parlais toi, Mizé, je sais que t'es bien pour analyser ça. Il a ce rôle, je trouve, même avec les Anglais, hein, c'est, enfin les EU, pardon. Juste, voilà, okay. C'est là, il prend les buts. Oh, c'est bien, voilà, c'est bien, Vincent Noward, il faut les encourager le chat, s'il vous plaît. Et là, il peut finir la game. Ouais, tranquillou là. Comment d'une semaine à l'autre, une équipe qui s'est fait un peu surprendre arrive comme ça, dès le début, prendre les choses en main. Et on repasse sur Noward justement qui a gardé cette hauteur. Nate Mushway qui sont en train de bourrer, c'est sur Elite que là, ça tombe. Là c'est le moment de faire les kills là. C'est les kills faciles quand t'as la hauteur. Xewer toujours là. Il se cache, il gagne du temps et c'est Madsen Nate qui est tombé. Qui reprend un kill, 3 kills déjà pour Nate. Sur Madsen le dernier. Deuxième kill encore. Xewer troisième kill. Xewer monstrueux aussi, ouais, effectivement. Donké MZQ. On le voit juste en dessous, hein, Xewer qui reste sur sa pose, qui attend et qui bombarde tout ce qui bouge. Lee aussi qui est encore là, c'est des équipes qu'on va suivre toute la soirée. Noward qui vient de tomber. Noward qui tombe, ouais. Ça comment c'est possible ça. Xewer qui va jouer le high, il a 500 de matériaux. Xewer qui prend les choses Xewer en main qui prend le high. Mais qui, mais d'où okay, vient-il? Non, il s'est fait le chapeau trap. Ok, c'est bon side jump. Ah ouais, mais il a... Non, ça a cassé, ça a cassé. Ça panique, ça panique. Il a une répu, il a encore une répu. Ouais, mais est-ce qu'il doit la claquer maintenant? Autant la garder, non? Ouais. Il a pas encore le top 4, hein, je pense. Oh, il veut. Il a veut cette hauteur. Ah non. Ah non. Ouais. Il va descendre. Il a raison. Moi, je pense qu'il a bon raison. Choix, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Après, il aurait pu descendre sans la répu. Aussi. Mais le stress, la panique, la peur de mourir. Là, ce qu'il veut, c'est le top 2, je pense. Top 5 déjà, 7 remain. Je pense que ça a été call par ses teammates. Va falloir pad, hein. C'est la zone est au-dessus d'une montagne, là. Ça serait bien, t'as raison, le top 2 est clean. Et Nate qui contrôle la hauteur, mais 3 walls. Il reste Mushway aussi. Ok, ils sont encore deux, ok. Oh, Lee est très low life, hein, mais Lee il gratte aussi. Yes. Tout le monde veut le top 2. Un type de gaz et il meurt, Lee. Hein. Tout le monde veut le top 2 ici, ils sont plus très nombreux, ils sont plus que 5. Sur Milanese. Nate, Noward et Mushway vont peut-être prendre ce premier top 1. Non, Nate, Nate. Les deux ils vont mourir. Nate qui va mourir. Les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Xewer qui a top 1. Non, c'est Fat. Non, c'est Xewer qui prend la première game. Incroyable. Xewer, le chauve monster, mesdames et messieurs, on vous le disait. À la fin de la soirée, il y aura un trophée mystère pour la fin la plus incroyable. Et on commence déjà avec un premier top. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a... Je sais pas je crois si c'est Nate qui l'a répu et ils se sont répu dans le mais non, c'est pas Noward qui a répu Nate, tu penses? Mushway, ouais, Mushway. Ou Mushway, ouais. Noward c'est mort. Un de leur équipe. Parce que là, c'est un misplay. Hein. Ouais. J'espère que c'est pas Mushway qui a fait le con. Je pense que c'est un gros misplay de leur pas part. Que, il restait quand même il restait une répu à Xewer, il me semble. Ah, bah non, il l'avait utilisé pour redescendre. Non. Il avait plus de répu. Putain, qu'est-ce qu'il pense après? Il en a sûrement looté. Non, regarde, il est full. Ah, c'est Mushway, les gens disent. C'est Mushway qui a choqué. Aïe aïe aïe, par contre Xewer fait 5 kills hein. Et Yoda a dû en faire aussi 3-4. C'est dommage qu'on n'était pas sur sa POV parce que ouais. Est-ce que tu peux nous envoyer rapidement sur le stream de Nate là si tu l'as sous la main? Apparemment ça killait pas mal côté Xewer. Ouais. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il... On écoute. Allez c'est bon, je voulais la lancer. Je me suis... Ah c'est bien, t'as créé du coup. Je voulais la lancer. Je me suis dit j'avais une shockwave, il fallait l'utiliser. Après ça reste un top 2. Voilà. Putain c'est bien tu vois. Ouais mais... En vrai, c'était free là. Ouais, ils avaient le top 1. Free, là. Ils avaient le top 1. Et comme quoi, Xewer, il a raison. Je me fais oublier sur un accident. Voilà. Sur un accident. Bon, ils valident le top 2. Mushway, Noward, Nate, ça passe avec beaucoup plus de kills. Donc, ça se trouve, ils sont quand même premiers parce qu'il n'y a que 3 points de différence entre le top 2 et le top 1. Je pense que Xewer est premier. Je pense que ça a beaucoup kill des deux côtés. Xewer en avait 5. Je pense Nate, que Yoda en a 3-4. Et... aussi. Ok, on va découvrir ça dans quelques instants de toute façon. Mais quelle fin de game! Gardez-la en tête. Hein. Ça peut être aussi ça le trophée mystère. Genre un choke de Mushway et Xewer qui gagne un trophée mystère en mode bah moi j'ai rien demandé mais c'est ça, le but, c'est le but des qualifications beau, mais Xewer qui est en mode waouh genre c'est bon tout j'ai seul la top game. Hein. Elle c'est a parfait hein. Je pense que même sa réaction elle mais doit être un peu loufoque hein. Ouais c'était deux il y a Mushway à la fin et... non, il a joué la game ouais ils ont joué la game 2 ouais. Ah oui pour toute la game c'était que deux mais par contre il y avait pas Yoda à la fin. Non il Yoda est mort en... ah, voilà. Il est mort quand même à la fin mais il restait que Xewer à la c'est bon de faire un top à deux en trio. Ah de ouf t'as raison de le souligner mais très très propre. Et la game se lance, donc déjà. Dès qu'il sera à jour, donc dans 3-4 minutes pendant la game, on vous le montrera. C'est où spawn Xewer et... Ah, ils sont au bloc. Non, moi ils sont au bloc. Ah, mais c'est... Ah non, ouh. Ah non, pas du tout. Ils sont. Ça sent le pressure, ça, non Sony ah bah... ou pressure. Ouais. Après, quand t'es. Ah, ils sont 3, ça y est. Oh, mais c'était qu'une game à 2. Mais vous non, avez mais fait... non, il me semble qu'il y a des pour lancer avec déco. Eux. Ouais, parce qu'il s'est pas lancé. Son pseudo ne me dit rien. Oui, c'est vrai que oui. Si, si, la game d'avant, il avait. Ouais, regarde, ah, oui, sinon ils peuvent pas lancer, effectivement, en trio. Dommage, j'aurais bien aimé les revoir à 3, surtout après un début comme ça. Mais Xewer va assumer avec Yoda jusqu'au ouais, bout. C'est un petit Sony Steps. Hein. Ouais, ils ont pas l'air d'être contest. Donc c'est non. Parfait pour eux. Hein, parce qu'un contest en 3v2, c'est quasiment. Ouais, bah c'est perdu. Hein. Donc, ouais. Si les gens te voient
à deux. Il y a l'air vraiment d'avoir personne autour d'eux. Alors on a une petite question de Epsilonay. Il dit ça correspond à quoi le trait par rapport à la technique des grenades, sinon merci pour cette capture. Alors est-ce qu'il parle du ping peut-être? Ouais. En gros quand tu ping, enfin faut ping tes adversaires, du coup ça indique le nombre de mètres. Voilà. Et en gros certaines équipes ont un G-Doc en fonction du nombre de mètres et... Où placer le curseur. Où placer le curseur. Pour avoir et la en fait, bonne... quand t'as des grenades en main, il y a un cercle et des traits en dessous. Ah et c'est coup, par rapport à ça voilà, que je te et repère, on c'est gère fort en fonction des traits, etc. C'est bien, c'est ça l'e-sport. C'est optimisation. Oh, oh la balle de snipe. Qui vient de où? Nykos, qui voulait absolument prendre du chier sur les zombies et qui s'est fait totalement plusieurs, ça venait en tout cas de la droite. Hein. Ah, elle vient de très très loin, ouais. Cette balle, non? Il est archi split, hein, pareil. Alors est-ce que c'est pas le mec là en hauteur, là, si, le si, bleu si, c'est en violet là, ah. Juste à côté de lui. Ah, c'est les mecs en violet pour toi, ok. Je suis en mode, il y a un mec en hauteur, là, il aurait pu mettre une balle de très loin. Mais effectivement, là il y a déjà une situation compliquée pour la team. Je sais pas si Nike, il a un kit. C'est les mecs de la ville. Ouais. C'est greedy de le garder comme ça à 50 HP. Ouais. Parce que les violets, c'est ses alliés, je crois. Hein. Ouais, ouais, non, ouais. C'est ses alliés, c'est Léo et Clément. Ouais. Bon, on va voir comment ça va se passer pour mais eux. Mais qui se fight et qui tombe Nikolai. Ah bah, c'est okay, qui a clean. Ouais. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Quasiment. Oh, ils sont face à Noah, Nate et Mush, ouais. Ils sont plutôt chill au spawn, je pense. Ils veulent se partager Retail et pas. Du coup, là, Retail est plus si fort quand il est partagé à deux teams, on est d'accord. Ça reste incroyable. Ok. Parce que chaque team a son spawn de zombies. Donc t'as tes petits zombies, t'es bien. Donc vaut mieux un demi-retail qu'un salty complet. Ouais, largement. Ah oui, ok, c'est bon, vous étiez d'accord. Et là, j'ai l'impression Noward, il veut tenter le move à full flank. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est greedy. Par contre, Meshoué a pas de vie, hein, donc. J'avoue. Ça va être dur là. Il s'est fait pop par l'équipe, tu penses? Ouais. Et justement, on vous l'a très peu dit, mais vous pouvez réagir tout au long de la soirée avec le hashtag DoigtCup en direct pour qu'on puisse passer vos tweets comme ça, comme celui de Akame, qui nous dit le niveau a l'air très élevé pour cette DoigtCup, encore un plaisir. Je suis content parce que j'avais peur que sur la 3ème qualif le niveau soit moins élevé, Noward, mais non. Il fait le move là. Ouais, pas faire qu'il tue que ses balles. Hein. Rapproche-toi un peu plus, Noward. Sois patient. Là, faut synchro, faut qu'il attaque en même temps, simultané avec les autres. Mais ses mates sont très loin encore, ils sont maison. Mais Oh là là, ce qu'il fait là! Nikos, Clément et Léo, ils ont la dalle, j'ai l'impression. Là, ils veulent vraiment leur mettre la pression et. Je pense qu'ils ont raison. Non mais il joue à Splinter Cell là, c'est plus Fortnite, le mec est vraiment en infiltration. Ouais. Noward il a pick sur Clément ou Nekoz là. Il a ses deux adversaires de dos, il le sait pas encore mais... Oh là là Clément. Ouh, pas falloir qu'il tue que ses balles. Allez. Ouh. Et bah voilà, ouais, ça c'est bien joué. Et là faut insister là. Là faut insister alors qu'on avait eu le petit tweet troll de Mushway. C'est vraiment à ses mates de faire le taf là. Parce que oui, il a tiré l'attention sur lui. Celui en face de Mushway. Oh Léo il va être dur à tomber hein. Léo il est bien placé aussi que, hein. Que 200 maths hein. Il est pas dans une bonne situation là Noard. Il se retrouve en 2v1. Il se fait isoler. Et du coup là on est en mode spec avec la com. Ouais. Ça c'est pour BJ la régie. BJ la régie. Ouh Nate qui prend une grosse balle hein. J'avoue Nate no shield. Mushway aussi. Je suis sur lui, je le pioche. Ok mais il est à la hauteur. Mushway qui contrôle la hauteur. Là c'est bien ce qu'il fait Noard. Oh là ce fight. Y'a un bullfight à Retail Row. Qui aura le contrôle de Retail Row? Ils ont vraiment plus de maths. Clément face à Nate, c'est Nate qui prend l'avantage. Noward qui pousse sur Léo The Crack. The Crack très haut, il a plus de build. Nate knock en haut. Ah si. Okay. 2v1 c'est maintenant face à Nate. Mais Nate à la hauteur. Face à Nate justement qui est tombé. Mushway, Noward encore debout. Il va pouvoir le raise. Il a plus de build. Je pense qu'il va pouvoir raise. Non, impossible, il y a les zombies et tout. Tout en haut, je pense qu'il va pouvoir raise. Vraiment? Il peut pas faire tomber. Ah, parce qu'ils ont pas de construit. Voilà, il raise. Mais non! Attends, ça va vite tomber, je pense, hein, avec les zombies plus. Je crois qu'ils ont compris. Ça passe? Oh la ouais, ça va passer, mais il ça a passe. Fait, donc... Ah non, 2v2 toujours. Clément is back, okay. Ouais, 2v2. Ouais. Ah, il y a Léo The Crack hein, qui est pas éliminé du coup. Oh, lui aussi peut être 13. Hein. Oh, le manque de construit qui empêche de rush. Il y a construction en dessous que ça va être long à casser tout ça. Et du coup, Léo The Crack il va sûrement se faire 13. Mais non, il peut pas laisser faire ça. Si. Il a pas l'info là de où est son knock. Là, ils ont. Oh, le retournement de situation! Et là, la carte de Nate, je pense, elle va disparaître très bientôt. Donc, même s'ils retournent cette situation, ils vont devoir finir la game à deux. Mais il y a tellement de distance, ils savent pas quoi faire! On les sent perdus! Ouais. Là, au moins, autant partir si vous le sentez pas. Enfin, c'est ça. On les sent vraiment perdus, la Mushway et Noah. La prise de décision est trop longue. Mais là, ils décident de push, ils auraient dû faire ça bien. Oh là là là, non, ils vont s'en vouloir là, ils sont en train de. Attends, ils peuvent quand même retourner le fight. Hein. Ah, Mushway qui est knock, mais du coup. Oh! 1v1! Noah, 1v1! Noward qui est sorti de nulle part! Il va falloir finir son kill là, parce qu'il y a plus de vie. Mais The Crack 150 PV, je crois. Ils veulent kill pour les HP, bien évidemment. Okay. Non! 30 HP pour Noward, c'est magnifique! Ce fight est incroyable! Tellement long et tellement Léo. Intense! Il a tellement d'HP, Léo! Il a 0 de maths donc. Ah bah, Non, il a à 110. Il peut le faire, Noward. Ah, je crois qu'il a eu son finish, Noward. Ouais, donc du coup, il a régène. Non, pas du tout. Non. Oh, les zombies? Tu parles des zombies?
Ouh, petite balle. Tellement Noir qui touche, Noir tellement qui touche. Pression 91 PV pour Léo. Il sait pas où est son adversaire. Putain de zombie à la con là. Oh, c'est loupé de ça. Oh, ah, il a un HP, Noward. Un HP. Un coup de zombie, c'est fini pour Noward. Noward qui tombe face à Léo The Crack et ça passe, justement. Ouais. Noward, il l'a mis à 11 PV, ça c'est dommage. Quel 3v3 Retail Rock était tellement long que la zone arrive, ça met tout le monde dans le mal, ce fight. Ça a duré vraiment longtemps, ce fight. Y'a pas vraiment de gagnant parce que là, il va falloir que Léo Réa. Ah ouais, la game est morte. Ils se sont tués leur game. Fallait mieux split en fait, Retail Rock, et c'est tout quoi. Non, je pense pas. Bah, du coup, y'a la Storm Surge. Donc en gros, là, en gros, s'il reste de toute son équipe, ils sont tranquilles pour la Storm Surge. Ils ont pas de stuff. Ouais, mais là, pas de retail. C'est Retail. Ils ont le temps là avec la zone qui arrive là. Je crois que la zone est Retail, il me semble. Non, ok, ouais. Bon, bah là, du coup, c'est ça que je veux dire, c'est comment compliqué. Tu fais là en ce moment là Ouais, bah là. Là, tu pries pour trouver des bandages. Bah, ouvre-nous la minimap, Tom, s'il te plaît. Ouais, pour voir. C'est au dépôt. Ah, regarde, ouais, ça fait loin. Ouais, bah, il est encore dans Retail. Là, il prie pour trouver des bandages. Là, je pense qu'il là, ils se sont tués leur game. Mais quel fight intense. Il vient de Rez là, on voit Léon, Aikos et Clément. Quel fight. Justement, on a directement une réaction sur le hashtag DoigtCup Twitter. Allez-y en direct. Le duel à Retail Rose, c'est vraiment quelque chose. Des rebondissements, tout ça. C'est trop pour moi. Le spectacle est jouissif. Je suis totalement d'accord. Mais comment vont-ils faire, bordel? Il y a du feu de camp. T'as beaucoup de feu de camp. Il y en a 4. Ils ont un pad. Non, ils vont sortir tranquillement, mais par contre, ils auront sûrement plus de build et tout. Ça va être la misère en revenant. Ah ouais. Ouais. Mais ils pourront dire qu'ils ont éliminé une grosse équipe, en tout cas au spawn. Top 3, donc ouais. Ça va les faire descendre du classement, tout ça. Aïe aïe, quand je vois G-Nate dans un stuff. Aïe 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 aïe. J'ai bien aimé, on va le remontrer justement, Mushway, qui a l'air très fier finalement d'avoir tué Nate. Mais bon, quand il est dans ton équipe, est-ce que tu peux vraiment t'en vanter? Et là, on voit un fight. C'est fateux, Sops. Oh. Ellie. Face à Foxy. Ah, il a pris sa balle, dommage. Le pompoto est très fort dans cette situation. Ah. Alors attention parce qu'il reste des cryptos. Il a pas eu son finish encore. C'est du 1v1 il me semble. Ah, Foxy. Il l'a pas vu. Face à Sops. Il a juste à le jouer au gaz en finissant son kill. Oh, il a des mini-shields, il a des feux de camp, il peut se mettre trop bien Sops là. Ah ouais, j'avoue. Mais pareil, encore le pire fight dans la zone. Ah bah ça, là je m'attendais pas à ça dès la game 2, mais tant mieux pour le spectacle. Tant mieux pour le spectacle. Oh, Foxy un PV. Ouais, il va mourir de la zone. Hein, ouais, bah il va le jouer au kit en fait, il a juste à le jouer comme ça. Ouais, enfin, oh il le. Oh, ça passe. Ouais. On ça voit passe. Pas combien de PV il l'a mis. Bon, après, il a la régène. Large. Mais tout va bien pour Sops, il va pouvoir récupérer là, les plaques. Il vraiment pas bien du coup. Ouais, il va juste récupérer les plaques. Il va res, mais. Sans armes. Ouais. Grosse responsabilité. Mais bon, au moins, il permet à son équipe d'être encore dans cette game. Et c'est vrai que cette équipe-là, cette trio-là, vous la voyez clairement sur le top 3. C'est ce que nous aviez dit au début de soirée. Pour l'instant, c'est lui l'homme de cette soirée, Xewer. Avec un très bon stuff. Et aussi on a un pote pour aller se placer et mettre des shoots à l'air avant tout le monde si on doit faire ça. Oui. Ouais, c'est ce qu'il dit en gros. Que se placer avant tout le monde pour mettre des shoots à l'air. Pour l'instant, on surge à 2. Elle est recalculée comment? Je sais pas si ça compte quand même en 3. Ah, la moyenne? Ouais. Non, je pense pas, mec. Je pense pas. Parce que ça doit être difficile de mettre des dégâts à K2. Hein. Ouais, ça aide pas. Mais je pense que c'est. J'espère pas pour eux que c'est divisé en 3, hein, sinon c'est terrible. Hein. Parce que là, va en avoir de la Storm Surge. Et Malchik. Ah non, ok, je croyais que c'était Xewer en face. Malchik. Alors ils sont pas trop loin parce que Xewer il était vers le bloc aussi. Ouais, il est mais de l'autre côté du bloc. Ouais, mais pour l'instant ils ont d'autres problèmes. La Storm Surge. Hein. Alors tu vois la régie, juste en dessous là du logo de Wake Up, il y a un truc. C'est ça qu'on veut voir. Faudrait up la cam. Au pire. Rattraper peut-être un peu la cam au pire, vraiment. En tout cas, c'est une donnée très importante, sache-le. Voilà, au pire, fais ça. 40 au-dessus. Ah ouais, faire qu'ils remettent quand même des dégâts. 40 au-dessus, ouais. Et il faut 5 morts, donc 5 morts, c'est beaucoup. Hein. Et tu vois, ça descend, hein, parce qu'ils font rien. Ouais. Et les autres font des combats. Ils ont des splash, ouais. Ah, j'aimerais bien savoir si Xewer a des dégâts. 7 au-dessus, ça c'est trop peu. Hein. Faut vraiment mettre des dégâts. Ah ouais, tout le monde est. Ah, Xewer Yoda, vous les voyez qui force un fight, hein, E2. Ça, c'est une très bonne arme, le fusil d'infanterie, pour mettre des bons dégâts pour la stand. Bah, je commence à bien aimer. Ah, et... J'adore cette arme. Bah, là, il a un touché. Au-dessus, donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'il mette des dégâts. Pareil, les gars, sinon ça va être terrible. Il y a toujours pas, voilà. Il y a toujours pas eu de mort. On peut mettre une bulle au pire. Une bulle, une ah, il propose de mettre une bulle, il propose de mettre une bulle. Alors, la bulle, tu peux pas mettre de dégâts. Ça. C'est dommage. C'est lui, il va falloir qu'ils forcent un fight. Hein. Parce qu'ils ont vraiment un bon stuff. Un pad, 4 épumes, tu fais une game. Hein. Ouais, mais là, ils ont un snowboard. Ils ont des. Ok. Ah, ils décident de. Ça, c'est vraiment bien. Okay. Snowboard bull, ils vont se placer, ils vont essayer de mettre des dégâts. C'est toujours pas facile quand t'es placé, mettre des dégâts. Il est tout seul à Zrog ou. J'avoue, il a l'air tout seul. Ouais. Sur la map, il est tout seul. Ah, il est peut-être un peu plus late, ouais. Ouais, il est plus late que ses mates. Mais là va falloir se dépêcher, toujours pas chaud, une mort. Par contre dans 25 secondes la Storm Surge elle est touche. C'est donc enfin vraiment qu'il prenne une décision là. Prendre lui. Vont sans vouloir. Ah cette Storm Surge, toujours si problématique. Ah non, ah oui lui il est tout seul mais il est quand même avec son équipe. On voit le timer, ok.
12 secondes. S'ils sautent dessus, bah ils vont forcément être obligés de se battre, hein. Les deux équipes qui vont être en dessous de la storm surge, les deux. Ouais, c'est pour ça qu'on va se centrer. Ah, ils sont bien. Ah, il vient juste de le remarquer. Ça c'est dommage. Parce qu'avec le bouclier, il peut pas mettre deux dégâts. Là, c'est. Là, ils vont là, ça va commencer à tick. Mais je peux comprendre que surtout ce qu'ils veulent, c'est pas en prendre, quoi. Ouais. Mais la situation. Ouais, mais là, faut vraiment mettre une balle. Exewer, il a un bon aim et je pense qu'il a le potentiel de mettre des dégâts. Un en dessous, c'est vraiment peu. Ouais, va falloir. Slurp feu de camp là. Avec Exewer. Slurp, Popo va falloir tout faire. Aïe, on les voit les dégâts de la sorcière. Il y a toujours pas eu de mort. Ah, 74 remain. Il va falloir soit du coup attendre que les 4 tombent et du coup se régènent. C'est ce qu'ils ont l'air de faire là pour l'instant. Ça passera pas. Mais alors du coup, pourquoi utiliser son shield? Pourquoi ils laissent pas leur shield s'écouler? Ils régènent que leur HP et comme ça, quand la storm surge est finie, ils remettent leur shield. Non, parce que là, s'ils slurp pas et Popo pas maintenant, ils meurent de la storm surge. Ok. Mais je pense que là, ils attendent que 4 mecs meurent, mais ça. Par contre, ils mettent des dégâts, c'est pas eux qui choisissent là. C'est un coup de poker en fait, c'est. Ouais, tu veux qu'ils rush comme des débiles sur un mec En fait, le problème c'est qu'ils sont déjà en milieu de zone. Débiles, je pense. Et tout le monde est en bord de gaz à ce moment là. Ouais. Du coup là c'est vraiment difficile de mettre des dégâts. Il aurait dû y penser avant quoi. Ouais. Il l'a remarqué un peu trop tard je pense. Ok. Et ah, là c'est je pense bien. Ils vont mourir. Ça sert à ça. Il y a toujours pas de mort depuis tout à l'heure. Ah ouais bah ouais, c'est trop tard là. Du coup là, Yoda déjà back. Il est en 1v3, 50 PV. C'est trop bien parce que vraiment votre explication, votre analyse, voilà, elle se confirme directement. Alors que s'ils avaient pris shot ça, ils auraient pas pu faire ce move. Yoda l'avait call pourtant. Yoda il avait dit qu'on devrait mettre des dégâts, mais je sais pas. Au final, ils l'ont pas fait. Je pense que le move bouclier leur a empêché de mettre des dégâts. Parce que tu peux pas te faire tirer dessus, mais du coup, tu peux pas tirer sur les adversaires et c'est un peu dommage. Et du coup, c'est marrant parce que du coup leur mort a annulé la storm surge pour pour tout c'est triste mais c'est le jeu hein. Et Hats qui vient de tomber aussi je crois, mais c'est trop bien d'avoir deux joueurs du coup de terrain comme ça, vous avez vraiment l'expérience et en plus l'histoire vous donne raison parce que ce que vous avez prédit est arrivé et on comprend mieux comment éviter ce genre de situation. Ça doit aider à mon avis beaucoup de joueurs qui nous écoutent, donc voilà, continuez ce genre d'analyse. Très chaud. Je sais pas comment on dit son pseudo, c'est WX je pense. Ouais, ça serait dommage de mourir avec un aussi bon stuff hein, personnellement. Après il y a énormément de monde de ce côté de la map, hein. Je sais pas si tu vois la carte là, mais c'est incroyable. Si on peut zoomer sur la carte, ça serait pas mal. J'avoue que là, il y a vraiment. Mais il y a toute la map. Il y a 5 les mecs là-haut là. Bah, Xewer et tout étaient tellement bien s'il y avait pas la Storm Surge. Ils étaient déjà en mid zone. Ah, ils peuvent s'en vouloir. Hein. Et il y a un Lamaz. On l'avait pas vu, mais ils sont passés à côté d'un Lamaz. Après ça, je pense que tu penses à autre chose. Hein. Tu t'y attends plus. Hein. Avoir des Lamaz à ce moment-là de la game, c'est un luxe. C'est une très bonne pause. Ça, c'est une pause où tu peux mettre des bons dégâts pour la Storm. Surtout qu'ils sont au milieu des deux groupes. Donc eux ils vont devoir remonter si la zone se passe au dessus. C'est W avec les hop là justement. On sait pas ils sont face à qui mais. Il est blanc. Ouh, nice. Ouais, belle edit, tout va bien. Ils sont encore 3. Ouais, mais il y a encore trop de team autour quoi. Ouais mais il y a beaucoup trop de gens. Après c'est. Le bouclier il fait du bien là. J'ai l'impression que c'est un late game avant le late game quoi. Ouais mais là il y a beaucoup de gens qui vont mourir sur la prochaine rotation. Ah, surtout qu'ils sont bord de zone, c'est à dire qu'il y a tellement de teams qui vont devoir traverser. La nuit répu dans son stuff. Là, faudrait en split avec tes coéquipiers. J'espère qu'ils ont un pad. Ça se trouve, ils en ont 6 aussi. Hein. T'imagines la team. J'espère qu'ils ont un pad. Hein. Ouais. Moi, j'aurais pris les bulles à la place. Xewer aurait encore la zone. S'il n'était pas mort. On va falloir commencer à penser à autre chose que Xewer. Mon cher Miz, ça m'a fait mal. Non, mais si tu veux, on lui passe un coup de fil. C'est le mec qui ramène tout à Xewer. Bah là, Xewer, il aurait fait top 1 là. Ouh, la team de. Nero attaque Luka. Je te comprends. Okay. Ils sont vraiment pas bien. Les 300 shields en bord de zone comme ça. Ouais, ça la va game vraiment est la merde, beaucoup moins stack que celle d'avant. Ouais, mais 58, regarde la zone aussi. Ouais. Imagine, tu viens de le kill ending. T'as couru cette game. Ever qui prend un kill. Ouais, c'est bien. Sur Izenma. 57 remain. Ah, mais cette zone elle m'attriste quoi. Y'a personne quoi dans cette zone. Ouais. Ah, du coup, Sobs. Ah oui, c'était battu bord de zone, il me semble. Il a pas réussi à aller. Peut-être qu'il n'y avait pas de bus ou quoi. Ouais, c'est ça. Pas évident pour Sobs qui va du coup devoir faire l'exploit. Après, c'est faisable. Et encore la storm surge, même dans la. Eux ils ont qu'un kill, donc je sais pas s'ils vont se manger la storm ou pas, mais. J'arrive pas à voir s'ils sont en dessous ou au-dessus. Il va bien s'en sortir. Donc. En tout cas, elle a fait son apparition, la storm surge, la régie. Essayez de le voir tout seul, ça va être chiant de relancer à chaque fois. Ah ok, ils sont quand même au-dessus. Eux, ils sont bien, ils ont pas besoin de forcer quoi que ce soit. Non, je pense que c'est suffisant. Genre, tout le monde a réussi à roter. Ils vont devoir tellement remonter. Tout le monde a réussi sa rotation, j'ai l'impression, de Pleasant Park. Ah, mais ils arrivent tous du même côté, il y a personne en haut. Côté nord, là, il y a personne. C'est abusé, j'ai rarement vu ça, pour être honnête. Je sais pas comment ça va se finir. C'est pas à voir s'ils sont déjà en zone, je pense. Ouais, par contre, s'ils ont la prochaine zone, ils sont archi bien. Ouais. Oui. Ok, donc là on voit vraiment. Ah, ils sont vraiment tous côte à côte. On voit PNZ, MZQ, pardon, attaque.
Ah ouais, y'a vraiment du monde. Ah, je crois que la team de Hades est toujours en vie, il me semble. Aïe aïe aïe, la zone. Elle va faire mal celle-ci. Ah, y'a qu'une seule team déjà positionnée en zone. Ils sont sur la montagne, non? C'est la petite montagne, je crois, à côté du bloc. Y'a deux montagnes, ils vont être vraiment bien. Ouais, y'a l'autre bord de montagne, ouais, c'est ça. FZQ qui est toujours là, hein, qui arrive toujours à faire parler les balles. Sur 10 cases. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Solari qualifiés, mais il y a encore de la place. Hein. Il y a encore de la place. De toute façon, on veut les meilleurs des meilleurs pour le 1er octobre. Ok, donc là. Ah non, c'était une répulsion. Voilà, eux, ils ont pas de moyen de retard? Non, je pense pas. Je pense qu'il essaye de scout un pad. Ouais. Dans des moments comme ça où t'as pas la. Après, il y a un pad qui a été lâché, mais plus haut là, l'équipe jaune là. Oh, d'ailleurs, il s'est fait dead en plein air là, le jaune, la croix jaune qu'on voit sur la map. Il était en plein pad et voilà, fusillé dans les airs, c'est aussi ça en fait. Avoir un pad c'est bien, mais ça fait pas tout. Faut aussi avoir de la chance. Là, tu fais quoi? Tu croises les doigts? Non, tu... en vrai. C'est un bon timing pour pad parce que tout le monde pad en fait. Okay. Faut essayer de pad quand il y a le plus de gens en l'air. Pour essayer d'être parmi les autres. Bien sûr. Ouais, sinon, s'il y a qu'un mec en l'air, tout le monde le vise lui. Exactement. Et il y a toujours des donc mecs y qui touchent. Il y a toujours des timings. Okay. Des bons et des mauvais timings pour pad. Toujours intéressant alors qu'on voit l'équipe, un spoiler, Markod, etc. Elle a commencé à faire un petit massacre. Ça a l'air d'être tombé sur le hop là. Le hop là aussi. Justement, ouais, c'était la team bien dans le mal. Ah, il a pas eu le kill, je crois, Malchik. Malheureusement, ça a été récupéré par quelqu'un d'autre. Ok, MZ, Benz, un peu en retard. Ça va. Il y a déjà en zone, je crois. Ouais, tout va bien pour l'instant. Ils sont encore assez nombreux, hein. 44 personnes sur 96. Alors qu'on arrive déjà sur la 6ème zone. Autant vous dire que ce late game va être encore une fois très animé. Ça va être assez foufou, hein. Ouh, la prochaine zone est loin. Ouais, est loin de Malchik, Asko et Stepko. Oh, ils sont montés très très haut les autres. Sûrement un fight. Ouh, hein. Ouh, Markot qui fait 2 kills. Je vois MCES qui a l'air d'être dans la mêlée. Hein. Essayez de nous ramener dans la mêlée là, le mode ops, plutôt que... J'aimerais bien voir les MCES, ils sont combien? Parce que je sais que Podasai est tombé. Je me demande s'ils se retrouvent encore à 2 ou alors Markot est vraiment tout seul. Il y a vraiment du monde. Ah non, ils sont 2. Les MCES, ils sont 2, ouais. Du coup, il n'y a que Kuto et Markot. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ok, Ever, Gaia et Uranus sont vraiment bien. Hein. Alors que là, on voit la Storm Surge, 45 ans. Le bordel là. C'est rare les Storm Surge aussi tard, non? Il a pas de moyen de retard. Ok, il a de la chance. Oh le pad. Ouais. Ceux-là, tu les aimes. Il y en a toujours un. Avec autant de joueurs, il y a toujours un mec qui va péter son pad. T'as juste à attendre, tu le sais. Faut les trouver. Faut être au bon endroit. Au bon moment, c'est ça. Et il y a vraiment des joueurs doués comme ça, comme Kinstar par exemple. Il les sent quoi. Il est vraiment doué à ça. Ok. C'est là où on comprend la complexité de Fortnite. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des joueurs. Et encore, il y a plein de choses pour eux. C'est tellement logique qu'ils en parlent pas. Et pour nous, c'est toujours très intéressant de voir ça et d'avoir des vraies analyses. Que vous comprenez que chaque moment est décisif. Où tu te splits avec tes mates. Ouais, surtout que lui, il n'y a pas énormément de build. Hein. Non, 12. 120 de build. Il n'arrive pas à trouver un en bord de zone. Ok, il est en zone. Là, il est bien à cet étage-là. Il y a l'air d'avoir personne. Ouais, par contre là il va se faire full et... Zéro de maths, Nero. Faut que tu descends. Et la zone, faut monter la montagne. Oh, les ça va être terrible. Ouais, là la prochaine, j'avoue. Attaque qui tombe, Nero qui tombe et Wuka qui tombe. Instantanément, les trois sont quasiment morts. Après, au bout d'un moment, faut des morts. Bah, lui, pareil. Au bout d'un moment, faut en tuer quelques-uns. Et c'est justement, ils sont en train de se laver là. Kill sur kill, regardez. Ça se vide en termes de. C'est Sharkix qui prend un bon kill à ce moment-là, mais faut monter. Elle va être terrible cette zone. C'est bien ce qu'il fait va être là. Terrible. Il fait travailler les mécaniques. Et là, c'est fini. C'est pas chez lui ça. Aïe aïe aïe. Ah, y'a trop de trucs. C'est pour ça que la petite répulsive là, en late game. Ever qui met une bonne répulse, ils sont encore 3, ça c'est rare à ce stade de la game. Et là, faut réussir à monter. Parce que là, y'a l'équipe en haut qui doit contrôler. Ok, ils ont réussi à monter, ça c'est bon. Deux de ses mecs sont morts. Aïe aïe aïe, il est tout seul. Ouais, c'est bon, il est full shield avec des maths. Bien joué, Ever. Il peut faire l'explo, Ever. 4 kills déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Ils sont déjà 6 kills à E3. Faire qu'ils gratte un petit top 4 là, déjà top 4. Un petit top 2. Ça va très vite. Top 3-4, c'est bien. Ou alors encore full shield avec des constructions. C'est le top 3 maintenant pour Ever. Va falloir tomber Sweden et Palozzi. Ouais, c'est ça. Les deux sont là, vous voyez les deux solos. Ils ont l'air d'avoir plus de construction. C'est Ever qui est pour l'instant ciblé. Alors, quoique, ils ont meilleure ligne finalement pour aller. Il sait qu'il y en a un juste en dessous. Hein. Ouais. Il oublie pas, c'est du 2v1 pour Ever. Il va faire gratter le top 2. Le joueur G4V qui fait un petit exploit et peut-être la fin de game pour lui. Mais non, trop peu d'HP. Bien géré par ses adversaires. Sweden, Palozzi prennent ce top 1 avec la petite danse de fin. Derkaz qui a pu observer ça tranquillou en spectateur. Et ça fait déjà deux games joués pour cette Dwight Cup. Ever qui prend son top 2.
comme on l'avait un petit peu dit, juste parce qu'il a réussi à se placer, tu l'avais dit, hein, au-dessus de la montagne avant les autres. Elle a bien carré la game là. Et l'équipe au-dessus, elle a bien joué parce qu'ils avaient plus de matériaux, ils se sont pas précipités. Ils ont pas descendu, voilà, parce qu'ils ont attendu les erreurs. Après, quand simplement. T'es 2v1v1, ils le savent aussi, tu vois, ils ont le temps, à mon avis, c'est quand même plus tranquille. Mais faut pas se précipiter. Ouais, ouais. Donc t'as bien raison. On l'a vu, hein, quand ils se sont précipités game d'avant, Machu et tout. On va en parler. Pourquoi. Faut pas se précipiter. Vous écoutez, Miss, c'est un joueur qui a gagné la qualif numéro 2 qui vous le dit. Ouais. Alors on me dit que c'est pas le même Ever. Alors que depuis tout à l'heure, on est en train de l'encenser. Il y en a plusieurs un peu sur la CNFR. Ok, bon, bah on vous laisse le chat savoir tout ça. C'est pas Ever que tu penses, c'est Ever Manette. Ok, bah écoutez, en tout cas, GG à lui, peu importe. Il a montré de très belles choses et logiquement, je sais pas combien de points. J'avais regardé beaucoup les points des top 1, mais j'ai pas regardé les points des top 10. Je sais pas combien de points à peu près il faut pour se dire, ok, on est tranquille pour la Dog Cup. C'était, je crois, dans la semaine dernière, ça jouait à 49-50, il me semble que c'est ça. Ah, quand même, hein. Ouais. Ah, quand même, il faut dire que deux grosses games. Faut qu'il ait, les gars, faut qu'il ait. Ok, bon, après, normalement, avec un top 1, t'es quasi sûr, si tu veux pas trop d'autres conneries, d'être parmi les 10, quoi. Top 1, ça fait déjà 15 points. Ouais. Souvent, tu chopes 5 kills facile. C'est ça, donc 20 points. Ouais, c'est ça. Après, faut les réussir, les 30 autres points. Ouais, non, c'est sûr. Mais on va voir, en tout cas, et normalement, le classement va être à jour dans quelques instants. Ils sont à fond dessus, justement. Ok, bah, montre-nous, ça, c'est le classement suite à la game 1. Et ça serait bien que War Legend passe la deuxième vitesse, là, pour qu'on soit dans les temps. 26, 22, 19, 19, 16, 16. Defeat, c'est quoi, c'est les kills C'est les points. C'est les defeats. Defeat, c'est les kills. Oui, les kills, pardon. Ok. Ouh, attends, c'est-à-dire que. Fatou Subs, top killer de la première game. Il avait fait 6 kills, Yoda. Lourd, hein. Ouais. Ah ouais, chaud. Ouais. 26 points, donc à 2, 11 kills, c'est vraiment beaucoup, hein. Ah, du coup, c'est l'équipe de Hades qui a fait top 3. C'est-à-dire que c'était que Cracky à la fin. C'est-à-dire qu'il a réussi à gratter beaucoup de points. C'était vraiment dans le mal, hein, quand on les a vus. Avec 10 kills, vraiment chaud, propre. Crack. Bon, ça, c'était la game 1. Donc, on aura maintenant le classement en direct suite à la game 2. Bien évidemment, et on me dit que le classement est déjà à jour. Donc, le temps que la régie le mette, on va pouvoir directement avoir l'écart entre la game 1, la game 2. C'est et voir si Xewer garde la tête. Et non. Non. C'est trop serré. Il perd 5 places. C'est-à-dire qu'il va pas falloir se louper là. Là, ça fait mal. Et vous l'aviez bien senti, l'IFATE. Là, vous comme quoi vous avez c'est une pas belle top killer, mais ouais, on s'en fout, un petit point d'avance, on s'en fout, les points ils jouent le format, ouais, c'est vrai. Mais donc, par contre Léo, Clément et Nekos, du coup, qui rattrapent un peu tout, hein. Clairement, ils reviennent très loin. Ever avec Gaïa Uranos qui se met très bien grâce à ce top 2, il prend lui aussi la deuxième place à égalité, et derrière voilà, on l'a dit, Xewer qui est tombé 5e, Mushwen, Warnate qui font partie des favoris ce soir sont au moins dans le top 10, MZQ, on en parlait, joueur Solari, lui aussi, et Kuto, Marcotte, Podasai, et ils ont jamais fait de fin de game à 3, hein. Ouais. La game d'avant, c'était que Podasai ou Marcotte, je crois, et du coup là c'était que Marcotte et Kuto. Donc ils ont pas la meilleure place, parce que c'est celle-ci qui met pression. Est-ce que tu peux descendre un peu, voir à peu près où sont le 11e, 12e, 13e? Ah ouais, c'est quand d'accord. Il y a quand même un petit fossé entre le 10e et 12e, ça commence à faire 7 points. Oula, il y a un point d'écart. Ah oui, un pas point. Donc là, entre le 10e et le 17e, c'est très proche. Hein. C'est vraiment très proche. Top 10, c'est déjà 20 points en deux games. On avait dit 40. 40, 50, pas le top 10. Ok, bah écoutez, on a pas mal d'informations et on va avancer là-dessus. Qui va où? Nice. Qui va où? Bah lui, il a déjà choisi, hein. Il change de spawn toutes les games, je pense. Il spawn au bus, non? Ah non, ils ont spawn à côté de Sony Steps, encore une fois. Non, mais du coup, ils prennent un spawn pas joué parce que s'ils sont joués au spawn, ils meurent instantanément. De toute façon, quand t'es deux, tu te dois d'être imprévisible. Discret. Donc là, il va se suicider, hein, pour ceux qui se demandent pour le troisième joueur, vous inquiétez pas. C'est juste que du coup, quand t'es deux, tu te dois de. Mais pas trop, sinon t'adapter, quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils vont comprendre. Enfin, ils ont compris, à mon avis, de leur game précédente. Pas évident, cette situation, franchement, pour Xewer. Mais qui peut peut-être créer l'exploit, se qualifier en étant dans le top 10. Flight, là. Ah oui. Ils sont joués quand même. Deux teams là, dans les environs, il y a un chasseur. C'est pas ouf d'avoir qu'un chasseur. Non, faut vraiment un truc pour swap, à moins que tu one-shot le mec. Bah avec le vert, tu peux. Ah oui, mais s'il a pas de shield. Ouais, c'est vrai. Ça vient de côté. C'est mort, à cette distance là, il savait. Cyrus qui tombe. Justement, c'est Nikolai qui est venu lui montrer que Frosty Flight lui appartient. Et lui, il a un stuff déjà un peu meilleur. Déjà deux kills, hein. Ouais. Par contre, il en reste un quand même, faut pas l'oublier. Il peut à toi, il peut clutch. Surtout qu'il a un. Il est là. Ouh, il a un barrette, on sait jamais. S'il s'est pas fait entendre. Là, il a pas fait de bruit. Non. Même le temps de scope. Il est juste au-dessus de lui là. Ils ont la faux quand même. Ils vont quand même aller le chercher. Il est juste au-dessus. Là, c'est la chasse à l'homme. Hein. Là, c'est la chasse à l'homme. Une balle de pompe chacun. Tranquille. Il y a pas beaucoup de construits en early. Le 1v3 avec un barrette. Nicolas, vous l'avez vu cette émote. Aïe. Respect, bien sûr, bien évidemment. Toujours. Et les 13 up qui se fight. Onokill qui est tombé. Ah, ils sont juste à côté de Xewer et
Et Yoda hein, par contre. Je crois que c'est MZQ. Quoi? Attends, Yoda il vient de tomber MZQ alors que XMS. Oh, oh ouais, c'est un bordel. Là il y a trois équipes. Ah, c'est à dire que Yoda et Xever viennent de prendre un kill de Lille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Du coup, on va insister. XMS il est tout seul hein. En 1v2, pendant qu'il est en train de. Ah, il a réussi à res. Ah, il est très up son res. Oh non, mais là il a. Il a touché en blanc. Là, c'est ballsy, hein. C'est dommage, c'est dommage. Là il est enfermé. Oh non, c'est fini. Ah non, j'ai cru qu'il était pas rien. Ouais. Un PV. C'était pas la meilleure manière de setup là, hein, je trouve. Non, mais je pense que là, Yoda et Xever vont descendre. Et voilà, c'est exactement ça. C'est le moment idéal. Oh là là là. Il a passé le bon move. Ouais. Il y en a un qui a répulse. Il a un PV. Du coup, tu vois la réaction, tu te dis que. Il a répulsé sans son teammate, il l'a laissé tout seul. Bah, tu m'étonnes, mec, il a un HP, c'est le bordel. Ouais. Ils sont deux. Ah bah ouais, lui il est. Ah, lui il a été abandonné. C'est dommage. Ah bah qu'est-ce que. Ils ont pas, t'as pas le temps de setup. Il y a deux mecs qui arrivent, t'as deux HP, t'as une répute en mode frère, je crois que t'en as une. Hein. Il a même pas trop de construit, hein, mais il est dans la merde du coup avec moi. Mais au moins il est debout. Et ce Nistep, s'il y a personne, c'est-à-dire que tout le monde s'est fight au bouboule là. J'avoue que c'est impressionnant ouais, là d'avoir. Ils ont pu le problème de la game d'avant là. Oh le kill, oh, le petit kill. En mode viens par ici, viens, c'est là. C'est là que tu vas être heureux. Ah, toujours leur fight là, Nate et Manchoué. Toujours avec Nate. J'ai l'impression qu'ils se sont partagés la ville. C'est la même équipe au shop et la même équipe aux maisons depuis tout à l'heure. Le vrai problème c'est qu'ils peuvent plus se permettre de rater une game, Noward, Manchoué et Nate. Mais il y a. Ah ouais, Léo, Clément leur mettent vraiment une pression de ouf. Hein. Trois positions différentes, ouais. Encerclées. Et ils ont la hauteur naturelle. Et la hauteur, effectivement. Parce que là, Meshoué et... C'est Nate. Ouais. Meshoué et Nate sont vraiment pas bien dans leur petite maison là. Ils peuvent pas se permettre de mourir. Ils sont tous full shield. Retail toujours pas en zone. Donc ça peut vraiment mal se finir encore une fois. Oh là 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 là. Là, là ces deux teams là ont décidé de. Ouais. C'est la guerre. Se faire du mal hein, ce soir. Mais c'est pour ça aussi qu'on aime la Dwight Cup. Bien évidemment. C'est pour Noir ça. Qui va... Ah, oui, il va reflank encore une fois. Ouais, j'ai l'impression. Non, ouh, il a pas l'argent de ses mates. Ouais. Ils ont vraiment peu de construits à chaque fois. 300, c'est vraiment peu long. Après Retail, t'es en train de taper des zombies. Ouais. Il a peut-être pouvoir remettre une balle de snipe en vrai. C'est vrai qu'il se fasse oublier. Nate, et il faut barrette, hein. Et Nate au barrette, on le connaît, il est vraiment monstrueux. Hein. Bah, va falloir, là, va falloir une balle. Hein. Ah. Et il a peut-être un angle. Hein. Il a peut-être un il a angle. Pas été vu. Faut pas qu'il aggro les zombies. Ah, mais c'est impossible, putain. Oh, Nate, allez. Attends. Oh, ah, dommage. Non, ça aurait et pu en plus, être l'élément. Il y a toujours No Ward hein, de l'autre côté avec un barrette aussi. Je veux que ça peut bait. Ils ont tendu un barrette d'un côté. Ouais, No Ward qui. Allez, peut-être No Ward. Ils veulent double barrette là. C'est un double barrette qui part. Ah, il va essayer de faire pique. Peu importe, s'il casse la structure. Ouais, oui voilà. Peu importe. Tant que No Ward a la visu sur le joueur et que son adversaire, son coéquipier pardon, casse la structure, ça passe. Et ça va calmer peut-être l'assaut justement de Clément, Léo et Naikos. Okay, il a pas le temps de se re-shield. Du coup, Clément il est pas dedans, il est pas dans l'assaut. Léo, pareil, Léo qui est en train de perdre son 1v1. Bah, normal, il a go, il a go, il a go solo. Et il est cover No Ward pour l'instant, même si là ils se sont vraiment enfermés, il va falloir faire le move hein, là-bas. Léo Noir dans 1v1. Ouais, par contre Léo a largement l'avantage de la vie. Oh le bon là, ouais, mais il a la minigun. Il a la minigun, No Ward. Le joueur belge qui permet à son équipe, ça y est, de cette fois-ci prendre le dessus. Mais il en reste deux. Meshoué et Nate qui sont collés, qui sont ensemble. Meshoué, je crois. Ouh, Naikos encore full shield, hein, faut faire attention. Ouais, Clément qui tombe face à Nate. Et il en reste un. Naikos tout en bas. Petit faire le point. Et ce qui vient, c'est que les zombies donnent la trajectoire. Les zombies donnent la trajectoire, il suffit de suivre les zombies. Nate, il est coincé dedans, il y a les zombies, il y a tout le monde. Et c'est finalement Meshoué et Nate qui prennent les kills, restant un kill chacun dans cette trio. Meshoué et ça gagne. Non, non, mais non, ça va. Il a des mains quand même. Il est mort comme ça en compétition. Merde. Ils se mettent très bien parce que là, au moins, le fight a pas duré si longtemps. Une team qui va stable. Oh putain. Non, il prend juste la visu. Il va retard là, en zone. Il faudrait qu'il retarde en zone. Tu penses qu'ils vont pas y aller? En fait, s'ils mettent une balle, ouais, mais sinon, il faut qu'ils retarde early et qu'ils se placent justement pour l'instant. Ah, justement, on les entend comme, hein. Ils les ont repérés aussi. Ils savent c'est qui. Mais c'est surtout qu'en fait là c'est late, genre ils ont réussi à se remettre de la vie. Push, c'est... Après on a pas l'info de la zone. Tu veux voir la map c'est ça? Ouais. Ok bah montre nous un peu parce la carte. Si la zone c'est Salty Springs, faut vraiment plus fight à ce moment là. Je comprends. Ok. Bah c'est ça donc faut vraiment courir là. Il y a beaucoup de team en retard. Après au pire tu pètes un pad quoi. Ouais c'est vrai que. Je sais très bien que tout le monde veut les conserver pour le late game, je comprends totalement mais. Non mais y'a qu'à Retail que tu peux faire ça. Ouais parce que tu peux en avoir plusieurs. Ouais c'est vrai. Tu sais tu fais pas, t'arrives à look like, five, enfin. C'est quoi c'est bien. Ouais c'est celui qui est tout seul. Il était tout seul hein. S'ils ont l'info qu'il est tout seul, faudra aller le rush. Il est en snowboard, non, Echo? Non, il vient de pad. Il vient de prendre un pad. Ah, il est en réserve, ok. Peut-être de pressure. Et du coup, ouais, par contre, s'ils ont l'info, ils vont normalement ils vont aller le rush. Ils se dirigent droit sur une team, hein, Echo. Je sais pas, mais
On le voit le petit curseur. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous passez un très bon moment dans cette Dwight Cup. Je rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag Dwight Cup en direct. Mais on kiffe, nous, cette soirée. La dernière phase de qualification, vous êtes 16 000 à nous suivre en direct. Et au global, vous êtes très nombreux comme la semaine dernière. J'avais vu des statistiques. On est actuellement 28 000 viewers sur tous les lives cumulés. Et donc, on représente 25% de l'audience mondiale de Fortnite sur Twitch. C'est incroyable, effectivement. Et du coup, Fortnite, ils regardent en mode mais c'est stylé ce mais que la com est française, c'est incroyable. C'est français ouais. Les francophones, ça marche. Hein. Je suis assez d'accord avec toi, Oslo. Hein. Il se passe un truc ouais. spécifique. Bah, rien que le Z-Event ce week-end et tout. Totalement. Bah en fait on a eu la chance de structurer comme on a dit un milieu du streaming très tôt grâce avec Dailymotion. Ça a donné des vocations qui du coup ont continué même quand la bulle Dailymotion a explosé. Du coup on a des choses qui sont structurées, des web TV, des structures, beaucoup de structures. Et ça pour, dans beaucoup de pays ça les choque, tu vois, de dire mais c'est une web TV, c'est, ça marche. Ouais, bah, c'est beaucoup français. C'est très français quoi. C'est très 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 français parce que de base c'est pas rentable. Mais nous on a réussi de par des partenariats avec des marques, des accords entre les joueurs, donc à structurer ça et je trouve ça trop stylé. Donc ils ont compris trop dans cette construction. Ouais, bah, il y a une autre team là du coup. Les roquettes mais il en a que deux. C'est pour ça qu'il prend son temps. C'est ça, faut pas les louper. Tu vois, ça se voit que c'est pas des mecs qui se Je sais pas si retail. C'est forcément une bonne chose de prendre un fight maintenant. Je vois pas leur construction ou quoi. Mais ils sont que deux en bas, non? Ouais, ils ont peut-être l'info. Et puis ils vous ont mis dans l'actu. Bah encore une fois merci Epic Game. On est sur le client justement du jeu pour encore une fois promouvoir et soutenir ce projet de Dwight Cup qui est là, bah on l'a dit hein, pour dit la fin, hein. Structurer la scène française et les motiver à garder cette mentalité de tryharder. Ouais, ils ont pas de balles ni rien, du coup c'est peut-être. Ouais là je pense s'ils ont l'info qu'ils sont deux, ils vont les rush automatiquement là. Ils cherchent juste le bon angle là hein, Backhead. Ouais. Après le souterrain de Shifty c'est très grand, faut vraiment repérer tes adversaires. C'est compliqué quoi. Et ouais prendre des fights là-dedans c'est bourbier en fait. Ah ça y est, ça commence à edit. Ah, la première roquette, ça permet à son mec de remplacer, c'est vraiment pas mal. Et là ça va se piocher, le box fight. C'est bien, il y a du bon edit, voilà. La flow double. Oh dommage, la troisième balle qui est loupée. Le bon 127 au pompoton, on l'aime celui-là. Du coup, il en reste plus qu'un qui a plus de vie. Et là, bah, 1v3, sans ouais. PV. Tu réfléchis plus là, hein. C'est là, tu tout le monde bourre. Bien ça, joué, ouais. Bien joué à eux là, Backhead. Ouais, par contre, c'est. Backhead ouais. 7 HP, ils ont tous perdu le shield. Bon, je sais après. Pas si c'est une opération. Bah, tu récupères le stuff de 3 personnes, tu récupères des construits. Ouais, un peu de balle. T'as des bandages, t'as du shield, t'as un feu de camp au pire, tu vois ce que je veux dire. Et il y a même un feu de camp naturel sorti là. Ça. Il y en a deux, je crois, dans le shield. Ça reste et tu prends 3 points. Attends, parce que lui il a une. Ouais, il a une. Il est passé sur Zombie Rétalement. Regardez derrière vous. Regardez derrière vous. Ouais, c'était pas une bonne chose, moi, je pense, de Rocket là. Ça fait trop de bruit. Ouais, ouais, là il aurait pu mettre un moins 200 à l'air tranquillement. On s'est fait peur, mais ça passe. Il a l'info qu'ils sont deux, il les a touchés. Ouais, ils ont pas mal de kills, les MCS. Je sais pas pourquoi ils cherchent à fight maintenant. En vrai, je sais pas. 3 kills. Un rocket, ouais, tu peux jouer mid, pas... reprendre la hauteur en dernier moment. Je sais pas si c'est une bonne chose là de prendre un fight maintenant. Il commence à reculer. Est-ce qu'il y aura de la Storm Surge? Oui. Ils ont pas mis énormément de dégâts hein, du coup. Ah peut-être pas, non, 3 morts ça se fait je pense. Non non, ouais, ils vont pas se la manger la Storm Surge justement. De toute façon ils sont clairement au-dessus hein. Pas de problème. Avec 3 kills largement. 270 au-dessus. Ouais j'ai l'impression qu'ils veulent se fight hein. Là c'est juste une perte. Ah il y en a un qui est knock en bas. Ah ouais. C'est de la même. Je crois que c'est des knocks par une autre team, non? Il y a une autre équipe bleue. Ah, parce côté, que ils ont. Metal. Ils ont pas l'air d'avoir l'info. Non, hein. Ils ont pas l'info. Ça va se reste tranquillement. Ouais, mais par contre. Kazuna qui tombe Wuka. Wuka qui tombe Scortec. Nero qui tombe Masta, pardon. J'allais dire Max, hein. Ah, ils ont pas l'info. Ouais, c'est la team en ils bleu. Ont pas osé, là, ouais. Qui possible. Est au milieu de la montagne à droite, là. Ils prennent leur temps. Normal, ils ont la zone, quoi qu'il ils arrive. Ils ont la prochaine zone. Pas besoin de se précipiter tout de suite. Weaver qui tue Kazuna, mais il y a un sacré fight, hein, je ne sais pas où. Il y a d'avoir du bon fight et déjà 70 remain, donc il n'y aura pas de Storm Surge. Tu vois, on sent que le tournoi commence à avancer quoi. C'est... Là, on voit déjà la map un peu plus dispersée, on va dire. C'est plus cohérent justement. Il y a personne Frosty, alors que c'est en zone. C'est l'endroit où là tu te places, t'es carré jusqu'au bout quoi. Crazy Groove, qu'est-ce que t'en penses de danser toi? C'est nul. C'est vraiment. C'est... Après, ça régène l'HP, ça permet de. Ouais, il n'y a aucun moyen de défendre ça. Après, t'es invincible quand tu danses. Heureusement. C'est ça. Donc, tu peux pas être puni et ça te permet un peu de bouger. Mais c'est clair que ça aide pas. Après, moi j'étais une fois down là-dedans et ça te permet de régène quand t'es down. Du coup, tu peux décaler les réa. Qui pose son cerveau, un minigun. Ah, mais... Il a l'info, je pense. Il est bien caché. Attends, mais il me semble que c'est il pas la place. Oh, le bouclier Le bouclier est parfait. Mais par contre, il va y aller. Où...
Il sait plus quoi faire, il y a un bouclier entre les deux Batman. Batman en grosse difficulté face à couteau, couteau qui joue finalement les constructions. Les 10 de couteau et ça passe. Le bouclier. Ouais, c'est pas la team de base qui fightait. C'est à dire que là, c'est la team qui avait backstab la team d'avant là, du coup, qui vient de tomber. Podasai 4 kills, hein. Il est chaud cette game. Les MCES sont on fire pour essayer de glisser une deuxième équipe. On est sur CWX tout seul. Je pense que c'est son équipe ça, non? Ouais, si, c'est son équipe. Ouais, donc il a fire avec une répu et bah il se cache. Il a bien en raison. En vrai, normal, deux répu, t'as encore beaucoup de maths. Tu peux espérer gratter des tops. Ils ont déjà 5 kills, hein. 5 kills, faut les surveiller. Hein. Tellement bien. Les MCES là, faut les surveiller. Hein. Ouais, mais je crois qu'il fait un kill aussi. Ah, je crois qu'il tombe script. Ça a l'air de se fight là-bas, ouais, côté No Ward. Montrez-nous tout ça, les amis. Ouais. Est-ce que c'était un kill perdu? Est-ce que ça continue? Ça a l'air de continuer, okay. Justement pour Nate, No Ward et Mushway. Les bonnes édites. Ou je sais pas, non, j'ai dit de la merde. Ouais, par contre, là, il faut pas qu'ils prennent un mauvais focus là de toute la map. Ils prennent leur temps parce qu'on a vu un petit laser partir. Ça va. Oh, mais la zone, elle est loin. Ouais. Elle a froissé. Ah non, ils vont reprendre leur overboard sûrement. Ou alors qu'ils vont. Ouais, non, ils ont un pad. Mais ouais, ils étaient obligés là. Ils en ont d'où. Ouais, ouais. Et oui. Ah, ça va être encore une game compliquée, je le sens celle-là. Quoi, le late game là, tu le sens pas à cause de la montagne? Ils sont pas du tout en zone, hein. Ah, pour eux? Ouais, ouais, clairement, ouais, ça va être chouette. Je sais pas s'ils vont repad ou pas. Ah, vraiment? Ouais, ah, ouais, là c'est. Retail row. Ah, là ça dépense, ils peuvent repad là, je pense. Mais là ils prennent cher en shield. Mushway no shield. Noah qui a 86 PV. Oh la montagne, elle est dure! Ils peuvent l'allonger donc ça va. Mais ouais, va falloir continuer. Ils ont pas de matériaux. Ils ont plus de pad, hein, je crois. Du coup. Nate, 200 de construit. Va falloir prendre un fight là. Faut Lino Barret, on est d'accord. Les 3, dans ce moment là, faut fight. Là, ils sont vraiment sneaky. Ils ont réussi à se faire oublier. Ok. Mais. Ah, dommage. Oui, ça passe! Double Barret! Double Barret, ça passe! Du coup, passe. On va aller les rush. Là, faut les push, les gars, ouais. No Ward qui a tombé Slow Zane, double barrette. Il est tout seul le mec. Ça backstab derrière, mais il est solo effectivement. Il va falloir se coordonner, s'organiser pour essayer de. Ils sont pas en zone, hein. Gagner cette action là pour vite retourner en zone. Donc ils vont pas pouvoir les looter. Ah, là ils sont en zone. Cesse de construction pour No Ward. Ils ont raison, faut pressure. Nate qui refait un autre kill sur une autre team. Du coup, faut pressure, faut en finir. Récupérer du stuff, des matériaux. Ah ouais, mais là il se fait laser, 54 PV. Ils sont deux, il a knock attaque. Il va recharger son barret. Ouais, il va recharger son barret, il va rentrer dans la box, je pense. Ah, ils ont plus de vie. No Ward qui a 5 HP. No Ward qui tombe par Nero. Donc il a revenge son. Ouais. Et du coup, ça, là c'est du 2v2 du coup. Oh, là, faudrait finir l'équipe, les gars. La situation là est dure. Mushway qui essaye de réa, mais très compliqué. Mushway qui va prendre le fight, Mushway qui go in. Mushway qui se met encerclé. Il y en a un à droite, un à gauche de l'escalier. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Et ça tombe côté Mushway, No Ward et Nate pour cette game numéro 3, malheureusement. Là, c'est vraiment la malchance. Là, c'est vraiment la RNG pure du jeu. C'est avoir la zone à l'autre bout. C'est. Là, vraiment, c'est les problèmes c'est de fight quand la zone est à l'opposé. Faudrait peut-être partir. Ils sont en train de débriefer. Est-ce qu'on peut essayer d'écouter ce qu'ils disent? Genre après ils étaient hors zone, ils allaient pas. Moi j'avais juste zéro petite balle, genre zéro balle. Je l'ai foulé avec mon air, moi. C'est un manque de coordination, comme tu l'as dit. J'en ai knock un et j'ai mis une 4-90. C'est une trio qui est en train de. Nate était tout seul. Ouais. Et Mushway Noir faisait leur. Un peu derrière, ouais. Leur jeu de leur côté, ils auraient peut-être. Pu essayer de suivre Nate quand Nate en a knock un. Par exemple, ils ont le temps de se raise et tout, attaque Nero. C'est ça le problème. C'est là où tu dis il y a eu un manque d'envie. Ils arrivent un peu trop tard. Ouais. Et bah, du coup, c'est un 3v3, mais ils ont plus l'avantage. Dommage, ça démarrait bien. Le double barrette là était bien placé et ils ont eu raison de prendre ce fight. Après, voilà, derrière, ça manque de coordination, d'automatisme. Et ils ont quand même fait beaucoup de dégâts à l'équipe adverse. Hein. Ils étaient tous low life sans shield. Donc, ils sont bien défendus, mais malheureusement, ils iront pas plus loin. Bon, cette game 3. Et on va voir du côté un peu de Fateux. C'est les premiers. Ils sont premiers. Game à deux. 500 de matériaux. Oh, et c'est hors zone. Il va finir tout tranquille, regarde ce qu'il y a à la sortie. Ah, il a pas non, mais pris il laisse à son pote. Il laisse à son pote. Ah oui, ok. Il y a Lee derrière. Je pense, hein, Fateux il est pas si bête. Hein. Lee il va ramasser les shields et tout. Ah, ça là. En vrai, là ils vont pouvoir se passer tranquillement. Il y a personne de côté. Ouais, par contre, pour. Après, faut pas qu'il tique son teammate. Que lui il tire, lui, son teammate il peut pas tirer. Ah, c'est ce qu'il vient de dire, il a dit j'ai 40 HP. Il peut pas trop tic, hein. Aïe aïe aïe, Lee. Faut pas tomber. Ça passe 5 HP. Ouais, non, Lee est tombé. Ouais, je pense que c'était un peu le move de trop. Et la Fateux malheureusement. Et là, qui a ouais, dommage. Je pense. Cette zone, c'est ce que disait justement Oslo. Hein. Là, cette zone, elle fait très mal pour beaucoup de joueurs, pour beaucoup d'équipes. Du coup, Nakwa et Kraki, ils ont toujours pas fait de fin de zone à 3, il me semble, l'équipe de Hads.
toujours pas malheureusement. Ce serait bien d'avoir justement cette trio hein, qui arrive à passer top 10 justement aussi pour avoir une nouvelle chance Vitality. C'est vrai que vous êtes pas mal quand même les Vitality hein, sur la Dwight Cup, Maxa, DRG, ouais, y'a toi. Ouais, il manque Ads en joueur actif Fortnite. Effectivement. Ce sera peut-être ce soir, en tout cas ils sont dans le top 10 actuellement. Ouais. Et Arcanix encore, enfin la TPW encore dans une bonne position. Ouh, ah. Ça joue beaucoup les hauteurs de leur côté. Oh, on va arriver encore là, Zewer du coup, Zewer Yoda. Je sais pas s'ils ont encore du shield. Ça a pas l'air, sinon ce serait rush Bella. Ouais, je te suis en gros. On vient d'arriver en zone, je crois qu'ils le sont maintenant. Y'a mec close à nous. Il est tout seul, viens, ult. On entend la com de Xewer là qui essaye de coordonner. Y'a Yoda qui prend une laser. Mais malheureusement il tombe. Ouais. Yoda 48 HP hein. Prends les gros. Ouais. Ouais mais là ils font pas ensemble du coup mais ils peuvent pas en fait. Comment tu veux faire là? Là c'est là, beaucoup là, c'est chacun pour soi du, quoi. Ouais, voilà, genre, là le bordel est... Les gars ils sont 47, c'est tous bon, au-dessus de la montagne, ils ont dû tous monter. Et maintenant il y a... Je sais pas s'ils sont déjà en zone là je pense. Mais regardez-moi ce bloc, à croire que la zone est fait la moitié de la zone. Regarde, y'a tout le monde d'un côté. Mais allez l'autre côté. Y'a tout le monde d'un côté. Mais pourquoi... Je sais pas. Ils ont tous peur de sortir. Non c'est pas une montagne. Si c'est la montagne justement. Mais où tu montes l'escalier en métal. Ah merde, ok. Ah ouais d'accord, oui il faut grimper. Aïe aïe aïe. Ah ça va jamais se finir. Il y a beaucoup de teams qui vont mourir là parce que va falloir grimper encore. Oui, il y a du beau monde. Il va y avoir de la stamper. La, c'est la zone, ouais le chat qui est assez d'accord hein. La zone fait la moitié des kills là. Oslo l'avait dit hein, des fois il y a ce côté où... Là c'est la RNG hein. C'est pour ça qu'il faut essayer d'économiser un maximum d'objets de déplacement. Parce que quand ça arrive, il faut avoir des solutions. C'est ça. Ah bah eux ils en ont des solutions. Ils ont déjà 6 kills et, ah oui, ouais, et ça pioche hein. Eux ils sont terriblement bien pour late game là, ouais. Encore un pad, full vie, full shield et tout son... Là faudrait le setup le pad bien. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? C'est une bonne chose, ils évitent de se faire laser et par contre ils vont pas jouer le... C'est ça que je voulais dire, en gros est-ce que c'était rentable là, de vouloir jouer la vitesse? Ils ont peu de construction en fait, c'est dommage, parce que là ils vont en utiliser du coup. Ouais. Ouais, ok. Xewer qui tombe, face à Zobir, info sûre. Ils ont 5 kills hein, ils ont déjà... Oh, il s'est fait laser. Ouais, il est toujours là. Il a 5 constructions. Ils ont beaucoup de kills hein, quand même leur équipe là. Attaque qui vient de prendre un kill sur Marcotte. Ouais. Ah, attaque les builds. T'as 3 répus. Va falloir setup une répu. Ah non, ils sont en zone déjà. Oh, il y a un petit Ever tranquillou là. Souvent le bas, ouais, c'est les mecs un peu tout seul. Ouais. Laissez-nous tranquille. Je suis pas là, je suis pas là. Yoda toujours en vie. Hein. Ah, Yoda qui tombe, du coup, l'équipe de Xewer qui fait 0 points, je crois. Odasai qui refait un kill, ils ont beaucoup de kills. Oh, oh, il a répu son pote en zone. Aïe aïe aïe. La deuxième ce soir, les gars. C'est la spéciale. Mais après, il a récupéré l'HP. Un ouais, kill, il va kill, il refait les deuxièmes. Oh, ah non, ça tombe. Il a pris 2 points quand même. Dommage. What? Ils mais ont déjà quelle erreur. Attaque, peut-il faire le move? C'est toujours l'équipe de Hades, hein, Nakua là. Podasai 9 kills qui refait un kill. Non, mais c'est incroyable, il est on fire. Je vous l'ai dit, les gars. Restons sur Podasai, s'il vous plaît, parce que là il a l'air d'être dans le late game. Il a 1000 de matériaux. Est-ce qu'il a fait des entraînements particuliers avec Andilex là justement pour essayer de se faufiler tout seul après avec le mal de monstre? Le double drap qui va passer, c'est le kill qui est récupéré directement sur son adversaire Podasai. Il est tout seul hein. Qui est monstrueux là dans cette game. Il est tout seul là du coup, ouais. 10ème qui valide, on va aller chercher le 11ème. Il y a malheureusement plus de traps disponibles, mais les élites sont présentes. Ok, il le joue pas. Podasai, t'as 10 kills gros, t'as fait le taf. Qui se fait agresser à la puante pour essayer de... Voilà, ouais, de le calmer, il prend beaucoup de dégâts de la puante. Ok, le bon feu de camp. Mais malheureusement, la puante qui vient travailler une fois de plus. Va falloir qu'il reparte en arrière. Hein. Oh. La zone qui retourne là où il était. Podasai. Oh, le bon run boost. Podasai. J'aime ça, moi. Qui joue de toutes les mécaniques possibles pour se donner un maximum de chance. Il va falloir qu'il se rechille là par contre. Et il en bois. Va falloir faire attention. Podasai. Ah, Podasai qui vient de faire un kill, hein. Je sais pas comment, mais. Il a régène. Ouais, ouais, il a régène, il vient de faire un kill. Il aura 10 kills. Il a pas régène. Non, 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 tu m'as fait peur. Je sais pas, ouais, j'ai vu dans la fille. Ouais, ouais, je l'ai vu aussi. Ah, des fois il est un peu décalé. Ouais, bah ouais, te fie pas 100% avec le mode spec. Faudrait se re-shift là. Oh, ça tombe. Faut qu'il aille en low ground. Ils sont plus très nombreux, ils sont plus que 7. Il est déjà top 4. Ils sont plus que 7, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut lever les bras sur le chat pour Podasai? Par contre, là. Oh, ah non, non, il a de la chance. C'est bon, la zone c'est pas la montagne. Oh, lui, il a pas entendu. Le barrette, l'edit. Il a plus de build. Oh, il l'a entendu. Non, il est pas là, il est pas là.
Il a pas vu. Au cas où, au cas où. Il a plus de build. Pondazak à la meilleure pause. Pondazak à la meilleure pause. Mais qui va tomber finalement. Les derniers joueurs sont encore en vie. C'est du 3 contre 2 avec la hauteur. Ils ont masqué là aussi là. 3 contre 2 contre l'équipe qui a la hauteur. C'est la team de Zobir qui est en dessous. Ah mais il a 11 roquettes là. Va falloir qu'il tire au bout d'un moment. 3 contre 2. Va falloir qu'il tire. Il a 11 roquettes. Je sais pas si il ose pas. Il ose pas. Il attend le bon moment. Ça y est. Ouais. Dommage, ça touche pas. Spam, là. C'est du 2v2. Ah non, 2v2v1. Voilà. 3v2, 3v2. D'accord. 3v2, l'équipe qui sont deux, c'est ceux qui ont la hauteur. Ouais. Et l'équipe de. Ok, okay là, un down. 2v2. Fane. Fane et Zobir. Il a... Oh, le 2v1. 2v1. Et ça passe. Ouais, il les a 1v2, je crois. La il les a 1v3 même. Fane, Pyrex et Fane, il les a 1v3. Monstrueux. C'est incroyable. Raiden, Zobir, Talmo. Alors après il y avait quand même Zobir dans l'action, mais il a vraiment celui qui avait le rocket, il a fait une erreur, c'est incroyable. Il a spammé ses roquettes. Ouais ouais, il avait juste à faire ça, c'était pas un V2, non. Non, un V3, un V3. J'ai vu dans la file qu'il a eu les 3. Non, mais non, tu prends un V2. Ah, non, je me sens que c'est un V3. Ils sont 3. Eux, ils étaient 3 en face. Au-dessus de 2, tu vois. Non, mais j'ai vu 3 noms dans la file avec le même mec. C'est peut-être parce qu'il l'a mis à terre et que le kill s'est validé. Ouais. Ah, faut check, okay. En gros, non, c'est sûr, il l'a mis à terre et du coup, il a tué le deuxième, ça a validé les deux kills. Il me semble qu'il avait pas de shield un mois. Un V2, quand on était sur la POV de Fane, c'était eux qui étaient 3. Les deux étaient sans shield. 11 roquettes. Ah oui, il avait. Donc, impressionnant. Un move comme ça. Il avait juste à spam. Impressionnant, je pense qu'on a peut-être l'action de la soirée là. Le 1v2. Il faudrait revoir, mais ouais. Dans tous les cas, on récupère nous les clips de chaque et on les repassera en fin de soirée pour pouvoir élire ensemble avec Oslo, Miss qui sont là en expert. Vous, le chat, pour savoir qui mérite son petit trophée mystère. Bien évidemment, je sais pas si tu l'as préparé, on peut le montrer sur la table le trophée mystère. On l'a à dispo ou pas là normalement? Ouais, je crois qu'il va apparaître là justement dans quelques instants. Voilà, on va vous le montrer, mais du coup il y aura quelqu'un qui repartira justement avec le trophée mystère qui est juste là devant toi, Mise. Oh, trop bon. Et donc ça a une sale valeur, hein. Ouais, vas-y, touche-le, mais fais gaffe parce qu'il a une valeur. Hein. Ça a à peu près 1000 euros de. Ah, c'est bon, je le touche là. Oh là là, il est bien, il est lourd, hein. Ouais, il est doux, il est plus tout lourd que celui de la World Cup. Alors on le fait disparaître, bien évidemment, la magie. Mais celui-là sera directement envoyé sur. La meilleure action de fin de game et donc là peut-être Podasai est incroyable, hein. On en a des belles ce soir, je crois, hein. Tant mieux, j'ai envie de dire cette fin de game a été incroyable, hein. Podasai d'un côté et ouais, 11 kills je crois même, ça a dû tout changer au classement. Ouais. On a pas mal avancé, pas mal d'équipes ont réussi à se détacher. Je vous propose directement d'aller regarder le classement pour essayer de voir un peu qui s'en sort. Ouais, comme prévu, tu l'avais senti au slow avec 10 points d'avance. Podasai a été monstrueux, mec, 10 kills, ça fait les 10 kills de différence et du coup bah là force 10 points d'avance, ils sont tranquilles en fait, ils ont quasiment gagné. Hey, Xewer sur dans le top 10. Hein. Ouais, ça c'est l'exploit. Hein. Xewer en solo avec Yoda, en duo du coup, parce que Hulk, je sais pas pourquoi, j'ai pas la raison, mais n'est pas là ce soir et bah, malheureusement ils ont pas cette possibilité de remplacer. Donc ils vont assumer à deux, c'est déjà une grosse responsabilité, mais déjà de se glisser dans le top 10, c'est assez impressionnant. Et du coup, vu le niveau des autres, donc voilà, ça qui est bien mal avec toute la techno, c'est qu'on peut voir le détail, on voit le nombre de games, le kill. Il a réussi à gratter un top 3. On a toutes les infos. Hein. Podasai, du coup, Podasai, ça a dingue. Ouais. C'est impressionnant. Les deux lui tombent dessus et les trois autres en dessous. Sympa, hein. Ouais, non, c'est très avec 20 kills. Ils avaient pas 20 kills. Non, mais c'est ça doit être. Ça doit compter les KO, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais. Okay. Il doit compter les KO, le truc. On trois. Incroyable. Alors. De place là sur cette game. Ouais. Où on les a vus mourir en montant la montagne. Après, ils sont dans le top 10, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Top 10, tranquille. Hein. J'ai pas vu les points après le top 6, mais je pense que c'est serré. Il y a 2 points d'écart avec Nate et Noward déjà. Mais Hulk apparemment qui a eu un problème de connexion. Ah, c'est Laco. C'est triste. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un voisin à qui t'es copain. Mec, je peux t'emprunter ton PC. Mais c'est triste et bon bah ils vont essayer de faire le max. Dans tous les cas, s'il se qualifie pour le 1er octobre, il sera de la partie forcément. Mushway, Noward, Nate qui sont quand même 5e et du coup là on peut voir un peu qui c'est très serré, hein. Colle au basque. C'est marrant, hein, parce que du coup Mushway, Noward, Nate et Léo, Clément, Nekoz qui spawnent tous les deux à retail, tous les deux dans le top 10. Hein. C'est-à-dire que si une de ces teams n'est pas là, l'autre estompe le tournoi. Ils sont vraiment en train de se marchent dessus là. Totalement. Et ça fait 29, 29, 30, 30. Là le bas du classement, ouais, ça va être le gros fil rouge, hein, parce que en haut. Bon, là sécure, ouais, c'est assez sécure. Marcotte, Podasai, ils sont. Putain, mais les MCES qui ont gagné deux qualifs. Enfin, si ça continue comme ça, 2 qualifs sur 3, ça prouve que leurs joueurs sont préparés d'une certaine manière. Et on me dit directement, parce que vous le savez, ça va très très vite, hein, vous l'avez compris, que la game numéro 4 est déjà lancée.
Et on est parti justement sur Xewer et Yoda. Et spawn encore une fois plutôt tranquillou. Hein. Vu ce qu'ils ont fait. Ouais, mais en fait, je pense qu'ils regardent aux alentours et ils vont dans un endroit. Ils ajustent. Ouais. Bah, ils sont logiques, ils sont deux. Ils sont deux. Ils auraient pu looter l'île par exemple. Ouais, mais peut-être qu'ils sont comptés, je sais pas. Ouais, ils ont peut-être eu peur. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe à Retail Row. Ouais, en vrai de vrai, il y a ce face to face. C'est notre fil rouge. Comme a dit Oslo, deux teams qui se croisent à chaque fois. Oh, quoique. Bah alors. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que. Non, mais je pense qu'ils ont vu le classement et qu'ils sont pas forcément safe. Et ouais, je pense qu'ils veulent assurer la qualité. Les deux teams, je crois, Nate et tout, ils ont 34 et Léo 32. 30, ouais. Ça se joue. Ouais, ouais, il me semble. Ça a quelques points et. Ça sert à ça la pause, hein. La pause sert à analyser, réajuster sa stratégie. Ça sert à ça justement. Donc, belle réaction de la part de l'équipe qui a abandonné. Clément qui vient de se faire knock, hein. Donc, c'est pas forcément mort ce qu'ils ont fait. Où est-ce qu'ils sont partis, tiens? Je sais pas du tout. On va essayer de les retrouver justement, alors qu'on est sur Salty Spring, là, il y a deux teams. Mais La belle tête à la tête, Dora pique. Précis. Il a une chug, il a pas de shield. Ça serait bien de la mettre. Ouais, il voulait d'abord mettre la pression et surtout il la donner à son teammate. Quel teammate parfait. Ça, c'est beau. Quel teammate parfait. Ils sont à Gotham City. Ouais, mais du coup, il y a déjà que deux, Clément est déjà down. Ah, c'est les BDS qui sont déjà à Gotham. Et du coup, ouais, Clément qui est knock. Tu prends des infos pour ton spawn la semaine prochaine. Okay. Mais il a raison, moi c'est ce que j'ai dit aux joueurs qualifiés, regardez les autres quoi, regardez ce qui se passe quoi. Après je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils vont par exemple, sait tous que Vato, Nikov, Airwax spawn après sur plante, je pense qu'il y a du monde qui disent bah ils sont pas là, go spawn là-bas. Et je suis assez d'accord avec ce tweet qui dit que le niveau de tryhard est fou, et c'est ce que tu disais tout à l'heure Mise, c'est qu'il y a cet ego en fait, au-delà de tout ça, il y a l'ego des joueurs et vous connaissez tellement que... Ça pique dans tous les sens, donc du coup exactement tous les joueurs jouent vraiment cette compétition très au sérieux, ils la prennent à cœur et c'est ce qui donne cette intensité et ces moves incroyables sortis de nulle part comme l'a fait justement Podasai sur la game d'avant et surtout cette envie de se coordonner, de bien s'organiser entre teammates pour aller chercher le meilleur résultat et rentrer on va dire dans l'histoire de la Dota Cup. C'est pas grand chose mais ça reste un bon début pour des joueurs qui essayent de faire entendre leur voix. DKs. Ouais, ils ont pas l'air de. Ils ont l'air d'avoir raté leur spawn, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est usine là, même spawn que Maxa et Enko. Ah, mais y a des gens, ils les embêtent là sur la montagne. Ouais, voilà, Flows. Ils ont raison, ils prennent des mais ils mettent des dégâts pour la storm. Ouais. Ah, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure là, au lieu de farmer, tu vois. Profite, ouais. Tu mets quelques balles et ensuite. C'est fou comme le jeu change quand même hein, assez radicalement. Il y a un flank côté bleu ciel là, en bas de l'usine. Il se faufile là. Je sais pas s'ils sont de la même team ou pas. Je pense que c'est un coéquipier à Flows qui se serait incrusté. Ouais, c'est Backhead. Effectivement. Il est dans l'usine. Effectivement, mais alors il fait beaucoup de dégâts. Non, mais c'est une erreur. Parce que là, s'il est en 3v1, il meurt instant. Ils ont la faute. C'est une erreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole là. Il s'isole totalement, Backhead. Ah bah là. Il va devoir répulsive. Répulsive. Réfléchis pas. Voilà, bien vu. Parce que là, c'était la merde totale. Là, ça va continuer à être la merde. Ça part en bullfight. Backhead qui fait des 90. Il est tout seul. Il se coince un peu. Il est en 3v1. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va? Il va aller l'assumer ce 3v1. Peut-être qu'il a les couilles. Nécessaire pour aller au bout de ce move, ça serait incroyable. Ouais, il a plus de vie. 81 HP, non. Il a plus de vie. Ok, là il a plus de vie. Il va mourir. Qu'est-ce qu'il y a, le bouclier qui le carry pour le moment? Et là il meurt de chute. C'est une erreur. Ouais, 4 HP. Et il est tombé. Non mais franchement c'est une erreur. Ouais, là c'est une erreur. Tu te splits pas comme ça. Erreur de communication. Il peut se split mais il faisait... Je pense qu'il a été naïf. Il a peut-être eu l'info comme quoi il y avait plus personne et... Du coup il faisait vraiment beaucoup de bruit au lieu de rester caché. Ah mais c'est pas un split intelligent là, parce que là il était vraiment isolé, il était côte à côte avec les trois, Ah mais il a mis ses mates dans la merde. Pizzy du coup qui a plus de vie aussi, de son côté. Là, ça va être... Et pourquoi il est en 1v3 donc il va mourir aussi. Pourquoi il y va? Ah il a réussi en knock 1, il est toujours pas knock. Ah si, là il est knock. Des bonnes puantes, ça va être des bonnes puantes. Oh bah ouais, ça hit hein. Ah oui, ça hit pas mal. Il va falloir qu'il gère le 1v2 là. Après c'est 1v2 avec des piantes, un mec super low, attends. Il donne, il prend un point. J'étais en mode pourquoi il y va, pourquoi il y va, mais il a peut-être finalement lui bien compris la situation. Il a encore une puante hein, faut qu'il en profite. Va falloir bien qu'il la mette pour espérer faire un kill. Elle est parfaite, elle est parfaite, il les a séparés en deux. Et il va aller, en plus de ça, son pack, il reste sur le mec le plus long. Mais il la donne à la puante, ça devient du 1v1, mesdames et messieurs, Flouz qui est en train de faire l'action de ce début de game, clairement. Ouais. Mais avant ça, il en faut un plus. Ouais. Moi j'aurais préféré finir le kill. Ouais, moi aussi. Pour le stuff, pour la vie, le shield, enfin les PV. L'autre a la régène, pompe lourde. Hein, la première balle de pompe automatique qui a fait très mal. Meurt, en une balle, il meurt. Enfin, il va chercher son kill. Ça aurait pu faire très mal. Ouh là là, dans son dos, faut qu'il fasse attention. Il est mort. Dommage. Il a bien agressé l'adversaire qui a pas laissé
trop de temps à Flouze parce que comme t'as dit, il allait prendre ce kill pour récupérer les HP et tout. Bien joué de la part de Swipe, malheureusement Flouze ne fera pas l'action. Mais c'était déjà assez sympathique. Comment ça se passe? Qui vient de tuer Asgul. Ailleurs, tiens, montre-nous un peu la carte si tu veux, comme ça, voilà, on voit un peu. C'est une zone qui va encore faire mal. Vous voulez aller voir quoi? Tiens, c'est vous qui décidez. Pourquoi pas les MCS, voir à peu près où ils spawnent. J'aimerais bien savoir à peu près ce qu'ils font. Et regardez, on clique dessus en direct et voilà. Ah, c'est du Frostyflight. Au couteau, il a un stuff, ça laisse à désirer. Il a un Deagle, qu'est-ce à faire avec ça? Il va, en tout cas, il va pouvoir au moins aller en zone parce que pour l'instant il n'y a personne dans les parages. Ils sont tranquilles. 72 remain donc il n'y aura pas de storm. Ouais, il n'y aura pas de storm là. Du coup, les gens qui ne se sont pas fight au spawn, bah, ils sont plutôt sereins. C'est normal, on arrive sur la deuxième partie de la Dua Cup. Comme on a dit, tout le monde a eu le temps d'analyser. Donc il y a beaucoup d'équipes qui vont juste dire on go quoi. Ouais. Comme Clément, etc. Ça tombe sur des surprises. Exactement. Et tu meurs. Exactement. Ouais. Et ouais, j'aimerais bien aussi voir juste Nate jouer et tout Nate à Rit. Nate qui vient de tomber à l'instant. Parce que eux ils étaient tranquilles retail hein, donc c'est qu'est-ce qui se passe. C'est pas la team de tout à l'heure. Ah, c'est pas vrai. Allez, Mushway. Je crois qu'ils ont pris une balle snipe, non? Et ouais, et Noward il a pas de. D'archi loin. C'est possible. Ouais, on les voyait arriver, on les voyait là sur la ouais, carte. Ah, ils arrivent. Oh, ils sont Mushway, c'est ton moment, mon gars. Va falloir cover, va falloir aider. Un escalier en plus, non? Ah, ça va être terrible. Ou un toit là, mais un truc en plus, ça fait peur, un double barret. Je pense qu'il aura le temps de se régénérer. Oui, il y a de la puante qui arrive. Il y a de la puante si qui arrive. Si ça touche Nate, ça peut être. Très il va falloir qu'il garde la hauteur là, Mushway ou Noward. C'est le moment d'avoir l'avantage du fight. Il faudrait essayer de garder la hauteur. Ouais, mais ils sont vraiment très bien placés. Donc Nate il va pouvoir se régénérer. C'est bien ça, ça calme un peu. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Il est déjà à 160 PV. Ouais. C'est remonté très vite. Et Nate il a déjà le high. Il se laisse pas faire, il se laisse pas faire le petit Nate. Nate Mushway qui ont pris la hauteur. Team qui. Et là ils peuvent fight, ils sont en zone. Qu'est-ce qu'ils sont chauds là? C'est leur game. C'est bien Mushway qui vient en soutien, c'est bien ce qu'il fait Mushway. Le premier kill s'est validé sur Vince. Faut continuer Mushway, faut continuer. Nate qui pop, moins 30. 30 plus la puante pour continuer de pressure, forcer le joueur à aller dans cette direction là, comme ça il sera attendu par les copains. Deuxième puante pour éviter un repositionnement stratégique. Et on arrive avec les hits directement. Contact. Il la conne. La double hit. Noward qui a pris un kill aussi. Du coup ça devient 3v1. Et c'est Mushway qui a fait le nécessaire sur le dernier. Le pont poteau. Le dernier là, Mushway. Ah c'est bon, c'est bon. Mushway est là pour faire en sorte que Nate ne se fasse pas finir. Éviter la plaque et tout, perdre Noward trop de temps. Noward va falloir qu'il tempo, hein, parce que si Noward perd le fight là, ok ouais c'est bien, voilà, il préfère tempo. Histoire de jouer le. Va falloir le tomber hein, Scribby. 1v3, ouais. Voilà, là, il va mourir là. Les deux autres ont été validés, hein. Les deux autres sont morts. S'ils ouvrent le mur, il a aucun moyen de se protéger. Hein. Ouais, il a bien fait. Bonne réponse. Attends, mais il y a une autre team qui se ramène. Ouais. Mais tu m'étonnes ça. Oh les shoots, ça vient de qui ça? C'est la team de Hads, ouais. Mini shield quand même. Oh mais là c'est la fiesta Harry Telroy hein. Oh il a deux pads Hads. Deux pads. Je sais pas, j'ai jamais compris ce bug, est-ce que c'est tout doublé? Non, c'est un bug. C'est un bug. C'est bug du must pack ça. Il a un pad, un feu. Ouais, exactement, vous avez tout compris. Ok, ok. C'est ça. Moi je pense que Hads voulait juste récup un peu de zombies, des pads, etc. Après il a entendu tirer depuis longtemps, tu vois, t'as envie de backstab peut-être. Parce que là la zone elle a l'air d'être loin. Et il a envie de backstab hein. Là il n'y a aucune raison d'aller dans ce sens là. Expliquez-moi pourquoi il va là-bas là. La zone est de l'autre côté. En vrai, peut-être gratter les trucs des zombies là, histoire de récupérer un pad en plus. Mais je crois qu'il y a Yoda Xewer qui traîne autour de Retail aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il veut aller fight. Mais qu'est-ce qui se passe là, Retail? Ils ont de la chance du coup, ils vont pas avoir leur storm, ils vont pouvoir jouer différemment. Ils ont un pad, ils ont un bon stuff. Hein. Ouais. C'est compliqué, hein, la Retail Row, il y a du people. Et la zone elle est pas trop loin, on voit le bout à la comète. Parce qu'il va pas kiffer sa game, je pense. Hein. Ah, il peut clutch, hein. Ouais. C'est vrai qu'on t'avait vu un tout seul. Sans forcément beaucoup de construction. Ouais, non, c'est vrai, moi, on l'avait vu cette action d'Oslo. Caché derrière le camion, on s'en souvient. On peut lui souhaiter la même chose. À ce moment-là, dans le camion. Ouais, j'ai pu mettre ça. Bon, ça a l'air d'être calmé, hein. Retail Row, on est passé du ça côté. Ça se paye plus trop, là, 66 remain. D'autres teams. Bah ouais, mais déjà, tu vois, une game très active. Hein. Et comme on l'attendait, la game d'après-pause, t'as des équipes qui ont décidé de jouer beaucoup plus agressif. Comme a dit Miss, des équipes qui ont décidé de changer de spawn, donc ça surprend. Et il y a des vrais fights qui se font alors que tout à l'heure ils étaient plutôt tranquilles. Et du coup, bah ça lave le serveur au début, mais le mid-game en soi ne change pas réellement. Là, ça va se canaliser. Il y aura ça que de la rotation. Beaucoup de placement, voilà. Et beaucoup d'observations. Donc on va faire un petit peu un point. Tiens, ouvre-nous la carte rapidement. On va essayer de voir un peu s'il n'y a pas deux équipes qui risquent peut-être de se croiser sur le chemin. Côté retail, ça a l'air déjà calme. Tout est déjà placé. Là, la team Rose là avec les jaunes. Ah, c'est Noward du coup. Tout le monde a l'air déjà en zone. La team tout en bas là, c'est qui Ça va être assez calme, je pense. Oh, on est revenu sur. Ouais, c'est Fireksu. Ah, c'est Fireksu là qui doit absolument se repositionner. Normalement, ça va juste contourner, mais faire attention à Lee. Ils voilà, ont ça. Déjà deux kills.
C'est l'info qu'on voulait, Leaf à 2. Non mais ça va, pas de stress. Justement Leaf à 2 qui ont une belle position actuellement. Alors là le problème c'est que vous, vous auriez conseillé peut-être d'aller directement au milieu de zone. Ouais, si c'est free, si. Là, ouais, je pense que. Là, c'est free devant eux, donc ouais, là, ils peuvent bouger. Ouais, tranquillement. Parce qu'ils attendent. Ils attendent quelque chose. Bah, déjà, je vais vous proposer qu'on écoute ce qu'ils disent et vous analysez un peu leur mid-game. On écoute. Encore l'info dans le bac. Oh, dommage. Ouais, ça se sentait. Oh putain, il a la chance d'avoir mis un mur, lui. Coute qui vient de faire 2 kills sur les Driggs. Je sais pas où ils se sont fait. Ouais, l'équipe de boot aussi, moi j'avais dit qui se qualifiait. Je sais pas où ils spawnent eux. Ils vont attendre la zone, je pense. Ah, alors là ils ont pas la zone, comment ils vont réagir? En vrai, je pense qu'ils vont faire un tout droit. Il y a vraiment personne de leur côté là, c'est free rota. Ah, bah ce qu'il vient de dire, on continue tout droit et. Ah, par contre, ils ont ouvert, ça a tiré direct. Ouh, Hats qui tue Mushwell. Vite sur No Ward ou Mushwell, là faut passer sur eux effectivement. Ou Hats effectivement, parce que là il y a un fight qui est en train de se faire. Ils se cherchaient sortie de Retail Row, la zone qui a dû forcer peut-être le croisement des deux. Et Hats qui a pris le dessus sur Mushwell, effectivement. Regardez No Ward qui est venu soutenir le copain. Mushwell au sol. Du coup ça va appuyer de la team. Ah c'est Hats qui prend ses responsabilités, qui renvoie. Balle encore. Balle sur balle. Il a eu la régène, du coup il s'est remis bien en PV. Ou Nate a plus de vie. Nate il a 30 PV. No Ward qui va devoir faire l'exploit mais qui se fait gratter par Hats là. Il est monstrueux Hats sur cette action justement. Là ça va être dur là. Ça va être compliqué là. Ah ils sont fous l'HP les 3. Il lui a mis un coup de pioche. C'est parti, tire Hats. Hats qui s'est plus donné de la tête, mais voilà, il a trouvé sa cible et il l'a tombé. Nate qui retombe. Et la danse de Hats, le joueur Vitality sous les yeux d'un de ses coéquipiers ici présent au slow de la même structure. Hats qui prend le dessus sur Noah, Nate et Mushwell. Si je vous avais dit ça en début de soirée, vous m'auriez suivi ou pas? Tout est possible. Tout est possible. Dans Fortnite. C'est dans Fortnite. Ouais. Effectivement. Team Vitality, bravo Hats. Faire un top 24. C'était quoi, 6ème au classement, tu l'as encore sous la main, tiens montre-nous le classement, j'avoue que c'est une bonne question là. Parce que... Ils ont... ils ont fait des kills points. Quand même, je crois. Mais surtout qu'ils viennent de tuer... ils étaient 5ème. Ouais, et ils viennent de tuer l'équipe qui était... surtout Hasna, ils viennent de tuer l'équipe qui était à Retail, donc ils récupèrent aussi peut-être plein de stuff, j'imagine. Tu vois, peut-être des pads... Et Hasna n'est pas dans le top 10. Descends un peu, tiens, essaie de nous le trouver rapidement donc pour retourner une game. Ça va vraiment bouger le classement, je pense. Oui, Hasna, il est pas loin. Ah, il est pas loin. Ça peut être sa game. Ouais, donc... Ok, on retourne une game. Ils ont plein de pads. Hein, mais il y a un truc à jouer là. Je crois qu'Hasna avait 3 pads sur lui déjà. Il y a un truc à jouer, ouais. Effectivement, pour Hasna là, waouh, c'est impressionnant. C'est ce que je parlais tout à l'heure, Dogby, là. Les MCES qui ont un robot sur, en haut d'une montagne. Mais du coup, là, tu penses qu'ils peuvent enchaîner kill sur kill? Bah, ça, en fait, ça dépend de la prochaine zone là. S'ils ont la prochaine zone, non, c'est pas forcément kill sur kill, mais c'est en mode ils vont détruire les construits de tout le monde en gros. Ils vont faire cramer tous les boucliers. Ouais, là. Ok. Du coup, ça serait incroyable vraiment qu'ils aient la zone là. Couteau a déjà un meilleur stuff que tout à l'heure. Ah, ils ont moins d'EPAD. Ouais, ils ont de la rota tranquille. Oh, ils ont les denied aussi pour faire la technique. On l'a pas beaucoup vu ce soir. Ah ouais, aussi. Ils ont au moins 3 pads, je crois. Ils ont moins de 2 pads. Ouais, 2 pads, j'ai vu. Oh, j'aimerais tellement qu'ils aient la prochaine zone. Ouais, pour le robot. Voir la stratégie. Ce sera incroyable. Même moi, j'aimerais bien voir ce que tu nous avais expliqué tout à l'heure. La proba, elle est faible, mais ouais, c'est possible. Ah. En tout cas, les MCES, on l'a dit, hein, ils sont partis. Léo, en face, ils sont que 2, non, de mémoire, sur la montagne. Ils ont un colis d'ailleurs. C'est Clément. Léo, ouais. Je crois que c'est Clément qui est mort à Gotham City là. Ouais. Ils ont un bon stuff, hein, même à 2. Ah, ils ont pas la zone. Donc là, il a drop 2 items pour aller ouvrir le colis. Donc ça, ça évite de. Tu ramasses tout. Ouais. Voilà, que ton mate descend et c'est le. Tu ramasses tout et au pire, tu fais l'échange. Très très bien, très malin. Et encore une fois, une info de terrain là. Ah, il a repris. Ils sont allés à 2. Parce qu'ils ont pas la zone. Voilà. Ouh, ils boucliers. Sont quand même bien eux. Hein. Oh, le deuxième pad là. J'aurais pris les boucliers. La minigun aussi. Oh, il décide de garder le robot. La minigun aussi, il faut la prendre, non? Non, je pense que les boucliers c'est mieux. Ok, c'est mieux. Ouais. Ouais, voilà, forcément contre le robot, il y a cette stratégie qui est très forte. Poser un bouclier. Et là, il va juste courir avec ses mates. Ouais, par contre, je pense vraiment que les MCS ils peuvent ramener le robot en zone. Ah non, il décide de pad. Ouais. C'était attendu, effectivement. Alors, où est-ce qu'ils vont se poser? Ici, mais c'est pas en zone réellement. Ouais, ouais, ils vont attendre. Hein. Là, en vrai, il y a personne qui les regarde. Là, ils vont se poser au-dessus de c'est sûr. Plus ouais. C'est pour push et, pour... et attirer un peu l'attention, calmer cette équipe là. Ah, quoi... Ouais, Podasai est déjà au-dessus. Hein. Donc là, ils vont juste se poser au-dessus de cette équipe là. Qui tombent par Fire Xu. Ils avaient beaucoup à cross Fateux, donc je sais pas s'ils sont en fight, si on peut aller le voir. Ils ont peut-être croisé une team, c'est peut-être eux en dessous là. Et là on voit un peu tout ce qui se passe hein, justement avec Zewer au fond.
on nos kills par là-bas. Et là on est sur les MCES avec Podasai. Mais effectivement il y a encore 2-3 teams hors zone là qui vont devoir se repositionner. Et là Storm Surge va faire son apparition dans 59 secondes. Faudrait pas faire problème que la deuxième game du coup là. C'est maintenant qu'on va voir s'ils ont appris de leurs erreurs. Surtout ils sont déjà posés en zone, là faudrait trouver des gens. Je ferai une décision rapidement là par contre. Au lieu de 45 secondes. Il faut réfléchir. Le problème c'est que là il se fait harceler, comment tu veux faire? Faudrait 8 morts. Il est obligé de défendre l'accès au warfare. Essayer de voir s'il n'y a pas une box tout seul ou un mec tout seul à réputu et jouer hein, mais. Ou alors peut-être qu'il surveille les pads s'il y en a. Ouais pour gratter en l'air. Ah il y a Asko et Secto là. Ils sont déjà tous posés, ils ont aucun intérêt à ouvrir les fenêtres. Ouais. Alors l'info qui tombe évidemment les robots qui ne seront plus là. Pour la saison prochaine, c'est une info intéressante, je pense, même pour vous. Je pense que ça vous permet d'envisager la saison suivante comme il faut. Il peut pas mettre les dégâts. 16 en dessous, ça a touché dans 5 secondes. Il va falloir vraiment qu'ils prennent une décision là. Marcotte qui tombe alors qu'ils avaient une très bonne position. Position, ouais. Podasai aussi. Face à la team de Madzen. Je crois que c'était. Ah non, c'est pas du tout la team qui est en dessous. C'est Madzen là justement, Donkey. Je sais pas du tout où ils sont. Ouais. Okay. Est-ce qu'on peut voir Xewer s'il prend la Storm Surge? Est-ce qu'il a résolu son souci de Storm Surge pour l'instant? Oui, seuil au-dessus, ouais. Parce qu'on voit pas les dégâts en dessous. Ah non, non, attends, peut-être pas. Si je pense. Non, on verra en dessous, non? Je pense qu'ils sont au-dessus, mais de. Fais disparaître de la cave rapidement? Je pense qu'ils. Ok, ouais. Ah oui. C'est ce que t'as dit en fait. Quand c'est au-dessus, il est au-dessus, quand c'est en dessous, il est en dessous. C'est ça. Mais ils ont vraiment mis beaucoup de dégâts là. Après, peut-être qu'à 2, ça monte vraiment vite. Tout va bien. Pour ceux qui stressaient pour Xewer et Yoda, ils vont pouvoir peut-être aller plus loin dans cette game. Zobir monstrueux hein, sur cette game là aussi là. Le petit jeune. À peine 14 même kills. Je pense que Yoda a fait un kill. Ouais, Yoda a fait un kill. Puisqu'il y a un stuff. Donc Karine qui prend la pression. Ah les purs, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Elle apparemment tu prends un mauvais focus. Le joueur couleur. À partir de cet étage. Il essaie de tenir, il essaie là, de. Ça va être compliqué. Oh là là, ça a l'air d'être la fin. En plus, tu vois le métal arriver, donc tu te dis c'est bon, il est bientôt à sec. Ok, les teammates. Heureusement. Oh, ah oui. Heureusement qu'ils étaient pas loin. On va pouvoir se remettre bien avec feu de camp. Il y a quand même pas mal de shield de recharge. Bon stuff, hein. Ouais. 6 splash 3 grosses. Pas de soucis pour eux. Yoda qui l'ont dit, donc ils ont pris un killé. C'est ça qui les a mis bien en stand zone. Slowzek a tué qui tombe, deux personnes. Slowzek a fait un massacre hein, sur la team de Nokia effectivement. C'est en train de se vider petit à petit mesdames et messieurs, ils sont encore 45. Top 19 ouais. C'est qui a la hauteur là? Ah c'est les New Gamblers là, qui met la hauteur. Ils sont là, pas si très bien dans le classement je crois. Si hein, ça retourne sur la montagne, ok. Ça repart du côté de la river. Merci pour ce message, ça fait très plaisir. Oh là là. Je faisais pas bien et on entend mais attends, mais eux ils ont 0 kill. Ah ouais, donc ça veut dire non, que là. Il en a 3. Ah ouais, okay, lui il en a 3. C'est pour ça qu'il prête pas la storm. Puante, attention, il a un feu de camp, je sais pas s'il est au point. Ah ouais, mais là, il a vu. L'adversaire a vu que c'était blanc. La hein. Zone elle va bouger okay, dans 5 secondes. Ils ont vu que c'était du blanc, donc ils vont insister. Ils vont insister. Les grenades. Il doit passer. Il a pas le choix. Ils vont insister. Le mec est blanc. Le mec a une balle maintenant. Ouais, là il y a pas le temps par contre. Ouais. Il y a un pad, il va mourir. Ah non, c'est Slowzay, compliqué comme situation pour lui. Xewer Yoda s'en sort très bien d'eux, encore une fois. Ils arrivent à se placer. Et ils sont encore en dessous, les Storm Surge. Va falloir encore une fois trouver les solutions, même si là ça se vide. Ouais, ça se vide assez vite. Faut vraiment pas se précipiter là-dessus. Après, ça va vite, 30 secondes, ça passe vite. De en dessous, ça va vite aussi. Ah, mais pourtant, il n'y a pas d'adversaire à proximité. Ah, plus de la zone que. Là, et maintenant. Là, faudrait se répulser. Ah, qui tombe. Réfléchis pas Xewer, réfléchis pas Répu. Je splash, je me heal. Ou pas, ce que tu veux. Okay. Oh elle est parfaite. Ouais, elle était belle celle-là. Faire qu'il fasse une pause. Petit feu de camp, effectivement. Ah, il pas trop le temps, il faudrait descendre. Quelle équipe qui est à la hauteur? J'ai pas vu les pseudos. Il va nous montrer de toute façon le mode ops bien évidemment. Est-ce que tu peux te faire un petit plan? C'est New Gamblers qui avait déjà la hauteur avec sur la zone d'avant. Ouais, bah, on l'a. Tellement bien. Ils ont beaucoup de builds, alors eux ils sont très très bien pour le reste de la game. Et bah la preuve, hein, là regardez, hein. C'est gratuit, c'est des free shots. Et ça il fait une technique donc pour garder sa hauteur. Mm-hmm. Attends, ses teammates viennent de pad, ça c'est bien joué. Oh là là, ils sont plusieurs dans la box. Et la Storm Surge qui a quand même déglingué des gens. Là, on voit les éclairs. Xewer qui vient de tomber, Yoda qui fait un kill sur Nykos. Et c'est quoi du coup cette technique là que tu nous parlais? Donc en fait, tu restes plus haut que tes teammates pour éviter les répulses et te faire tomber, etc. Et en même temps d'avoir une autre de. Yoda et Xewer qui sont tombés. Hein. Bien sûr. On s'en doutait. Kaizen qui fait un kill sur Masta.
Ils sont en train d'enchaîner la game, déjà 8 kills. C'est Madsen là qui passe comme ça? J'ai... Non, Ryzen. Ah, je suis en mode tout va bien. Le mec il fait une petite balade. C'est contrôlé. Tout va bien. Oh, dommage que ça touche pas là. Ça aurait pu être fatal. Il y a couteau, toujours, je crois que le couteau est le seul. J'adore les mecs passer comme ça. Et Madsen qui continue de faire le massacre justement. Madsen qui vient de faire un kill, ouais. Ah, couteau qui tombe, ouais. Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, c'était le dernier. Aïe aïe aïe, dommage pour couteau. Et Kaizen est bouton. Ah oui, oh là là, c'est tellement gratuit. Il va faire un carnage. Les hop là qui essaie de se sécuriser la position. Kaizen a réussi à faire un kill. Boot qui retermine une personne, déjà 5 kills pour Boot. Il se régale hein. Ah là, c'est quand à la hauteur. Faut le cover, faut le... il a raison, il veut le cover Boot. Oh, Boot qui se fait agresser. Boot qui va perdre sa hauteur et qui perd face à Mezo. Bah, le joueur en plaque. Hein. Là, t'es beaucoup. T'es le joueur en plaque en train de faire un miracle. Construit. Ok, les splash. Pour essayer de pas mourir aux dégâts de shoot, c'est tellement malin, mais ça ne passera pas pour le Mezo. Et la team qui va finir pas tomber, Vempty aussi qui est tombé. Qui tombe. Ouais, c'est vraiment dommage de se faire jouer comme ça. D'autres équipes en profiter, prendre la hauteur. Et yes. Du coup là, c'est ça a changé. C'est vraiment bien joué de reprendre la hauteur. Oh, la roquette qui va être... Oh, ça va, ça va, ça va. Ça tombe pas. Le dernier représentant de la team. Rattraper, ouais. Oui, c'est bien joué. Oh là là, ouais, mais il est face à une trio. Il se splash au mauvais moment et du coup on arrive sur le duel final. C'est un 3v3. C'est un 3v3 je crois, mesdames et messieurs, avec les G2G. La roquette pourrait faire vraiment mal ici. Et elle touche. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts sur Kaiman. Et on va les finir le job. Et c'est une victoire avec les trois joueurs en vie de George, de Shale, Cause et de Nikolai qui prennent ce top 1 dans cette quatrième game. 3v3 bien géré, une hauteur, un bazooka, simple, basique, mais efficace. Clairement efficace. J'ai jamais les mêmes équipes qui top 1. C'est... Ouais. Ce soir on est servi. Après c'est la troisième qualif, donc comme on l'a dit, il y a beaucoup de grosses équipes qui sont passées. Donc ces équipes-là qui arrivaient à être régulières et ça laisse de la place pour ce soir. Mais du coup, tout le monde y croit encore plus à la qualification. Et ça va faire très mal à la fin de la soirée quand tu te vois 11e, 12e et que tu sais que sur cette session-là, sur cette Dua Cup-là, ça ne sera pas possible de jouer la phase finale alors que le chat spam hein, les GG. Ça, j'adore aussi hein, et je vous dis bravo au chat. Peu importe les joueurs, peu importe les structures, voilà, il y a ce côté un peu vraiment, on est là pour avoir du beau jeu et récompenser les joueurs qui donnent et qui mettent l'effort. Et le chat qui arrive toujours voilà, à mettre en lumière des joueurs, même s'ils ne sont pas connus ou populaires, juste parce qu'ils nous font vibrer ce soir en direct. Alors... Qu'est-ce que tu dois de beau, Slow? Dis-nous. Ils gardent toujours leur avance, couteau de 12 points. Même ils ont augmenté l'avance. Fine qui est passé deuxième. Équipe qui était. Ils étaient pas. Je crois qu'ils étaient pas dans le top 10. Classement, mais on les voit baisser en rank. Ah, et voilà, et du coup, Mushway, Noir des Nate qui redescendent. Hein. Ils sont où? Ils sont 9e. Attention! Ouais. Pourtant, ils avaient retail à eux tout seuls là. Du coup. Spoiler, Blackie, ils étaient où là? Ils viennent de rentrer dans le top 10 ou ils y étaient déjà? Non, ils y étaient, ils ont baissé, je pense. Attention, alors. Attention, qui est monté top 4. Et voilà, Léo, Clément et Nekos du coup qui sortent du top 10. Il reste deux games, Ads aussi là. Il reste deux games. Par contre, du 10e au 14e, c'est le même nombre de points. Donc ça se joue vraiment rien. Oh, attends, ah, mais plus, ça, oh, mais attends, il y a une hype là. Ah, mais il y a que 5 points d'écart entre le 10e et le 20e. Hein. Oh là là, même Yoda et Xewer, ils peuvent top 10 facilement. Ah, et au final, Leaf, Ato et Sobs qui se retrouvent 18e. Alors qu'ils étaient premiers, je crois, sur les deux premières games. C'est trop bien, c'est un tournoi où on regarde pas la première place, on s'en fout. On regarde vraiment la 10e à la 20e. Ils commencent à garder leur avance. Donc du coup, Kaizen, Stig et Boot justement qui avait la hauteur à la game d'avant, du coup là s'ils avaient fait top 1 ils seraient qualifiés, ils seraient quasiment sûrs d'être qualifiés. Ils sont morts assez tôt. Oh, cet enchaînement, c'est la Dogby Production. Ah ouais, la régie, voilà. Incroyable. Voilà, on vous régale. Gotham City Skate, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de partenariat? En vrai c'est stylé hein. Moi je trouve ça vraiment très bien, même côté grand public et tout. Maintenant le problème pour moi c'est que ça devrait pas être dans le patch compétitif. C'est-à-dire que vous devriez pas avoir ça, vous, à jouer dans vos compétitions. Réussir à séparer la compétition et le casual entre guillemets. Ouais. On va y arriver. En tout cas moi je lâche pas le combat. Hein. Sachez-le que à chaque fois que je parle à Epic je leur rappelle, les gars faut penser à ça. On va finir par y arriver. Ça a l'air de se fight au spawn, déjà 3 morts. J'ai déjà fait quelques miracles, celui-là en fera partie. Toujours au bloc, ça se fight. Il a pas de gris. Il a pas de buis. Ah ouais, non, là par contre c'est vraiment une erreur. C'est de la précipitation. Bah c'est la panique de classement quoi. Genre ouais, on est dans le mal. En fait il aurait pu avec une AK, c'est à dire qu'il s'attendait à faire des dégâts avec une AK au corps à corps. Impossible. Et tout, ok. Et là, une AK. Ouais, je suis d'accord, impossible. Surtout que là son mec il a l'opposé. Ah ouais, là, c'est limite après, du hit. On a pas vu le début. Ouais. Peut-être que son autre coéquipier était dans le mal et. Pour Uranos là. Via la mort, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est pas connecté, du coup ça allait. Il est là. Ah ouais. C'est à dire que. C'était vraiment un V3. Ouais, c'est. Bah ouais, l'autre. Mais attends, ouais, mais il s'est fait laver là dans son rush et il a quitté la game. Non, je crois. Il est mort. Ouais, il est mort. Mais il y avait une croix rouge sur un des trois joueurs. Il tombe pas. Très chelou. En fait, ils avaient knock. Regarde un mec la croix deux. Rouge. Ah ouais, c'est qu'il est fini, ouais. C'est qu'il est mort. Ah, mais il y a quand même sa plaque.
Ouais, il me semble. Ah ok, j'ai eu peur, ouais. J'étais en mode le mec le mec a voulu ruiner son équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, on voyait des barres bleues. Ah ouais, je sais pas. Le mec a voulu pourrir sa team. Après, il y a moyen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, du coup, au final, ils se retrouvent 2v3 et ils ont pas l'avantage de la vie et tout. Espérons que ça va quand même pour Uranos. Mais Ever et Gaia qui vont devoir improviser. Ever qui est dans le mal aussi. Bon, pour le bloc, au moins ils ont été exclus. Et on va pouvoir looter tranquille pour l'équipe gagnante de la zone. Est-ce qu'on peut passer du coup côté fil rouge? Bien sûr, côté Retail Row. Les zombies, qui a gagné ce spawn? Est-ce que c'est encore Mushway, Nate et Noah? Ils sont encore tout seuls. Et ouais, ils sont encore seuls. Il y a un robot pas loin. Mais qui, bah, alors après, on a vu que même quand ils sont seuls, il y a des équipes qui arrivent. Ah, il y a déjà une team sur le robot du sud. La team rouge. Mais ouais, là ça va enchaîner les stuff. Hein. Comment il a perdu de la vie, Mushway, les zombies? Les zombies, ouais. Il a dû se faire baffer un petit peu, bien évidemment. Ils vont se mettre bien. Mais par contre, bah, il faut vraiment pas qu'ils choquent. Hein. Qu'ils sont, ils sont loin. Ça, non, franchement, c'est 9e, franchement ça serait une grosse contre-perf hein, qu'ils soient pas qualifiés. Ouais, hein. On est tous d'accord. C'est 3 très bons joueurs. Mais bien sûr. Il y a ça, puis. Il y a l'air d'avoir beaucoup de robots cette game. Encore un robot. Puis c'est quand même la qualif la plus simple, quoi, aussi. Hein. Faut le dire. Hein. Sur le papier, oui. Sur le papier, ouais. Après, dans les faits, c'est sûr qu'on sait jamais en fonction des zones et tout. La semaine dernière, mec, les zones nous ont troll sur les 6 games. Ah ouais? En gros, ça finissait à Dusty, enfin à Grézy, ça finissait au groupe. Ah ouais, en plus, je crois que c'était le dernier jour. Moment, c'était le dernier jour avant qu'ils patchent le fait que les zones ne pouvaient plus finir là-bas. Oui. On s'est fait troll, gros, les 6 games, mec. Donc, tu peux pas dire à la fin les meilleurs ont gagné. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est ceux qui ont. Vraiment, les 6 games. Donc là, aujourd'hui, très content là, de nos actions, de nos games. On est vraiment servi et ça annonce du lourd pour la semaine prochaine. Et Madzen qui ont fait. Ouh, attends, mais là ça repousse sur Paquette tout seul. Paquette qui est tout seul et c'est un bon move du coup. Ils sont en 1v3, enfin 3v1 du coup. C'est pour ça que Madzen il y va. Il faudrait conclure. Je sais pas s'ils l'ont eu. Non, il a duré plus out. Ouh, l'équipe de LMCS qui se laye de l'autre côté. Ouais, déjà, bah, les 3 morts. 4, hein, je crois qu'ils se battent contre 2 teams. Ah ouais? Ouais. Et c'est Jords, c'est ceux qui ont fait top 1 la game d'avant, non? Je crois. Du coup, ça va rechanger le classement. Oh là 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 là, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. En plus, à Piamlet, zone chaude, c'est vrai qu'on en parle plus trop de ça, zone chaude. Mais c'est toujours un petit plaisir hein, ouais, d'avoir les drones. Après, je pense pas qu'il y a des équipes qui spawnent que en fonction de ça. Je pense pas non plus. C'est juste un plus pour les spawns. Ouais. Et c'est bien ça pour les petits spawns par exemple. Totalement. Ça rajoute des bonnes armes. Totalement. Allez, on va pouvoir tranquillement se mettre bien niveau stuff. Ils ont la zone donc ils ont pas besoin de penser à tout ça. Par contre la Storm Surge, ça il faut la garder en tête, il faut aller mettre quelques balles. C'est pour ça que ça se cherche entre les bleus ciel et les jaunes là. Déjà des échanges de balles. Ils ont raison. Ils sont tous dans la même merde et c'est limite un partenariat, tu sais, de vas-y mettez-nous quelques balles, on vous en met quelques-unes et on se retrouve plus tard. C'est limite ça qui se passe. Oh. Mais ça a fui côté team Madzen. Ouais, ils partent. Il reste 2 teams dans Happy du coup. Par contre, ils ont des free picks sur Happy. Hein. Faudrait qu'ils en profitent. Tiens, est-ce que tu peux nous montrer un peu la minimap qu'on décide où est-ce qu'on va aller? Les gars, je voulais choisir. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et juste, ils ont combien de kills les MCS là? Parce qu'il me semble qu'ils ont slayé 2 teams. Moi j'ai vu 3 kills. MCS 3. Ouais. Marco, okay. Vous voulez aller voir un peu ce qui se passe côté MCS? Ouais. Ouais. Allez, parce qu'on sait pas où ils spawnent si Frosty. Ils sont, ouais, du coup, Frosty ils se sont fait contest. Ouais. Bah, c'est pas la première fois, je crois, hein, qu'ils se font contest ici. Game d'avant, ils étaient pas contest. Ouais, mais comme c'est une team qui a changé de spawn sûrement pour assurer et malheureusement ils sont tombés sur les MCES. Mais ils vont pas revenir hein. Je pense pas, parce que là ils sont chauds les MCES hein. Ils ont déjà de l'avance au classement. Ils sont quand même réputés, enfin en tout cas la structure MCES est réputée pour être très 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 active. Clutchers, des bons joueurs simplement. Allez, un repositionnement là du côté de la team de Warlick, les deux Ventures avec Scribby. Ouais, t'as raison, Nate, Noward, Mush qu'on voit là, Retail en train de finir. Ok, un pad du coup, Noward, un pad, Nate, deux pads, Mushway. Oh là là, c'est ouais, Nate, raison, Nate, il en a forcément aussi. Un Rocket, on n'en parle pas. Ouais, non mais. Très fort ce spawn. Ouais. Hein. On va vraiment pas falloir qu'il tue au cul. C'est ça, hein, c'est ça qui est dur, c'est qu'en vrai de vrai, avec des spawns pareils, t'es limite obligé de perf quoi. Ouais. T'es obligé, t'as trop d'avance sur tout le monde. D'ailleurs, ça va bientôt finir, hein, Retail Row, sachez-le. Trop vivement. Oh ouais, la cour. Quoi que, la cour, tu la prends? Bah, y'en a un qui était pas full shield, donc ouais, là, il tu la bois, quoi. Non, mais dans le stuff, tu la gardes quasiment jamais, sauf non, ce... c'est non, rare. Ouais. Sauf si t'as rien, quoi. Si t'as rien d'autre. La zone là qui vient un peu pousser. C'est. Les elle est où la zone déjà? On elle l'a est encore vu, côté, je crois, côté neige. Vu que c'est souvent la même zone là. Il y a eu une game Retail. Ah ouais, eux par contre, ils ont pas de chance. Ils ont un peu de bandage, donc ils vont au moins pouvoir sortir. C'est mais quoi, c'est non, que... juste, on peut pas avoir la map juste pour vraiment si, voir combien de dégâts ils vont prendre parce qu'ils ont pas de rota. Là vraiment, c'est une ligne droite, ils vont devoir courir. Ok, ça pas va trop. Ouais, mais bon, c'est quand même un peu mal. Je me demande, il y a combien de lamas qui sont ouverts par game? C'est un truc qu'on peut pas savoir, ça, en vrai game. Moi, j'en vois quasiment à chaque début de game avec le mode spec entre 4 et 6 sur la map un peu répartie. Et on est d'accord qu'après, ça apparaît plus, c'est tout au début. C'est au spawn, c'est tout.
Ah, ce qui tombe en entre 4 et 6 à chaque fois. Parce que je sais qu'il y a des strats pour en voir quand t'es dans le bus. Il y a des gens direct en bus, ils savent où il y a un lama. En fonction des couleurs et tout, de leur écran et tout. Tu trafiques ton PC quoi. Ok, bah bonne info encore une fois. Parce que c'est très fort un lama. Bah aussi. Tu t'assures une early game plus qu'autre chose quoi. Il y en a 5 on dit dans le chat. 5 à chaque game? Ouais. Ah c'est genre fixe quoi. Ouais. Ok. Je sais qu'avant c'était 3, ils avaient up le... J'ai quand même dit entre 4 et 6 le hein. Nombre. Ouais t'étais dedans, t'étais pile dedans hein. Moi je... Voilà c'est rapide. Par contre les colis, est-ce que c'est joué ou est-ce que c'est vraiment... C'est ah, tout le temps joué. Si joué, joué, tout c'est temps, trop temps, fort. Ouais mais c'est... Tu vas pas agresser pour ça? Si si. Ah si, si quand même, si, ok. Bah, j'ai pas l'impression tu vois, j'en voyais pas tant que ça des fights sur des colis. Bah là... Après souvent quand tu vois quelqu'un turtle dessus, bah tu le laisses placer. Mais par exemple c'est un colis... Mais ça vaut le détour un colis tu vois. Tu peux mettre des free nades et tout et espérer faire quelque chose. Donc ils ont vraiment pris tarif hein, dans le gaz comme t'avais dit, 57 PV. Ce qui est bien c'est qu'au moins il n'y avait pas une équipe qui attendait dehors quoi. Enfin yes. Quoique. Je vois Gaïa et Ever. Ah, ils ont l'ADA là. Je vois Gaïa et Ever ils justement. Ils sont que deux j'ai l'impression Gaïa et Ever. Oui, oui. Là, c'était Urbano, ouais, c'était du bloc. Là. Ah oui, ouais. Et là il vient de se faire laser Gaïa. Mais c'était quoi jouer bah, autant aggro. Storm quand Surge, t'es que deux. Je sais pas. Ah mais en fait, ouais, y a non, pas... je sais pas. En fait. Ah ouais, 78 remain quand même là. Ouais, il y en aura. Bah, je sais pas. Mais la zone elle, elle a l'air très très loin. Déjà ouais, ils ont couru. Qui va, il va tomber bientôt là. Compliqué ouais pour Gaia Ever et justement ils espèrent même... peut-être qu'il y a une autre team là qui s'en mêle, la team de Météor. Oh la balle de snipe, elle n'a pas touché, elle était pas mal celle de Gaia là. Dommage. Tous les cas, elle serait pas venue à bout de l'adversaire, mais elle aurait mis une certaine pression. Ça a touché les deux. Elle a touché sur les deux. La roquette ouais. De Gaïa sur oh, deux personnes. Là, ça donne envie d'y aller, non? Ah mais ils sont deux, il a 35 HP. Faut que Ever il soigne Gaïa là. C'est free là. Il y a un vrai problème dans cette équipe, hein. Communication. Mais là, ça va mourir du gaz, hein. 10 secondes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous mourir du gaz. Ils vont passer par. Là, ça va être l'un des pires fights. Et ben, on va être là pour le vivre, mon cher Miz. Je te le dis. Quoi qu'ils passent par Gotham, hein, donc ils pourront voler, mais. Ah bah mais là c'est quoi, trop tard. Tu peux voler en fait, dans Gotham, dans ça Gotham, marche ouais, tu peux voler. Tu peux réactiver le planeur tout le temps. Ouais. Ah ok. Ouais, du coup ils se font push. Ouais. T'avais tout pré-shot au slow, hein. Clairement il a mis trop de temps là, c'est clair ouais, et net, on a l'exemple. Là c'est trop tard, là c'est. Mais là ça va être le pire fight. Ouais. Oh, ah, mais il y a la roquette. Encore une roquette. Mais il y a la roquette. C'était une petite roquette répue, ça je le sens. De Gaïa. La roquette de Gaïa. Ever qui tombe d'Arcaz et finalement Ever et Gaïa qui. Prennent les deux kills et ils vont en rester hein, mesdames non, et messieurs pour peut-être faire l'exploit sur ce fight alors qu'ils étaient très mal partis. Je vous rappelle une situation de 2v3. Oh Gaïa qui prend beaucoup de dégâts, tu de la zone, qui va peut-être bien le travail, quelle erreur. Il meurt de la zone de hein, Gaïa. Déjà. Déjà même il va rester ça, Ever. Je pense qu'ils allaient tous mourir. Hein. Il va rester Ever non, en 1v1, Ever zone, qui gagne dommage. Son fight. Ouais, par contre, il va falloir qu'il reste là, vite Gaïa là. Et tu penses ouais, si, il attend. Il attend parce qu'il va passer par Gotham, il pourra voler. Mais on là, pourrait il... voir la map là il faut. Pour voir où elle est la zone. Bien sûr. Elle a l'air lente la zone là donc. Oh, c'est non. Pas facile. Elvatica hein. 2. Hein. Regarde les oranges, hein, ils vont être trop bien. Hein. Ils vont se mettre un peu en retrait. Elvatica 2. Ouais. Mais... Je sais pas comment tu peux te déplacer dans Gotham. Tu peux aller vite du coup. En gros, tu bah, sais, c'est l'ancien. Ouais. C'est, tu planes quand tu veux réactiver, il est plus lent. Tu escalier ouais. Et tu vois. Ok, donc je pense qu'ils s'en sortent en vrai. Assez vite quoi. On va voir, si vous voulez, on reste sur eux. On voit un peu. Ouais. Bah, déjà, Ever il s'en sort à 100%. Mais Gaïa il va pas retomber. Mais il a un. Qu'est-ce qu'il a des bandages. Ouais. T'aurais dû le laisser à ton mate. Ouais. Tu peux te soigner en snow. Mais là, en fait, pourquoi avoir Réa Gaïa s'il remeurt derrière. C'est ça que j'ai pas compris moi. C'est qu'il a des bandages et un feu de camp, je crois. Ok, donc ils ont quand même cet espoir qui va passer quoi. Ouais. Ok, on va voir ce qu'il y a passe. C'est peu de camp en zone. Ouais, par contre, il va se retrouver contre la team d'au-dessus là. Donc ça va faire. Là, faut que t'attends ton mate. Ah non, ça va, il part en de rester sur eux pour savoir s'il survit. Mais moi, je pense pas que Gaïa survit. Sur Gaïa? Bah vas-y, montre-nous directement Gaïa, limite. Si, je crois que. Si. Il est passé, mais c'est lui là. C'est-à-dire que là, il va commencer à prendre cher. Ah, mais il a trouvé un snow. Il y a un feu de camp en plus là, normalement. Il a encore un feu de camp sur lui, donc parfait. Franchement, on est dur avec eux parce que finalement, ils s'en sortent vraiment bien vu la situation. C'était vraiment mal parti, il avait 35 PV. Il y a un feu de camp free. Il a sorti la roquette de la soirée, je pense. Mais tu vois, c'est beaucoup de feeling, d'instinct et pas de strat quoi. Du coup, ils sont à 500 de dégâts au-dessus en Storm Surge. Ouais. Ça, sur ça ils sont bien. Sur ça ils sont bien, c'est clair. 57, je pense que c'est suffisant pour un kill, largement. Oh là là là. Ça se box fight. Hein. Ouais, ils sont obligés. C'est des mauvais hein. Timing pas... de box fight. Ouais, mais c'est pour la storm. Hein. Parce qu'ils sont obligés. 72 au-dessus, je pense. C'est... Ouais, donc il y a des kills là actuellement. Les gens se mettent peut-être de la pression pour. Pour la storm. Yes. Ou peut-être juste qu'il faut faire des kills pour. Plus de storm, ouais, c'est fini. Peut-être qu'il veut juste faire des kills hein, ouais, pour se qualifier. Donc ils ont déjà 3 kills, hein, ils sont bien. Après, c'est pas Angel suffisant 3 kills. Oh là là, ouh, il a pas vu. C'est vrai qu'il faut garder ça en tête, t'as raison, Oslo. Hein. Rappelez-vous le classement, les gars, entre la 10ème et la 20ème place. Ça va faire des kills hein, au bout d'un moment. Un kill change tellement tout que là, il va falloir jouer ballsy quoi. Oh, dommage, la balle de pompe elle touche, mais des faibles dégâts.
Allez, ça se regroupe pas mal là. Ça se comp- ça va devenir compact. Je pense que ça va cancel ce fight. Madzen qui a tombé Zobir. Ça c'est aussi un fight important parce que c'est deux équipes qui sont justement dans le top 10. Et on voit justement bah là au niveau de, du dinosaure là, deux équipes, voire trois équipes avec la, la team violette là qui vient d'apparaître. Ouh la balle de Barrette. Oh, dommage. Bon timing de Dokkarim qui évite ça sans faire exprès. Sauf que c'est en double Barrette. Vraiment d'avoir du monde en... Double Barrette et ça va passer sans surprise. Quoique il a mis tellement de temps, pourquoi ouais, je crois qu'il y en a un des deux qui a raté son tir, ouais. Qui a pas tiré. Qui a pas tiré effectivement, ouais. Dommage il y là il y avait vraiment du monde en haut. Est-ce que tu peux nous remettre un peu la minimap ouais, effectivement qu'on voit un peu où est-ce que... Bah ouais c'est vrai ouais, c'est... Tout le ouais, monde vient ouais. Ouais au sud là. Cette montagne là on la voit souvent quand même. Gaïa et son mate qui sont au pont là. Ah, Léo qui a la top pose. Tu m'étonnes, après cette montagne elle te donne tellement une vue. Parce qu'en fait tout le reste est plat autour, contrairement à d'autres endroits où il y a plusieurs montagnes. Là t'as vraiment une pose incroyable. Ouais, eux ils sont pas loin du top 10 aussi, hein. Yes. Il va falloir qu'ils fassent une grosse game. C'était 12ème. Ouais. Je pense qu'avec une pose comme ça, faut jouer les points de placement. Tu vois, tu, au pire tu. Après les kills ça vient avec. Avec le late game, ouais, ouais, je suis d'accord. Sauf parce qu'il y a l'if à eux, etc. Pendant qu'ici, voilà, ça se détend un peu, le plus dur est à venir. Ils ont bien raison, les armes sont pas folles hein, dans le stuff, ouais. Mais au moins ils ont ce qu'il faut. Ils ont spawn du coup. Ils ont spawn encore Gotham, Batman tu là, ouais, Gotham. Il me semble. Hein. Ah, alors qu'on est fait. Max en train de se fight. MZ. MZ qui joue beaucoup hein, ce soir aussi. Je pense que son mate est down. Ah, c'est ça ouais, mais là par contre, il va falloir partir ouais, parce que tu peux pas. Faut qu'il recule. Faut qu'il recule. Sinon, il va tout perdre comme construit là. Il y a de la chance de prendre le focus que d'une seule team. Et là. Oublie ton teammate. Ouais. Et bah, il va vous écouter, les gars. Il va falloir qu'il rentre dans une box. Oh, mais ouais, mais c'est tellement. Ah, il aimerait plus, MZ, dommage. Il y a tellement de gens de tous les côtés. Je pense pas qu'il aurait dû essayer de rester son pote. Ouais, après, t'as toujours envie de bien faire, tu vois ce que je veux dire. Il est très faisable parce que la zone elle est vraiment. C'est XMS, mais faut voir où il est. Il a l'air d'être loin. Il a l'air d'extendre, non, il est côte à côte, mais il est deux étages au-dessus, je crois. C'est Tokkarim en plus, c'est Tokkarim. MZ. Qui a pris MZ, le joueur qui avait évité la balle de snipe juste avant, comme quoi tout n'est que détail dans la Dwight Cup, tout n'est que détail à haut niveau. Un pad, ça c'est vraiment l'item majeur hein, pour le late game. Tokkarim a un pad aussi, Hats qui vient de tomber. Mushway qui prend sa revanche sur Hats du coup. Ah, c'était Mush ouais. Est-ce qu'on peut retourner côté Mushway justement voilà. Ah, il est fini. Effectivement. Si, ouais. Du coup, ça va être chaud pour l'équipe de Hats. Est-ce qu'il a dansé parce que un partout. Ah, moi, je pense après, il avait le temps tout à l'heure, Hats. Là, je suis pas sûr que. Effectivement, en plus, vu la gueule du kill. Ah, c'est un Rocket Barrette. Waouh. Wow. Ouais. Il reste une seule roquette. Ouais. C'est pas énorme. Est-ce qu'ils ont déjà donné parce que Retail, t'as quand même beaucoup de caisses de mun. Ok, Kriki et Kraki, pardon, et Nakwa étaient en dessous de la montagne. Nakwa, il a dû se faire double Barrette et. Après ils l'ont pas fini Ad. Si ils l'ont fini. Mush il a fini au Rocket sûrement. Ok donc ça c'est fait déjà. Un pad. Ouais ils ont. Je crois qu'ils ont 4 pads en tout. Hein. 11 en dessous. Ah non, c'était un bug. Allez, je propose d'écouter un peu la com, ça fait longtemps qu'on les a pas entendus, on va augmenter le son et on vit ça avec eux. Rocket Barrette encore qui touche les 3 ou les 2. Ouais les 3 ça a touché les 3. Touché 3 fois 120, 3 fois 120, 3 fois. Justement on a la réaction de Mushway. Ah ouais non mais ils ont double roquette, plus un bas. Oh là là Mushway. Il tombe du coup. Bon allez les rushs. T'as trouvé son arme Mushway qu'on a mis un KO justement. Y'en a un qui est mort. Vas-y mais on descend. Vas-y toi. Sur moi. Vas-y je fais. Ah c'est free kill là. J'aime bien, il est agressif, il a envie Mushway, il a envie. Il reste plus qu'un, il me semble. Et ça avance, hein, ils sont groupés, ils sont bien synchronisés là, les trois, ça fait plaisir. Mushway qui fait un massacre avec son deuxième kill validé. Ok, ils ont eu l'info qu'il était en dessous. Nate aussi hein, qui reste disponible, qui reste actif, et c'est Mushway qui est devant, c'est Mushway qui porte l'équipe actuellement. No War Killy de derrière. Ouais, ils sont pas obligés d'être aussi agressifs. Bah, je sais pas ce qu'ils veulent à part des points là, je pense qu'ils veulent des points. Hein. Vraiment là. Je suis totalement d'accord avec toi, Oslo, je comprends pas, mais. Parce que ça là, passe. Ils ont de quoi ouais, gérer le late game tranquille là. Donc, à gauche, il était à gauche. Nate, on peut la soigner Nate là. Je suis à 5-5-5. Ok, passe-moi le centre de bois. Là, faut prendre le high sur les mecs là. Bonne com, hein. Ça fait le point sur les stuff. J'ai besoin de shield. Vous avez des mini. Ouais, j'ai des. Il y a encore du métal ici, il y a encore du métal. Il a repris. Il y a 500 de métal ici, 500 de métal. Je vais faire une extrême. Faut
toujours 4 morts. Sur la pas d'à côté. Ouais, une ligne. Après, elle va tick que dans 55 secondes. Mais... Ah, je propose qu'on reste sur eux jusqu'à qu'ils meurent. C'est pas énorme, ah, je suis d'accord. On va voir vraiment l'entièreté de leur gameplay alors qu'on voit que Lee est tombé face à Markov. Xeaver qui tombe couteau. Xeaver, ils étaient 18ème, je crois. Ouais, ils étaient à 5 points. Mais c'est à 2-3 points, ça, c'est très faible. Il y a 9. Ils sont déjà en zone, tranquille. Il y a Kinox Dora, je pense. Hein. Vous me joignez après, Kinox okay. Spoiler aussi. Dessus, je peux répéter. Là, on est d'accord qu'ils sont très bien placés. Ouais, ils sont bien. Ouais. Surtout qu'ils ont du build. Ils ont pris de la hauteur avec les roquettes. Ah, bon, bah c'est ce qui va faire Nate, faut le soutenir! Faut le soutenir s'il vous plaît! Ouais, c'est bon, ils ont pas eu l'info, les New Gamblers. Mais tu l'entends pas ça venir? Je comprends pas. Non, parce si full à l'air, ils entendent pas. Ah. Voilà, c'est bon, ils ont le high du coup. Oh là 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 là, le comeback de cette trio, mesdames et messieurs, Nate, No One, Mushroom qui pourraient peut-être gagner leur qualif sur cette game s'ils parviennent à faire top 1 avec un certain nombre de kills. Ils auront pas de pression sur la suivante. Oh, ils ont un colis sur eux en plus. En plus! Petite réponse pour Nate. C'est gratos. Et là en plus la zone est pour eux. Elle revient vers eux, ça c'est vraiment pas mal. Oh ça vient d'où ça? Oh ça vient d'où ça? Ça vient du ciel pour eux. Noah malheureusement il tombe très rapidement. C'est Nade. Mushroom qui prend la même sauce. Les Nades elles sont parfaites. Les grenades sont parfaitement placées effectivement. Ah ils vont aller raise. Noah. T'aurais fait ça toi? T'aurais conseillé ça? Ouais, puisqu'ils ont des pads et tout encore. Ils sont pas obligés de prendre la hauteur maintenant. Okay. C'est mieux de finir à 3 que à 2. Mushroom lâche sa pause et rejoint ses teammates. Ouais. Bah, il t'a entendu, je crois. Il a des répus ou quoi? Il est pas obligé forcément de les rejoindre maintenant. Il peut les rejoindre après avec une répu, mais okay, c'est bon, nice. Sauf qu'ils ont usé beaucoup. Ouais, au final, ils se remettent bien quand même. Ouais, ça va splash un peu. Ça va se remettre à 200. C'est pas terminé. Il y en a qui disent que c'était des batarangs et non pas des grenades. Vu les dégâts. Non, il me semble que c'était des. C'est le chat qui hésitait. C'est le chat qui hésitait, mais. C'est des trucs de Batman. Ouais, avec le patch. Elles font beaucoup de dégâts. Elles sont dures à placer, mais. Voilà, ils vont se mettre mid-ground. Ils ont une bonne pause. Ouais, logique avec les répurons. Ah non, ils vont encore. Ils contestent. Noir qui conteste, ils vont mettre. Non, c'est les copains. Ouais, j'ai eu peur. Non, il y a vraiment. Non, c'est. Ok, c'est eux. Ouais, par contre, il va falloir roquette les mecs d'en face là. Nice, ils contrôlent bien la hauteur. Ok, c'est bon. Bon, au final, il décide quand même de jouer à la hauteur. Écoutez l'intensité, alors que Mushroom vient de tuer encore une fois Tokarin. Ouais. Écoutez l'intensité, écoutez la concentration. Tokarin qui a été fini par Marco, du coup, le kill va dans le compte de Mushroom qui est déjà 3 kills. C'est son moment dans cette Dwarf Cup. Incroyable. Il lui reste une roquette, hein. On a senti qu'il a pas économisé Mushroom. Elle fait des dégâts, hein, la Storm aussi. Et là, faut contrôler le high. Faut pas faire la même erreur que la première game. Ouais. Xeawar qui refait un kill. Oh là 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 là. On va revivre la même situation que la première game. Xeawar en clutcher. Yuji qui font deux kills. Ouais, ah Yoda qui tombe. Markov qui refait un kill. Bah, je vais face à Boot. Boot qui a réussi à fuir. Stick qui refait un kill. Ça foule sur Madzen, ça a touché un petit peu sans plus. On essaie de façon de tirer sur tout ce qui bouge là, y'a plus de réflexion, juste on garde la pause, on essaie de défendre la pause et surtout c'est du tir au pigeon actuellement pour prendre un max de points pour essayer de reprendre ce top 10. Il devrait rester plus haut Nate, l'un des deux là devrait rester plus haut. Ah, ils sont regroupés là justement pour eux. Ouais. Nate, on avait beaucoup encore 500. Oh là là, y'a un carnage à faire là de ce côté. Ils essayent. D'ailleurs c'est Mushroom encore une fois qui en donne un nouveau. Mushroom qui est monstrueux dans ce late game là, qui prend enfin de la confiance. Et le travail depuis la semaine dernière, on sent que ça commence à payer. Je crois qu'on vient de perdre les New G. Tes sticks sont tombés. Ah, Kaizen okay. Encore qui les Xeawar Yoda mort hein, tous les deux. Terminé justement ouais pour Xeawar et on reste hein, encore une fois cette trio là qui est en train de dérouler. Il y avait encore XMS hein. Ah, il a besoin de build Nate, il a besoin de build, bien joué ça. Madzen qui est tombé. Il a peur, il veut pas se précipiter. Ouais, par contre, on va faire gaffe aux répus là. Ils sont. On reste sur Mushroom, elle est là monstrueuse alors qu'on commence à avoir de moins en moins de joueurs. Ils sont plus que 13 parce que Barcode vient tomber face à Flygon. Mushroom qui sait plus où donner de la tête là, il y a vraiment toute construction. Il veut trouver un adversaire, il veut essayer de se rendre utile. Ça va commencer à descendre là. Mais j'ai peur qu'ils descendent tous. Ils sont pas et que d'autres. Et que t'oublies des mecs qui étaient cachés, ouais, effectivement. C'est bien Mushroom. Je suis d'accord avec toi. Alors, le problème, c'est qu'il a plus de roquettes et là, dans ces moments-là, ça aurait pu être très utile. Justement, là, il faut être à 3 pompes! Et les 3, bah, ils peuvent rien faire, hein, leur adversaire, Angel. C'est bien, ils sont bien là! Franchement, on les sent dedans! Regardez, Mushroom, il continue! Ah, c'est bon, lui, il meurt de la zone déjà. Yes. Nice. 5 kills pour Mushroom!
Ils sont monstrueux, mesdames et messieurs. C'est une trio qui s'est montée pour l'occasion, pour juste histoire de montrer que même un mix peut performer s'ils ont des bons individuels. Sixième kill pour Meshway. Et c'est le top 1 avec 8 kills de Meshway. Monstrueux dans ce late game. Combien de kills en tout? Ça fait 13 kills. Mais Meshway qui vient de mettre un petit peu les points sur les i et qui montre à tout le monde qu'il est encore là. Meshway. Putain, il l'a fait. Bravo, ça me fait très plaisir de le revoir comme ça au top, là avec le sourire aux lèvres, on les entend. Et c'est la team VIP ça. C'est la team VIP. Meshway monstrueux, franchement là il a déroulé. Meshway, Nate et Noward qui enfin montent leur potentiel, putain. Ça m'avait, tu sais, j'attendais ça depuis une semaine déjà. Ouais, je sens que cette game va leur changer les esprits. On va voir la prochaine. Après, ils ont pas été contest au spawn cette fois-ci. Non, ouais, bah, c'est très difficile. Ouais, ouais, on l'avait dit avec un stuff pareil. Ouais, tu vois, un choix après, c'était pas la même game. Hein. S'ils allaient pas Rez Noward là ouais, et qu'ils finissaient la game à 2, c'est vrai, ils auraient rien fait. Finalement, c'est un bon choix de Rez Noward. C'est vrai. Bah écoutez, mesdames et messieurs, ça annonce une fin de Dwa Cup monstrueuse. Meshway, je pense, dans tous les cas, qui en plus se place pour le trophée mystère. Je viens de penser à ça. Mais en tant qu'action de fin de game, arriver à faire 5 kills comme ça. Je sais pas combien il a fait de kills dans. On verra, ça sera plus tard, ça sera après. Mais minimum 3. Bah, en tout cas, les 3 derniers, c'est lui qui les tombe. Hein. Yes. Vraiment, on a vu une barre de feed vraiment que de son blaze côté killer. On verra, ça sera vous qui déciderez. Bien remonter dans le classement, en fin de Dwa Cup. Bah, déjà, eux vont se mettre en sécu, je pense, peu importe la 6ème game. Deuxième, mais je pense que les 13 kills, ça fait 28 points. Donc limite, eux, ils vont peut-être jouer la première place là maintenant. Ouais. Tu vois. On verra au classement. Ouais. Mais là, du coup, on va pouvoir vraiment voir de la 10ème à la 15ème place, qu'est-ce qui peut se passer. Et cette dernière game, elle va être. Ouais. Il y a eu les bonnes personnes qui ont fait les bons kills au bon moment. Ouais, le classement, impossible de le prédire. Le classement est à jour. Couteau, Marcotte et Podasai qui gardent la première place, mais tu l'avais dit, ils repassent deuxième avec quelques points d'écart. Donc là, ils ont peut-être un petit objectif, même si on a dit que c'est pas le plus important, de se dire on peut même la gagner finalement cette Dwa Cup. Oui, largement. Ouais. 2 points de retard. Côté Meshway, Noward et Nate. Il y a quand même quelques points de retard. Hein. Il y a 4 points de retard. Ads qui reste dans le top 10 finalement. Il est où? Ads, il est 10ème. Oh putain. Ah oui. Ouh là là. Ah, ça va se jouer à rien. Ouais, là ça va jouer à rien. Oh, Xewer. Xewer, il a 2 doigts de se qualifier alors qu'ils sont 2. Hein. C'est un truc de fou. Incroyable. Ah, ouais, ça serait un exploit. Pour être honnête, ça serait un exploit. Vraiment faire une bonne dernière game. Les Fat Sobs qui sont malheureusement un peu loin là. Hein, ouais. Pourrait y croire. Il va falloir faire une très grosse game. Très compliqué. Ouais, après plus bas, ça s'annonce trop compliqué, bien évidemment. Ah, tout peut jouer. Hein. Ouais, si. Un top 1. Ouais. À partir de là, un top 1, ça remonte tout, je pense. Non, mais je suis d'accord, mais il faudrait qu'aussi les autres équipes ne prennent pas de points, quoi. Tu sais, il y a vraiment ce côté de. Ouais, mais. Si t'as 20 points, que ça peut le faire encore. 15, tu passes déjà. C'est sûr. Non, c'est sûr. J'ai compté, les gars. Ah là, j'ai pas le cerveau pour te suivre. Voilà, ça, là ça vient. Ouh, ouais, ouais, non, là c'est compliqué, là, du coup, pour le 31ème. Ah, j'ai hâte de la dernière game. Je pense que même là, les 30e sur un bon top 1, ils peuvent se qualifier. Hein. C'est la Dwa Cup. Tout est posé jusqu'à la fin. Alors, un gros top 1, 15 kills. Ouais, voilà. Si vous demandez qui se cache derrière le nom d'équipe, c'est Benji, Jitzer et Kiman hein, qui sont inscrits sous le nom équipe dans le classement. Donc c'est Benji, Jitzer et Kiman. Donc on va voir comment ça va se passer après cette dernière game de la Dwa Cup. On aura à élire le MVP de la soirée. Ça repart directement. Et effectivement, c'est la dernière game, mon cher Oslo. Dogby Production. Ça va vite. Mais c'est aussi pour le confort des joueurs, ça aussi. Tu vois, c'est important pour moi de dire que quand les joueurs s'engagent, quand c'est un peu long, c'est la fatigue. Ça devient lent, ça devient chiant. Surtout si tu tiltes, c'est encore pire. Exactement. Donc au moins, ça va vite. Et il y a juste la pause entre la 3ème et la 7ème game. Mais elle est stratégique, cette pause. C'est vraiment une pause où faites un bilan et. C'est bien d'avoir cette pause. Exactement. Couteau, Marcotte, Podasai, qui vont devoir défendre leur première place, mesdames et messieurs. Parce qu'ils sont agressés actuellement au classement. 4 points oui. D'avance. C'est rien du tout. Et où elle est la map? Il y a beaucoup de monde en haut de la map, alors que dans les premières games, il y avait personne. Ouais. Ils étaient split entre Junk, Haunted et Château, je crois. C'était un chacun. On pourrait avoir la POV sur Xewer, du coup, parce que ça va être eux à suivre en vrai là. C'est vrai que. Parce qu'il y a 2, hein. Ah ouais, c'est incroyable. Non, mais là, c'est toujours là, je voulais dire. Au bloc, ça, non? La game 6. Il va y avoir des morts dans tous les sens, mec. C'est n'importe quoi à chaque fois. Hein. Mais effectivement, on n'est pas sur Xewer. En bas du classement, ils vont jouer aggro. Bah, grave, ils ont besoin d'être fixés à ça. Et quand ils tombent Foxy, ça, c'est le fight bloc. Ouais, celui qu'on suivait tout à l'heure. Ils ont pas lâché, hein.
Les 6 games, ils ont tous été au bloc. Hein. C'est le problème hein, d'être aussi insistant quand ça se passe pas si bien. Ah, mais du coup, ils ont vraiment rien. Bah, leur spawn est chaud. Hein. Ouais. Et surtout qu'ils sont forcés aussi à faire un peu de dégâts et tout. C'est, hein, c'est en vrai, je crois qu'il y a personne à faire une step. Du coup, ils ont une bonne rotation. Genre, ouais. Ils ont spawn à pied omelette, ils ont eu la zone. C'est un game sur 6. Oh, bah, petite info. Ouais, ouais, bah, il y a quelques zones dans la neige, hein, neige depuis tout à l'heure. Alors que c'est rare d'avoir la zone quand, quand tu spawn à pied. C'est ce qu'on avait remarqué tout à l'heure. C'est souvent. Là, elle est pas bien. Un quart dans l'eau quand même. Ouais. Ça, je pense qu'ils pourraient. Oh, il y a un petit fight météorite. À 3 sur l'île flottante là. Ah non, c'est bon, ils sont ensemble. Tout va bien. Oui, oui, bah écoute. C'est... Mais ils sont juste à côté du coup, Xewer et Yoda. C'est le petit bleu là à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, mais il y a une team Sunny maintenant. Il y a beaucoup de là de leur côté. Je me demande si c'est pas Yoda qui est Sunny. Ah ouais, non, il y a une team. Ah ouais, là ça va être cool. Avec la rotate pour, à faire. Pour Xewer. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. On va voir comment ça va se dérouler, mais après, c'est compliqué hein, de démarrer à deux, d'espérer. En plus, il est déjà ciblé. Et les gens savent qu'ils sont deux, je pense. Si, ouais, non, mais là, ça va être risqué de s'approcher de maintenant. Ah ouais, non, mais là, c'est. Il est mort, je pense. Parce que là, c'est... ah ouais, non, non, mais là, il va se faire rush, c'est sûr et certain. C'est un free kill pour. Au moins, le suspense ne durera pas si longtemps. Après, où est Yoda? Il est un peu plus loin. Ah ouais, non. Ouais, mais c'est lui. Il arrive à fuir. Ouais, mais, Là-bas aussi, ouais. 22, il a plus de shield. Ils vont sûrement pas le lâcher. Hein. Après, s'il a un. Est-ce qu'ils savent qu'il est de ce côté-là? C'est bon, on a entendu un ping? Ouais. T'entends les pings des joueurs? Je crois quand on spec, ouais. Après, on le voit pas, tu vois. Enfin, par exemple, là, on a pas su le déterminer. Ah, du coup, ils vont aller push jusqu'au bout. Ouais, ça va être compliqué pour Xewer là. Comment ils savent que c'est Xewer ou quoi? Podasai qui tue Jortz? Ok. Et donc ils reviennent à Frosty? Ah non, mais là il va être obligé de se battre là. C'est la dernière game, mec. Hein. C'est. C'est vraiment. Des fois il y a des trucs incompréhensibles. Et par contre, Yoda. Il est où Yoda en fait? Ça part en plus le fight d'ailleurs. Il y a son pote qui est venu dans le dos. Il était en mode non, non, tu vas pas prendre ce duel. Le fight est déjà terminé. Tu m'étonnes. Il y a les New G qui sont en train de tomber. C'était pas mal au classement. C'était 6ème, je crois. Et du côté de Xewer, il est oublié. Non, mais sa game est horrible, pauvre. Ouais. Allez, rejoins Yoda du coup. Et en tout cas, il est encore debout. Ça, c'est déjà un exploit. Mais le problème, c'est qu'ils perdent du temps et que la zone va leur mettre pression. Voilà. Ah oui, ils se battent. À Lookley, qu'est-ce que c'est détestable de fight ici. Et c'est qui? J'arrive pas à voir les pseudos. Je sais pas, c'est qui les. C'est Masta, Spartek. Ils ont changé de spawn du coup, je pense. Quoique. Non, on cherche les adversaires. Ouais. Ouais, ça va tellement vite là avec Kazuna qui est Codefire. Ah, en tout cas, ils se font contourner, c'est bien ce qu'ils font là, en tout cas, une belle réaction. Et là, il est tout seul, faut attendre ses teammates. Aïe, Angel qui se fait directement punir. Dites à la molette. Hein. Ouais. Toi, tu te fais avoir. Et du coup, on va essayer de finir tranquillement, donc ça fait déjà 2 kills. T'as 3-0. Et 3-0. C'est fait, ils vont pouvoir en plus de ça contrôler la faille de Luke Lake. Eux, pour eux, tout va bien, alors que là, il y a un autre fight. Et on est reparti de côté Pleasant Park. Avec un petit trap qui a été posé. Sans contest. Sans effet. C'est Wuka hein, et sa team en face. Ouais, on les voit, ils sont. Oh, mais c'est. Ah ouais, mais quand t'es en bas là, Keblo, c'est si mort. Les adversaires ont une puion. Ouais. Ça peut être tu sors jamais d'ici quand en fait. Tu as 4 trappes électriques, ça peut changer. Ouais. Et ouais, une erreur aussi, et l'autre team est vite puni. J'ai l'impression que eux ont du shield et les autres non. Oh. Oh, ça death run ici. Ouais. Ça death run. Enfin, c'est posé quand même, hein. Dans ce genre de moment. Ah non, ils ont du shield, pardon. Comment ils vont faire là, ils... ah là c'est un jeu de regard. T'as pas envie de te jeter non plus dans le trou. Et en même temps on va falloir les déloger quoi. Ils ont pas la zone donc faut pas trop tarder. Ah, ils ont un pad en plus. Donc l'équipe en dessous qui perd pas de temps, qui farm tout ce qui est peu. J'ai pas vu si l'équipe de Wuka ont des shotguns. Si ils en ont Ok, ouais, compoto. Y'a un de ces mecs qui a chasseur bleu. Ouais. Et attaque, qu'est-ce qu'il a? On a entendu quand même quelques pièges électriques se poser. Ouais, il en a posé un, il en avait 4. Mais ouais, ce fight là, eux ils ont pas envie de le prendre, clairement ça se voit. Mais ouais, les mecs au-dessus ils sont peut-être en bas du classement. Oh. Bah, pas ça, mais. Ça c'est pas mal parce qu'il peut pas le l'éditer du coup. Ouais. Ouais, ouais. Oh et. Ouh, une erreur, je sais pas s'il a été touché. Fini, hein, donc Là ça peut renverser le fight. Dommage, il a pas été touché parce que ouais, une erreur et. Dis attention et tu te fais edit. Oui. Ah, il commence à y avoir des. Ah, il commence à y avoir la zone là, ça va être très compliqué pour l'attaque là. Ah oui, non, mais là. Terrible, ça. Là, les deux teams se condamnent hein, s'ils décident pas. Ils ont 10 bandages.
Mais ouais. Ouais, mais même, c'est. Tu ruines ta game en fait. Ouais, là ils ruinent leur propre game là. Ils se ruinent les games entre eux là. Ah, il y en a qui disent pour le trap, il a fait croire aux autres qu'il se le prenait, mais dans tous les cas, il voit qu'il n'y a pas de dégâts, les mecs communiquent. Ouais, non, ouais. Donc, même t'entends quand tu te prends. Ouais, je pense pas. Je pense pas que c'était ça l'idée de base, mais peut-être au moins, ouais, peut-être essayer de créer un peu quelque chose. Ouais, bon. Là, par contre, ça va être très compliqué. Il a repris au moins le contrôle du plafond. Ouais. Ils ont un pad. En fait, c'est une question de temps. Après, là, tout le monde est dans la zone, mais, ouais, mais dans le sous-sol, ils se pourrissent la game une fois de plus. Eux, vraiment, ils devraient vraiment rota là. C'est. Après, quand t'as investi autant de temps sur un fight, mais justement, c'est trop de temps. En fait, ils auraient vraiment dû partir avant. Ouais, c'est... bien plus tôt. Parce que là, il a 4 balles de PM, 30 balles d'air. Pas de build, enfin très peu de build. Ils ont des bandages, les autres, non, par contre. Après, en bas, ils ont un pad. Ils n'en ont pas, quoi. Donc, bon. Ouais. Compliqué comme décision. Encore une fois, décision de making. Ah, il garde quand même la vision. Hein. Il espère quand même faire le kill. Mais il se fight encore dans l'outlet. Ouais, ils sont interminables, les fights à la dernière game. Je t'ai dit, gros. Ça n'a plus aucun sens. Tout le monde veut prendre des points. Ouais, ils ont déjà 5 kills. Hein, ouais, donc ouais. Ah, ça rush côté Master Nice Cortec là. Et vous l'avez vu, hein, ça se joue à rien du tout hein, au classement. Oh, du coup, ils ont retourné le fight, je crois, les mecs à Retail là. Il me semble. À Retail les mecs en dessous sont en train de gagner. La team en dessous à knock. Je crois qu'ils ont knock la team dessus. Non, mais c'est pas eux. Voilà. Ah oui. Celle-là. Tu vois, il y en a un qui est knock. Ah ouais. Cyrus. Ah, attends, ils sont 1v2 là. Nero. Il reste Wheezy et Elite là, face à Nero solo. Lui, du coup. Ouais, c'est compliqué, il a là. Le chasseur bleu, hein. Il a le pad surtout. Ouais, mais là, c'est dans tous les cas, si le pad il servira à rien. Ok. Il joue bien avec les Edits là. Oh, la balle de pompe qui vient d'en bas. Faut qu'il tempo au bandage. Bah oui, t'as raison. Il doit le tempo. Mais t'as raison. Il a des bandages sur lui. T'as bien raison. Il a été touché. Ah, ouais, mais il a été touché aussi. Ouais, donc faut qu'il joue le heal, mais son pote va pas le laisser. Ah, non. Voilà. Dommage. On va récupérer les 7 bandages, on va récupérer le pad et on va essayer de sortir tranquillement de cette zone. Si on Victoire, voir la map finalement. Pour voir où elle est la zone. Là, ça me paraît. Elle est encore dans la neige. Et Hats qui tombe. Effectivement, face à Albrecht. Hats là qui va mettre ses chances de qualification en grosse difficulté, alors que Blacky. Dans son petit et spoiler robot. Joue du robot. Effectivement, ils vont essayer de décrabouiller les équipes ils ici sont bien dans le classement au niveau les du BDS, pont. Oui, il me semble, okay, ouais. Donc, c'est du bonus. Histoire de se mettre en sécurité, Naoka qui a fini à le break. Naoka, c'est le teammate Naoka, c'est le ouais, c'est donc teammate c'est de 2v2 là. Ouais, 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 ça se okay. Fight hein, côté Az. Masta, ils avaient déjà 6 kills, ils renoquent quelqu'un. Oh, ouais. Je crois que le fight est fini du côté de. Naoka qui tue fort. Ouais, je crois que le fight c'est fini là. Je pense qu'ils l'ont gagné du coup. Le doublé. Après, à voir si Hats et Reza. Oh, la roquette. Ça c'est pas de chance, ça par contre. Oh, il a tiré sur la montagne, c'était malin. Yes. Il y avait pas de construction sur ce côté-là. Si et... on peut tomber sur Naqua. Oh, holy shit! Oh, y'a y'a y'a. Oh, le bon réflexe par contre. Ouais. Nice. Bien joué. Faut l'avoir ce réflexe de. Totalement. De bouclier au bon moment. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un peu la map histoire de voir. Naqua qui, ouais, qui finit Vox, ouais, Kraki, le teammate. Ouais, mais je crois que. Ouais, donc full clear, non? Qu'est-ce que vous voulez aller voir, les amis? Donc, ils sont 2v3, je crois, la team de Hats. Ouais. Est-ce qu'ils vont pouvoir le réanimer? Ouais, c'est ça. Ils sont quel côté? On va le trouver. Il y a des mecs dans le gaz dans Dusty, ils sont vraiment loin. C'est la team numéro 7. Ouais, et on va aller sur un de ses coéquipiers tranquillement. Naoka ou Kraki. Ils sont 3 kills. Ah, ouais, ils sont dans la zone. Ah, oui, donc c'est eux que j'ai dit, ils sont dans Dusty. Oh, les bandages, faut les prendre, ça. Oui, plus important que des grenades vu la situation. Il voit s'il a rien oublié. Niveau métal, on est full. Et on va essayer d'aller en zone. Ils ont sûrement la plaque. Je pense qu'ils ont la plaque. Et ils peuvent aller le raise en vrai à retail. Il leur reste un pad, des répulses. Ils sont bien, hein. S'ils arrivent à le raise et à remonter full vie, ouais. Ils ont 5 splash et tout. Donc Ouais. C'est pas fini pour Ad. Il peut encore aller chercher sa qualification. Je crois pas qu'ils ont de l'arme pour lui. Ah bah ça, va falloir. C'est quoi ce pad là? J'aurais repad au bus, moi. Ouais. Bah. Ouais, je sais pas, bah ouais. À mon avis, ça se trouve, ils ont pas la plaque. Ils ont pas le res. Ouais, ouais, ils ont pas la plaque. Si pad. Du coup, Lee qui tombe, c'est-à-dire que ça va être compliqué pour Subspatou de se qualifier là, c'est. Aïe aïe aïe. C'est presque la fin. Alors, on l'a dit, à la fin de cette soirée, il va y avoir des joueurs assez tristes. Oh, il avait un bon angle, dommage pour Rolik. Il va falloir être dans le top 10 si vous venez de nous rejoindre pour justement. Eux, ils sont bien, se qualifier. Ouais. Vraiment les zones dans la neige là. Après elle est bien quoi, cette montagne une fois que tu y es, t'es à l'aise quoi. Ils font encore des kills hein, Masta et tout, donc je sais pas combien ils sont, 7-8 je pense au moins. Est-ce qu'on les suivrait pas cette game là? Ils ont l'air Ouais, ils ont l'air, ils ont je l'air sais pas combien chaud, ils étaient au classement mais ils ont l'air de. Ils étaient un peu loin dans le top 10-20 je pense, ouais.
Et justement là, Nauka. Donc ouais, ils ont pas réussi à le revive. Ok. Oh. Craqué au dessus, ils veulent vraiment fight. Je peux avoir le classement logiquement ici. Ça vous permet aussi de... Oh là là. Parce que s'ils gagnent ce fight là, ça fait beaucoup de points là pour l'équipe de Hads du coup. Je pense ouais, ils ont pas assez de maths et... Ouais. Jouent à late game. Je pense surtout qu'ils ont pas vraiment le choix là, enfin faire des kills, enfin faire des points surtout. Faut insister là, hein. Faut prendre des points comme vient de le dire Oslo, ils ont raison. Tellement dangereux. Ouais, mais c'est la game 6. Ouais. En fait, c'est le moment où bah tu toutes les conneries que t'as faites avant, c'est le moment de compenser quoi. Ah, ils sont... Oh, ils ont 10 kills. J'adore la réaction. Ah mais ils étaient combien dans le classement? Parce que là ça se trouve ils sont déjà dans le top 10 avec les 10 kills hein. Ouais. Je vais, ils vont me l'envoyer là. Ils vont me l'envoyer. La game, mais ouais. 10 kills, c'est vraiment vite fait. Mais peut-être que là, faudrait temporiser, jouer le placement. Et ils ont faim. Ah oui, ils ont un sacré stuff. Kills. Ouais, ouais, ils sont super bien. J'ai là. J'ai pas vu leur rota, je crois pas qu'ils ont beaucoup de rota pour 10 kills. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent la position. Et donc justement, donc c'est quelle équipe que vous vouliez voir au niveau c'est du classement? C'est eux là, les Reaper, Kazuna, Scortec. Ah, j'ai le lien justement là. Ils font que de slay là depuis... Logiquement, de toute façon, une game 10 kills, tu prends un ou deux points de placement et t'es archi pépouce quoi. C'est pas mal quoi. On a quoi qui continue? Un mur. Ah, ils sont encore en train de se battre contre les mêmes. Hein. Ouais. Faut vraiment finir le fight assez. Ah ouais. Oh le bon laser, la tête. Non mais là, il a juste pas assez de build. Hein. Ok, c'est bon, qui lui a donné du build? 200. Faut vraiment tuer ouais, des gens. Par contre, eux, il faut absolument les tuer, hein. Sinon tuer ils font rien de la game. Vous avez tout donné, ouais. Il faut les tuer. C'est... Faut que ça paye, faut que ça paye, faut pas se les faire voler parce qu'il y a des gens autour, hein, des vautours. Qui sont prêts. Ils ont un barret, des nades. Non, ils ont beaucoup. Je pense qu'ils veulent sécuriser les points de top, là, Masta, etc. Masta, Scortec et Kazuna. Oh, ils vont même pas les tuer. Hein. Oh là 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 18 là de matériaux. Hein. Ça, ouais, ça va être terrible ouais, là. Hein. Là, c'est trop d'investissement. Ça va être très très dur leur game. Hein. Ouais, oh, attends, il y a quelqu'un tout seul. Ouais, ouais. Oh, s'il le repère. Nakwa, oh, peut-être qu'il va avoir l'info. Oh, oui, il faut piocher. Oh là là, et là. Oh, oui, ça pioche. À droite. Méfie-toi. Derrière toi. Oh. Ah, je crois qu'il y a un piège. Oh, mais tellement de dos. Oh là là, oh craqué, il faut absolument qu'il ait l'info là. Il fait aucun bruit, l'autre, il est malin. Ouais. Il est serein quand oh même là dans là sa là box là le ouais mec. A pas à faire de bruit. Il s'en doute pas du tout. Oh si. Oh là là, il faudrait juste qu'il pioche par curiosité. Ce serait incroyable. Et là le petit stream à côté qui donne l'info. Ah là là là. Oh le laser. Ah, là peut-être que. Voilà. Ah là il va en profiter pour Edith, c'est sûr et certain. C'est un free kill en dessous de lui là. À moins que. Non. Bon, on n'aura pas le classement, c'est pas grave, on perd trop de temps sur ça. Bon, Nauka, Hads, Kraki, essayons, on garde le suspense jusqu'au bout, on verra à la fin qui passe dans le top 10, qui ne passe pas. Ouais, c'est bon, là il va avoir l'info. En tout cas, ils ont investi okay beaucoup, il leur faut récupérer des ressources, du stuff, tout là, ça. Là, enfin, gérer le fight. Ok, ils l'ont compris. C'est malin, c'est malin. Oh, il a mis un trap. Non. Oh, ça, ok, ça va, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Oh, mais regarde à quel prix, regarde à quel prix, Kraki qui vient de tomber, qui est très très. D'accord, il a eu la régène, du coup, il est mal placé. Il a pas eu les maths, il a un mur. Après, il y en a derrière, hein. Il y en a derrière à droite, hein. Faut juste qu'il arrive à passer. Ah, il y en a ici, là, du coup. Oh là là, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Autant de ressources pour tout ça. C'est terrible. 11 kills, Master, on refait un kill. Ah ouais, attends, il prend des balles. Ok, ils ont été les échoués. C'est eux qui ont eu les kills. Je pense c'est terrible. Oh là 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 là. Ouais, donc on me confirme bien que c'était Scortec qui a eu les kills. Ouais, c'est quoi ce fight bord de zone là? La zone elle est très lente. Dommage. Nice. Le moins 20. Nice, ok. 12 kills en plus. 12 kills. Scortec. Pas mal. Ah bah eux là ils sont en train de dérouler. Ouais, ils déroulent là. Ils sont vraiment loin en PV, faudrait pas mourir là-dessus. 1073 au-dessus quoi, j'ai rarement vu 4 chiffres. Hein. Ouais, c'est rare. Ils vont bientôt arriver en zone. Faut pas mourir maintenant. Aïe, y en a un. Ça y est, il fallait bien lui laisser passer Scortec devant. Fallait bien que ça se calme effectivement. Et pour toi, il avait des mini, mais peut-être le res. Si Scortec tient la poste. Ils ont beaucoup de build à faire qu'un des deux res. Je pense qu'il faut déjà commencer le res par contre. Là, on voit MZQ là essayer de faire quelques kills aussi dans la barre des feed, les MCBS aussi. Enfin res. Je pense que c'est du métal, il est full construit. Ils ont un kit, deux mini pots, c'est tout quoi.
C'est faible hein. C'est faible à 3 joueurs restant. Yoda qui vient de tomber. Ouais. C'est très dur pour Xewer là. Xewer solo. Oh là 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 là. Montre-nous un petit peu ouais voilà justement ce qui se passe de tous les côtés. 22 PV pour Xewer. Il joue sa qualif mesdames et messieurs. Incroyable là. Il a pas la zone. Ça va être compliqué celle-là. Il a que dalle. Après son spawn aussi l'aide vraiment pas hein. Le fait aussi d'être en 2v3 ça l'aide pas à être en confiance au début de la game. Il joue sa qualif mesdames et messieurs. Prendre son temps, faut réfléchir. Il n'y a qu'une team qui est posée déjà dans la prochaine zone. Ouais. Cette team là elle peut faire vraiment un carnage. Contre les MCS qui c'est des MCS toujours. Dans la zone. Ouais, ils sont là God pose. Ils sont toujours bien eux. Dommage pour ton mate ça. Mais ouais là il y a tellement de gens qui vont pas des... sur des... Ouais voilà. Ouais. Ça va. Et ouais. On peut voir les balles. Et on voit Noward et Nate à l'opposé de la zone. Ah, il va pas Xewer, il a raison, il veut gratter 52 PV quoi. Ouais, mais par contre là, prendre vite, là, ça va être plus dur pour lui là. Va être placé, ouais. Et il va être le seul à bouger. Ah, j'ai l'impression qu'il a pas énormément de choix. Là, faut prier. Ouais. Ce qu'il fait là, il a attendu que 2-3 personnes passent. C'est malin ce qu'il fait pour se glisser dans la masse. Allez, faut prier. Et on prie. Et là, faut pas qu'il prenne une balle. Ok, ça va. Il a l'air d'avoir trouvé un spot un peu tranquille. Ok, c'est pas fini, mesdames et messieurs, pour Xewer. Tout est possible. Qui nous permet d'avoir du suspense. L'homme à ma gauche l'a déjà prouvé que tout est possible. Tout est toujours possible. C'est ça qui est beau avec Fortnite. Et le mode arène. Ma gauche, c'est là. Ouais, moi j'avais plus de vie. Bah, t'avais fait combien? T'avais fait quel top sur cette game-là? Top 12. Mais il a pris 5 kills. Ouais. Tout seul. Ouais. Ouais, on lui souhaite la même chose. Ils sont tombés là du côté de Masta et tout. C'était Rez, c'est qui est tombé? T'as pas vu? Je sais pas. Je me souviens plus. Je prends devant le fiasco. Ah, je l'ai là. Ah là là. Si tu veux. Xewer, il est à l'autre. Ah, t'as pas envie de voir Noward okay. Est tout seul. Hein. C'est dire que. Ouais, c'est dire qu'ils sont. Ça va être très dur d'approcher la première place là pour Nate. Et Couteau qui tombe donké. Ouais. Marcotte qui le termine. C'est fini, ouais. XMS qui tombe Madzen. Madzen avait un très bon stuff. Est-ce qu'on peut avoir la POV de Xewer là? Parce qu'il a repéré un joueur. Là, lui, il faut absolument qu'il le slay. Hein. Il a pas le choix de toute façon. 22 PV, ouais. Ouais, mais là, oh là là, il faut absolument. Oh, Noward, il a faim. Ouais. Noward face à Xewer. Heureusement au niveau de la Stormfleur, j'y ai au-dessus. Regardez, il se fait. Oh, le pouvoir. Ouais. Faut y aller. Mais c'est un cadeau ça. Ouais, ouais. Par contre, ça s'appelle un cadeau, mais la zone 12. Ok, non, ça va, il va avoir. Okay. Ouais, mais regarde, ça se joue à rien. Xewer, il est encore parmi nous. Xewer, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dommage. Terminé pour Xewer. Ouais. C'est terminé pour Xewer. Noward qui a peut-être clutch tout seul. Hein. Alors pourquoi il est pas avec Nate et Mush? Ils sont morts, ouais. Clément qui tombe. Je sais pas, je les vois en vie moi en bas. Clément qui tombe. Ah, c'est très dur si pour l'équipe. Non, ils étaient pas dans le top 10 eux. Ça va être très dur aussi de leur côté. C'est un bug le fait qu'ils soient en vie en bas à gauche, c'est ça que vous me dites? Ah non. Ah bah. Moi j'ai cru voir Nate passer les gars. Bah. Non, c'est pour ça que ça m'étonne qu'ils soient pas ensemble. Hein. Ah non, Nate est juste derrière lui je crois. Ouais, donc c'est. Ils étaient isolés et ils se sont rejoints là. Et personne a de kill donc t'as vraiment. Par contre, il a pas de build Noward. C'est vrai. 9 murs. C'est vrai. Et là, il y en a du build. Il y en a sur lui. Oh vas-y. Oh le stuff. Oh incroyable. Et il s'en va comme un petit prince. Oh, mesdames et messieurs, Noward a décidé de prier maintenant. Nate Mush, ils sont là. Oh dommage. Il joue Nate le top 1. Kill. Il joue le top 1 de cette qualif, mesdames et messieurs. Il joue pas juste la qualif, il joue la victoire pour ça. Le et c'est encore Mush. Faut attendre la régène maintenant. T'as 5 murs. C'est leur soirée, c'est grave. Hein. Il aura fallu une semaine pour se mettre à jour. NGK un HP. J'ai plus de maths, faut que tu m'en. Ouais, il réclame des maths, mais Mushway n'en a pas non plus. Faut voir côté Nate qui reste dans la pocket. Ou en tout cas, faut faire des kills pour récupérer les matériaux. Ça va être très dur là du coup de. Mais je crois que c'était Noah qui avait le build. Non, il avait 100 de bois quoi. Okay. Il va. Ah ouais, bah là faut descendre. Il y a lui en face de lui. Nate, je crois qu'il a fait un kill. Nice, il va mourir de la zone. Il peut pas ramasser. Oh, Mushway! Mushway, mesdames et messieurs, qui enchaîne kill sur kill! Il est on fire ce soir, je pense que c'est le boost du public. Il a assez de builds, faut pas qu'il grid les kills. Il peut encore jouer. Il reprend la tour avec Nate, il veut lui partager les builds. C'est magnifique ce que va faire Mushway, il a fait l'action qu'il fallait pour les remettre dedans. Et ça se slay en bas. Et on a, vous l'entendez, oh ça panique hein, pour claquer un pas de... MCS toujours en bas, c'est à dire que là la première place elle est... Ouais. Podassa est encore qui? Totalement, là ça joue la première place maintenant. C'est ça, 2v2 entrée, 2 premiers. C'est magique, je vous l'ai dit, cette fois cup est magique. On est sous une bonne étoile, le pad qui va leur permettre de reprendre la hauteur. Couteau contre Mushway. C'est le fight de la game. Couteau qui a plus de vie. Mushway non plus, Couteau qui tombe. Et c'est Nate qui doit faire le coup de. Nate qui réussit le kill sur Bonassai. Nate doit 1v1 contre Couteau. Ça va se jouer à une seule balle. Il y a une roquette dans la main. Le lance-roquette de Nate peut-être. Couteau qui est très loin, mais il n'y a pas le choix. Plus de build hein.
Nate contre Couteau, c'est le maintenant que ça va se terminer, qui va vite le premier, on va le savoir dans quelques instants parce qu'il y a 3 points d'écart entre la deuxième et la première position. Couteau qui veut pas laisser Nate, la hauteur. Plus de but, Nate qui reste en bas, qui reste à l'affût, il le sait que son adversaire est en live. Non, Couteau qui mais c'est une victoire du côté Nate. Nate qui prend le kill à l'Ascar. Nate, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Naruto Run pour feu se récompenser de cette action. Quelle pression. Et je te l'ai dit, on est béni sur cette doigt cap, il y a toujours des trucs fous. Que le premier et le deuxième qui ont quelques points d'écart, 4 points d'écart, s'affrontent sur l'action finale en 2v2, donc il n'y a même pas de supériorité numérique. Et dans du le, coup là le top 10 il va totalement changer, ouais. Enfin du ouais. 4ème au 10ème ça va, ouais, ça totalement va être différent. Totalement là. D'accord. Et ils viennent kills, je crois, la team de sûrement de la gagner, c'est hein, dire qu'ils passent à 46. Commence pas les calculs, commence pas les calculs. Ils 9ème, est-ce que deux équipes pourraient passer devant? C'est, je te dis, c'est toujours incroyable. Ah, et en plus, pour la dernière qualif, pour la dernière gagnants, semaine de qualif, ouais. Normalement, ouais. Là, normalement, après, on n'a pas vu combien ils avaient de kills en couteau et tout. Si, j'ai vu, mais c'était à peu près pareil. Mais je pense que Nate, ouais, ils donc ont plus. Les 3 points de plus. Après, il y avait 4 points de retard, mais 3 points de victoire. Donc attention quand même. Hein. Ouais, donc... C'est-à-dire qu'il fallait, oh, il faut qu'ils aient 2 kills de plus que la team MCES. Ouais, mais ils ont dans tous les cas. Ouais, ouais. Après, ils ont plus de top 1, donc si jamais ça se joue. Si égalité, ils sont plus. Effectivement, je vois que tu suis la Dwight Cup, mon cher. Ça fait plaisir. Oh là là, c'est incroyable la dernière game. Ah, oh, ils nous font rêver, hein, jusqu'au bout. On pouvait pas avoir mieux, franchement. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Alors que là, c'est encore une fois Mushway qui est félicité. Parce que c'est vrai que Mushway a fait l'action qui a permis à Nate d'avoir des maths. Bah, il a surtout pas loupé des balles importantes. Il hein. sort de où le pompoteau là. Je suis d'accord. Non, ouais. Mais je suis d'accord. Que encore une fois, Nate a été on très fire. Clutch, là, Mushway. Messieurs. Le classement est en train d'être mis à jour. Déjà, un grand merci à vous deux d'avoir merci suivi à bah, cette. Merci à toi pour l'invitation. Bah, c'était cool, un vrai plaisir. Ouais. Je vous avais dit fin à 22h30. Et on n'est pas timé. Wow, on a commencé incroyable. À 19h pile. Il est 22h29. Gars, première Duck Cup à l'heure. T'es pas obligé de le répéter à chaque fois. Mais on va prendre voilà, le but, comme vous l'a dit, d'essayer d'être le plus carré possible, même de notre côté, pour vous proposer le meilleur contenu possible avec les meilleurs casteurs possibles. J'espère que vous avez apprécié, dans tous les cas, ce trio de cast qui apporte une autre saveur, une autre expérience. Et on me dit dans l'oreillette que le classement est à jour. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les 10 derniers qualifiés de la Dwight Cup? Regardez. Déjà victoire des MCES. Déjà victoire des MCES. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Félicitations. Donc on peut déjà les applaudir, Couteau, Marcotte et Podasai. Bravo aussi à Mushway, Noward et Nate qui ont créé justement ce petit suspense jusqu'au bout. Regardez 9ème, 10ème, 11ème. Ouais. Et ouais. Et là du coup ça Kasuna, se joue. Masta, Escorté qui passe pas, ils avaient. Et surtout que ouais, bah, c'était. Ça se joue à. Ils donnaient tout. Hein. Ça se joue à l'average placement. Tu veux voir plus bas? Ouais, les kills des 10e, 11e, parce qu'on voit pas leur nombre de kills. C'est vrai. Ah, oh, 48 kills. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais wow. C'est dire qu'ils devant, sont... du coup. Ouais, non, non parce que c'est la moyenne de placement d'abord. Ouais. En gros, okay. Moyenne de placement sur les 6 games, et ensuite, moyenne des d'accord. kills, s'il y a encore okay. une égalité. Et en moyenne de placement. Ah, c'est-à-dire que si. 48 c'est kills. Uranos, Gaia et Ever qui gagnent. Ouais. En moyenne de placement. Donc, comprenez bien, chaque game, ils font un positionnement. Ils ont 51 points, ils ont 48 kills. C'est-à-dire qu'ils ont fait 3 points de top. Bah, ouais. Mais c'est des mecs qui ont été monstrueux sur incroyable. Chaque fight. Et franchement, grosse surprise du côté de Couteau, Marcotte et Podasai qui gardent leur première place, qui peuvent être rassurés. Mushway, Noward, Nate nous auront fait rêver jusqu'au bout, mais finissent second. Et ça se termine vachement bien. Et là, vous voyez les 10 personnes. Équipe sur la deuxième qualifiée. Partie de la Dog Cup, ils ont tout remonté. Hein. Je suis totalement d'accord. Équipe très très violent. Et justement, derrière ces trois joueurs-là, si vous vous posez la question, j'ai l'information qui se cache derrière ce nom justement de team. C'est Benji, Jitzer, ouais. J'espère bien le prononcer, et Kaiman. Man, comme vous préférez. Donc bravo à eux aussi qui prennent la troisième place et c'est pas évident avec Clément, le niveau ce soir. Se positionnent dans le top 10 hein, ouais. Avec leur dernière game. Ouais. Ils ont perdu quelqu'un tôt je crois. Wow. Et ouais. C'est-à-dire que si l'équipe de Hads grattait le top 12, ils se qualifiaient. Parce qu'ils ont... C'est 11 leur average placement. Ouais. 71 kills on voit là sur la première place, ça me c'est choque beaucoup, un peu. Ouais. Hein. Ils ont vraiment killé toutes les games. Je suis pas sûr que ça soit non, c'est pas des kills, il y a des notes qui comptent et tout. Dans le classement ici, il y a les KO qui sont comptabilisé ouais, aussi, yes. Hein, sachez le chat. Donc c'est pas pareil que les points. Ads, du coup, combien de points? 48. Aïe, 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 ouais. Et pas assez loin. C'est un bon ouais. average placement, c'est dommage. Ouais, du coup, il faut te ça parce qu'on attendait plus haut dans le classement. Ouais. Bah, très bon placement aussi, tu vois, ouais. En moyenne, 12e. 12 average. Mais que 45 points, ça ne suffira pas malheureusement. Bon, bah écoutez messieurs, on regarde d'abord le trophée mystère et ensuite on est l'UMP, yes. Ça va nous rafraîchir un peu la mémoire sur la soirée. Allons-y. Directement, regardons les 6 actions de ce soir. Qui est-ce qui va gagner son trophée? On verra, ça sera à nous d'en décider dans quelques instants. Donc normalement on va démarrer par la première game. Voilà. Tout le monde veut le top 2. Un tic de gaz et il meurt, hein.
Tout le monde veut le et on se souvient de la baxion de Neufeuille là. La fameuse. On pourra la revoir, tu vois. Et ouais, là c'est la répu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. C'est plus clair comme ça. On l'a bien vu sauter et jeter ça avec lui. Ah ouais, du coup c'est Xewer qui top 1 là-dessus. Non, yes. Du coup c'était un triple top 1 s'il n'y avait pas cette fameuse répu. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Deuxième game, on va pouvoir observer directement l'action. Hein. Ça va très très, très vite. 2, hein. Tout est clean à 100%, on essaie de faire au mieux. Et donc c'est confirmé, hein. C'est les KO hein, qui étaient affichés. Hein. Prenez ça en compte. Ouais, c'est ça. Les deux sont là, vous voyez les deux solos. D'avoir plus de construction. C'est Ever. Mais en grand, limite. Le 1v2 là. Finalement, pour aller, il sait qu'il y en a un. La régie. Ouais. Il oublie pas, okay, c'est du 2v1 pour Ever. Ouais, c'est ça, il me semble. Le joueur G4 qui fait un petit exploit. Ah non, c'est normal là. C'était le 2v1 bien géré. Bien géré par cette classe. Très propre. Ça peut se récompenser aussi, le fait d'être clean, de pas prendre de risques. Mais on a vraiment eu des beaux moves. C'est ça aussi. C'est que ça se met en concurrence avec les autres actions. Et là, bon. 3 contre 2. Enfin, qui tire, hein, il a ouais, non mais là, il attend le bon moment, ça y est. Ah, c'est tellement dommage pour FaZe. Ah si, il se qualifie heureusement. 3v2. D'accord. Allez, il a plus de vie. 3v2, l'équipe qui sont deux, c'est ceux qui ont la hauteur. Ouais. Et l'équipe de. Ok, là, tu 2v2, FaZe. FaZe et Zobir. Non, le 2v1. Il pleut, il en 1v2. Ouais, il les a 1v2, je crois. La 3v3 même. C'est fait, il les a 1v3. Ouais, tu l'avais vu, hein, Oslo. Ouais. Ça aussi, hein, c'est. Franchement, ça va être dur, hein, de faire un choix. Hein. On continue. On a fait 6 des games. Difficile, vraiment, là. Moi, je pense que je vais pas me prononcer. Hein. Moi, je suis host. Je ne vais pas décider, moi. Oh, ouais, mais il est face à un trio. Il se splash au mauvais moment et du coup, on arrive sur le duel. C'est la roquette qui touche les deux, non? Ouais, c'est ça. Elle va être belle, hein, regardez. Hein. Bam! Yes. Ah, elle est belle. Un KO et un lot. Ouais. Et on va les finir. C'est propre, hein. Ça aussi c'est propre, hein, en vrai. Hein. Ça paraît simple en fait dans les faits, mais faut le sortir ce move. Faut le sortir. Et les 3, bah, ils peuvent rien faire à l'adversaire. C'est bien, ils sont bien là. Là, je joue à 5 kills. Regardez, mais Chouette, il continue. Ah, c'est bon, lui il meurt de la zone déjà. Nice. Il avait déjà 5 kills et là. Et encore, il y a des KO, je crois là. 5 toujours. Ils sont monstrueux, ouais, mesdames et messieurs, c'est une trio qui s'est montée pour l'occasion, pour juste essayer de c'est là, ouais, enfin, skill, là. Même un mix peut performer s'ils ont des bons points individuels. Donc là, il en prend un. Tu vois, il passe de 6 à 8. Donc il y avait déjà des mecs encore au sol en train de ramper et tout s'est validé d'un coup. Il se met très très bien. Après, il a été vraiment très très chaud, hein, sur ce move là. On s'en souvient très bien. Et il va nous rester la dernière game. Donc le dernier move, bien évidemment, gardez tout ça en tête, va falloir choisir. On est sous une bonne étoile, le pad qui va leur permettre de reprendre la route. Couteau qui rentre contre Majouet. C'est le fight de la game. Couteau qui a plus de vie. Couteau qui a un PV. Majouet dans une étoile qui tombe. Et c'est Nate qui doit faire le coup de main. Nate qui réussit le kill sur Bonassai. Nate doit en faire contre Couteau. Ça va se jouer à une seule balle. Il y a une roquette dans la main. Le lance-roquette de Nate peut-être. Couteau qui est très low life, mais il n'y a pas de choix. Plus de vie. Nate contre Couteau, c'est maintenant que ça va s'amener qui va finir premier round. Ça va dans quelques instants parce qu'il y a 3 points d'écart entre la deuxième et la première position. Couteau qui veut pas laisser Nate la hauteur. But, Nate qui reste en bas, qui reste à l'affût. Il le sait que son adversaire est en live. Ah, en glissant, hein. Ah, il est beau, ce... En glissant, Nate il la place cette balle. Le 1v1, il est intense. Je suis d'accord, hein. Il est fou ce dernier 1v1, mais il va falloir choisir. Vous avez revu les 6 actions. Tout simplement, donc maintenant il va falloir choisir déjà un peu votre avis. Vous ici, quel move vous a le plus, on va dire, marqué ou que vous trouvez que... J'hésite. Voilà, il y a quand même... Ok, ouais, t'as moi le droit. Aussi, j'hésite. Vous avez le droit. Entre lesquels? Comme ça au moins ça nous élimine entre deux. Entre le 1v2 clutch à la fin et le dernier, le Nate. Ah non, moi j'hésite avec celui d'avant. Où Meshwe justement il récupère le build, ouais, pour Nate. Ouais, j'avoue qu'on l'a pas vu. Ouais. Ouais, c'était pas, ça n'avait pas partie du clip, c'est mais bon, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Ah, je sais pas. Donc tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fonction de ce que vous pensez le plus opti. Et on va voir le chat ce qu'ils en pensent. Et aussi, ça va vous donner une idée. Il va falloir statuer. Maintenant, deuxième question en attendant que ça se passe. Vous devez choisir 3 joueurs qui, selon vous, méritent le titre de MVP. Et pareil, je pense qu'on refera un stropole entre les 3 pour décider qui est le MVP. 3 joueurs qui méritent pour vous le titre ce soir. Bah, 2 joueurs, on est d'accord. Je pense Podasai et Mush. Et je suis 3ème, mais... j'hésite. Moi, j'aurais mis Nate. Voilà, j'hésitais. Tu en veux le classement pour y réfléchir, ouais. Ça rappelle un peu. Je veux bien. Mais je suis assez d'accord pour Podasai et Meshwe, ça j'avoue. Moi j'aurais mis Nate en vrai. Aussi? Ouais, moi j'aurais mis Nate, Meshwe et Podasai. Ok. C'est difficile, hein. Ouais, je comprends. Après, c'est pas nous qui allons décider. Nous on met 3 blazes, ouais, et on laisse ça au chat. Et c'est Meshwe
qui remporte le trophée mystère. Mérité, hein. Mérité, ah, géré, totalement hein. Mérité, ça c'est clair et net. Et Meshway qui est très content sur le chat, justement. Il a tout gagné, hein, lui, ce soir. Il a pas encore la MVP. Maintenant, on va refaire la même chose. Donc vous voyez, trophée mystère Meshway, c'est déjà en place. C'est déjà, voilà, c'est fait la meilleure fin de game. Bravo à toi, Meshway. On t'enverra le trophée mystère d'une valeur de 1000 euros directement à la maison. Ça c'est cadeau. Maintenant, il va falloir choisir le MVP, le most valuable player, celui qui a été le plus fort selon vous durant cette soirée. Ouais, moi, je sais qui c'est. On a déjà dit les blazes. On a déjà les blazes, donc allez-y l'Ostropol, vous nous le mettez en place. Podasai, Nate ou Meshway, est-ce que Meshway va tout rafler? Oh, il y a une grosse. Et pour l'instant, il a l'air de faire le perfect ce soir. Alors Ah ouais, c'est dommage. Bah, Nate méritait un peu, tu vois. Moi j'aurais pris Podasai. Aussi, après les trois méritent en vrai, mais ouais. C'est vrai que Podasai il a fait premier, une sacrée soirée, Mesh. Hein. Oui, puis il a un gros public aussi. Podasai, il a fait une sacrée game, je suis d'accord. Mais Meshway, les deux dernières games, il a été ouf, tu vois. Ouais, mais si tu peux se rendre compte les premières games ou la première répulsive, tu vois, c'est-à-dire qu'on a oublié, on lui pardonne cette répulsive qui normalement fait en sorte. Ça leur coûte la première place. Hein, bah ouais, totalement. Parce que si top 1 là, c'est totalement, c'est un super argument ça. C'est un super argument, mais vous avez été très cool parce que ça leur a coûté la première place. Effectivement, cette répulsive. La répulsive, c'est loupé. Le destin, il dit. C'est un quoi, un test? C'est le destin. Ah, c'est le destin. Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça passe pour eux et ils sont. Ah, et en nuit blanche, Meshway, du coup. Ouais, c'est ce qu'on nous avait dit. Ah, non, mais c'est incroyable sa journée, hein, du coup. Bah au moins, il va dormir très calmement avec la sensation du travail accompli. Surtout, j'avoue, un trophée mystère qui arrive à la maison, un titre de MVP pour se la péter et surtout un rendez-vous le 1er octobre. Je pense que ce soir, Meshway, il repart avec tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez dire bravo Meshway, on peut l'applaudir sur le chat. Il est officiellement le MVP de cette qualification numéro 3 après Andilek sur la semaine 1 et Tixi sur la semaine 2. C'est Meshway qui remporte ce MVP, mais celui qui compte vraiment, ce sera le MVP de la finale. Voilà, il n'y en aura qu'un et on s'en souviendra bien évidemment. En tout cas messieurs, on arrive au bout de cette soirée. Ça y est, regardez c'est l'heure, vite, il est 22h50. Voilà. Incroyable. Je l'avais dit. Hein. C'est ça. Je vous ai pas menti, ça passe à une vitesse folle. C'est mais clair, c'est clair. Un grand plaisir d'avoir vécu ça avec vous. Je suis très content. Bien. C'est bien de vivre un tournoi d'un autre point de vue. Bah, Sky, t'avais vraiment la même réflexion. Surtout avec le mode de spec. Genre, c'est pas comme si tu regardais un stream. C'est incroyable. Là, tu peux tout suivre. Tu regardes ce que tu veux. Juste parfait. En vrai, il y a des petits problèmes, le mode ops, ou en termes de fluidité ou quoi, mais ils ont bien taffé dessus et les propres. Donc, ça annonce du très, 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 très lourd pour la semaine suivante. Je suis assez d'accord avec vous. N'hésitez pas à nous faire des retours sur Twitter. On les a affichés toute la soirée. Hein, Twitter de Miss, d'Oslo, le mien. Sur ce trio, sur est-ce que vous avez aimé, par exemple, le commentaire de ces deux personnes qui nous ont fait vibrer ce soir. C'est une first time pour nous. Bah, en plus de ça. Ouais. Et franchement, je suis très impressionné parce que vous avez un vrai savoir-faire. Et je parle aussi de Skype. Hein, je le mets dedans. J'étais vraiment très impressionné sur le cul, tu vois. J'en attendais un peu de lui et honnêtement, je l'ai trouvé exemplaire sur la soirée et c'est pareil pour vous. Donc, je vais essayer de faire ça plus souvent, de faire passer des joueurs pros quand, bien sûr, ils sont pas sur le terrain pour avoir ça parce que je pense que même au casse, même pour l'expérience du viewer, ça apporte un truc en plus. Donc merci à vous d'avoir encore une fois permis de continuer cette lancée et me montrer que j'ai bien raison d'avancer comme ça parce que ça fait son effet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette Dwag Cup. Ça va être le moment de se dire au revoir. C'était un vrai plaisir. Je tiens à remercier Tom au mode spec qui a été incroyable. Honnêtement, je pense que vous avez senti les efforts et le fait qu'il traîne de semaine en semaine. Là, c'était très agréable à suivre. On avait vraiment. Et t'as vu, tu demandes un truc, la map, boum. Ouais, ça va vite. Une équipe, bam. On a directement l'info. Donc, merci à Element, à la régie. Morgan, qui lui aussi a été monstrueux. Beaucoup de choses, on lui demande. Hein. Vous voyez, moi, je suis en mode, mets ça. Et toujours au taquet. Il est tout seul. Hein. Donc, voilà, vous ne vous dites pas qu'il y a 50 personnes derrière. Juste qu'on prépare bien les choses, on planifie bien les choses. Et avec peu de moyens, peu de gens, on peut faire de grandes choses si on a l'envie et l'ambition. Et c'est sur ces petit mot que je vais mettre fin à cette troisième qualification de la Dwag Cup et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale, le 1er octobre bien sûr, avec sûrement Gotaga qui sera à mes côtés pour vivre ça. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour trembler une fois de plus sur du Fortnite. Et encore une fois, merci Miz, merci Oslo. Merci. Et à très bientôt les gars. Ouais. À très bientôt, tout simplement. Bisous à tous, merci d'avoir suivi ce live et vous aussi, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Best.